Salut les cinéphiles, très heureux de vous retrouver pour ce bilan ciné 2022, le dernier de l'année. Salut la team, comment allez-vous, Bonsoir à messieurs? tous. Salut les amis, ça va Ça va bien, super? le monde? Ça va. Bon, très bien. Alex a mis le bonnet de Noël. Et le pull de Noël. Et le pull de Noël. Alexis n'a pas du tout joué le jeu, mais comme nous, enfin comme les trois Ben, j'ai autres. pas, en fait, j'avais songé m'acheter, tu sais, j'avais songé m'acheter un serre-tête qui clignote, là, tu sais, les trucs, là, tu vois, mais j'ai pas eu le temps, en fait. Alors, Ah oui, François, il a joué le jeu. Oui. On ne voit pas très bien. Mais... J'aurais trop chaud, moi, si j'avais un pull. C'est fou, bien. Alors, j'espère que les membres du groupe ont le lien pour commenter, parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient affichés. Alors, ceux qui nous regardent, il y a quatre personnes, ceux qui nous regardent, ah voilà, c'est ça. Delphine Nébord, donc bonsoir, bonsoir Delphine. Le lien est bien existant. Donc voilà, alors pour ceux Tu qui n'as nous pas besoin de regardent, signer Delphine, on voit ton nom, hein. ouais, c'est bien Delphine, elle... Ouais. Voilà, parce que l'autre fois, on n'arrivait pas à voir son nom, je crois. Voilà. Et puis Aurélie, bien sûr, hello. 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 Voilà, donc je rappelle, hein, pour ceux qui nous regardent et qui veulent commenter, n'oubliez pas de cliquer sur le lien du live pour donner l'autorisation à StreamYard de voir votre nom ou pseudo pour que nous puissions vous répondre. Je viens de m'en rendre compte pour mon nom qui s'affiche. Bravo Delphine, en tout cas. Stéphane Roulier. Salut Steph. Salut. Donc, petite nouveauté, et surtout parce que c'est la dernière de l'année. Si vous voulez venir 5 minutes sur StreamYard, nous faire coucou ou nous parler de votre film de l'année, c'est très simple. Vous me contactez sur Messenger et je vous envoie le lien pour nous rejoindre. C'est bientôt Noël et tout est permis. Ce soir, on se fait plaisir. D'ailleurs, je crois qu'Alexis va finir tout nu vers 23h. Donc, restez bien. C'est prévu. C'est prévu. C'est sympa de gober, Alexandre. Voilà. Et puis, vers 21h30, Lorenzo Bis, Stéphane Roulier, beau parleur, alors sous réserve, et Dark Magic Art nous rendront visite, chacun à leur tour, pour nous parler de leur coup de cœur ou leur coup de gueule. Beau parleur qui nous a lâchement abandonnés. Qui ça? J'avoue, putain. Beau parleur qui nous a lâchement abandonnés. Ouais. Il avait mieux à faire, apparemment. Non, il avait des obligations, il était dégueulasse. Je pense qu'il aurait préféré être avec nous plutôt que de se taper tout seul un projet qu'ils auraient dû faire à plusieurs. Oui, c'est vrai. Voilà. Sûrement. Sinon, alors Steph Villeneuve, ne pouvant pas être présent ce soir pour raisons personnelles, il m'a adressé un message cet après-midi et il m'a autorisé à le lire pour vous, les membres de Cinéphile. Donc, alors, la team Cinéphile est un cadeau pour chaque passionné de cinéma. C'est un des rares groupes à laisser autant de liberté d'expression et à se nourrir des avis positifs comme négatifs. J'ai beaucoup appris en parcourant les billets de tous les membres, le jeu d'Antoine Partouche, ainsi que sur les quelques lives auxquels j'ai participé. Les débats sont toujours d'un haut niveau d'écoute et de respect. Par ailleurs, j'ai toujours été soutenu par l'équipe pour mon travail sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que je vois beaucoup plus de films à l'affiche actuellement que d'anciens films. Ce sera ma résolution pour 2023, en vous souhaitant une très belle émission à tous et un joyeux Noël. Donc, un grand merci à toi, Steph, pour ce beau message. Et je parle au nom de la team Cinéphile en te merci, souhaitant Steph. Également merci. De très bonnes fêtes de fin d'année. Et alors, si vous me le permettez, moi, je rajouterai que ce petit groupe que j'ai nommé tout simplement Cinéphile il y a 3 ans n'est rien sans vous, sans vos publications, et que ce groupe composé de jeunes, de moins jeunes, de vieux, vous voyez Alexis et moi, d'ailleurs, si quelqu'un pouvait remettre
dans la bouche d'Alexis avant qu'il ne bave partout. Merci pour lui. Sur ce groupe, nous parlons de tous les cinémas, de sa naissance à aujourd'hui. Même si on a pu me reprocher quelquefois de privilégier le cinéma actuel ou les blockbusters, n'oubliez pas que je m'efforce chaque jour à limiter ce genre de film pour laisser la visibilité à d'autres genres et donner l'envie, je confirme, la curiosité, oui, d'aller voir des films peut-être moins connus pour certains. Mm-hmm. C'est pourquoi il n'y a aujourd'hui qu'une seule publication pour Avatar, qu'une seule publication pour Black Panther, pour éviter justement d'être noyé sous d'autres mêmes publications. Mmh. Et pour finir, je remercie tous ceux qui sont là avec moi ce soir, car sans eux, les lives n'auraient pas été possibles. Car oui, sur les lives aussi, tout en essayant de nous démarquer modestement des autres groupes, nous parlons d'un cinéma plus ancien, du cinéma du monde, parfois de la découverte de réalisateurs et d'un genre de cinéma moins coté, que nous appelons aussi vulgairement le sous-genre. Donc, messieurs, merci beaucoup. Merci Aurélie, elle nous voit aussi à travers son écran. Merci à vous tous, merci d'être là, parce que sans vous, je ne ferais rien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Denis. Merci à toi, Denis. Alors, on va reprendre les messages avant de commencer. Alors, quel beau message de Steve Villeneuve, oui. Même absent, il assure, c'est vrai. Oui. Il est fort le salaud. Il est fort le salaud, c'est vrai. Merci Steph. On dirait un dictionnaire, ouais. C'est ça. Bravo et merci Denis. Très beau message aussi de ta part, Denis. Vous allez me faire chialer, les gars. Bah, mais pas tout de suite, attends un petit peu. Hein. Attends qu'Alexis soit tout nu. Ouais. Oh non, pitié. Ah, quelle angoisse. Je garderai peut-être le suspense en 2023, rassurez-vous. Bien, on va commencer tout de suite alors pour ce bilan ciné, hein, parce qu'on est quand même là pour ça. Bonsoir à toutes et tous. Romain qui va peut-être nous rejoindre tout à l'heure à 21h30. Voilà. Bonsoir, Romain. Bonsoir, cher homonyme. Donc, Alex, si tu veux commencer, donc tu commences à nous parler de ton coup de cœur ou de ton coup de gueule, parce qu'on va avoir, on va avoir les deux. Voilà, moi je vais faire les deux. Je vais commencer par mon coup de cœur. Comme ça, voilà, on commence avec de l'amour, on finit avec un petit peu de... Très bien. De colère, voilà. Je vais commencer par donc Vesper Chronicles. Donc, okay. J'y vais là, c'est parti. Vas-y. Allez, c'est parti. Vas-y. Donc, Vesper Chronicles, que j'ai découvert très très tardivement. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. J'ai découvert très très tardivement cette année parce que j'ai eu une année un peu compliquée au niveau du travail qui a fait que j'ai pas pu aller au cinéma autant que j'aurais voulu et parce que j'ai une petite fille qui vient de faire 4 ans et qui de laquelle je dois m'occuper aussi beaucoup. Donc c'est un film que j'ai découvert donc là cette semaine et qui m'a vraiment 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 mis une belle petite claque dans la gueule. C'est de la super SF comme on aime, c'est du post-apocalyptique comme j'aime en tout cas. Donc c'est un film franco-belgo-lituanien, donc c'est assez rare pour être souligné. Voilà, c'est un film de science-fiction européen, donc voilà, c'est quelque chose qui est assez rare pour être souligné, avec un budget extrêmement petit de 5 millions d'euros ou 5 millions et demi d'euros. Et ça se sent pas du tout, en fait. C'est la première chose que j'ai remarqué en regardant le film, c'est que ça ne se ressent pas du tout. Donc c'est un film de Kristina, alors je vais certainement massacrer son nom, la pauvre, elle est lituanienne, de Kristina Bouzité, je crois que ça se dit comme ça, Bouzité, je suis pas sûr, et de Bruno Samper, qui lui est français, donc Cocorico. Et donc c'est un film avec des acteurs qui sont quand même un petit peu connus. Il y a Richard Drake qu'on a pu voir dans pas mal de films de Rob Zombie, qu'on a vu aussi dans des films comme Doom. Enfin, il a joué dans. C'est un second couteau quand même assez connu au cinéma, avec Rafaela Chapman donc qui joue Vesper,
Et Eddie Marsan, qu'on a vu aussi dans pas mal de films. Alors lui, on l'a vu dans extrêmement, dans beaucoup, beaucoup de films. Il est extrêmement connu, mais là, de suite, j'ai pas de films qui me viennent comme ça en tête. Mais je sais qu'il est, par exemple, oui, voilà. Et donc Rosie McEwen qui joue donc aussi un des rôles principaux du film. Donc pour faire le pitch très rapidement sans spoiler, dans un futur post-apocalyptique où la Terre donc souffre de l'absence de culture, une grande famine donc a décimé la majeure partie de la population et les personnes les plus aisées vivent dans des lieux reclus qu'on appelle. Quand tu dis absence de culture, c'est la culture agraire. Hein. La culture agraire, oui, pardon. L'absence de culture, ça peut être aussi aujourd'hui. L'éruditisme. Non, c'est l'absence de culture, de graines, l'absence de plantes, de nourriture, de bouffe. Voilà. Donc, les gens les plus aisés vivent dans des lieux reclus qu'on appelle des citadelles. Et les plus pauvres donc doivent errer dans une terre désolée en essayant de survivre tant bien que mal. Et donc dans cette terre désolée survit donc Vesper, une jeune fille qui doit avoir à peine 13 ou 14 ans, qui vit avec son père qui lui est comment dire, il est en espèce d'état semi morbide, il est à moitié mort, à moitié vivant, il est allongé sur un lit et il est connecté en fait à une espèce de robot grâce à une espèce de biotechnologie en fait qui fait que il arrive à transférer son esprit dans le petit robot qui accompagne Vesper tout le temps durant ses errances pendant le film. Et donc Vesper va réussir à trouver une combinaison en fait qui va permettre de faire pousser les graines. Et elle va vouloir en fait se servir de cette trouvaille pour rejoindre la citadelle et pour se sauver elle et son père. Malheureusement, comme vous vous en doutez bien, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc je n'en dirai pas plus. Mais voilà. Donc c'est un film. Donc déjà c'est une odyssée du vivant. C'est-à-dire que le film parle sans arrêt et sans arrêt habité par cet esprit de mort bien évidemment, mais de quête de la vie. De faire pousser des fleurs, de faire pousser des plantes qui seraient comestibles, de trouver un endroit où on puisse faire créer à nouveau de la vie. Donc c'est déjà une des premières choses qui embrasse vraiment tout le récit. Et c'est aussi un film dans lequel le merveilleux se mêle à la science-fiction. Je peux pas trop en dévoiler, mais Vesper, pour moi, c'est une espèce de plus qu'une biohackeuse, c'est un peu une magicienne en fait. Elle a réussi à créer des plantes absolument incroyables, enfin merveilleuses. C'est l'imagination qu'il a fallu pour créer ces plantes, c'est absolument incroyable. Et il y a aussi une mélancolie envoûtante dans ce film parce que la terre qu'on nous y propose, qu'on nous montre, est non seulement très 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 dure et très aride, mais elle est aussi peuplée de gens qui sont foncièrement mélancolique. Je sais pas comment expliquer. J'ai du mal à trouver les mots en fait. C'est il y a cette espèce de poésie morbide qui accompagne tout le film et qui fait que on ressent vraiment la difficulté de vivre dans ce monde-là, plus que dans certains autres post-apo où des fois ça a l'air même plutôt cool. Là on sent vraiment la difficulté de vivre dans cette terre-là. Donc le monde est dévasté, mais il est également magnifique dans les chroniques de Vesper, et c'est ça qui est assez troublant dans ce film, c'est que tout est tourné en décor naturel, donc en Lituanie. Donc c'est des paysages très arides, très très ternes, voilà. Avec en plus il y a une pellicule un peu grisâtre tout le long du film. C'est assez tristouné, on va dire, mais c'est fait exprès, bien sûr, c'est voulu. Et malgré cette aridité, en fait, on sent la richesse et en plus la direction artistique est tellement recherchée, est tellement riche et foisonnante que du coup ça habille vraiment merveilleusement bien le film. Donc ce film, c'est avant tout le témoin de la possibilité d'un cinéma d'anticipation européen. Et là, je mets vraiment l'accent sur le côté européen, parce qu'on a trop l'habitude de voir des films de SF américains. Maintenant, c'est devenu limite une marque de fabrique. Il n'y a plus beaucoup de SF qui se fait en Europe, malheureusement.
Et là, pour le coup, il y a une, c'est riche, c'est crédible, c'est rempli d'idées visuelles marquantes. C'est, on sent pas l'absence de budget, on sent pas l'absence de moyens techniques non plus. C'est vraiment, vraiment, j'ai envie de défendre ce film parce que on est vraiment trop noyé sous la SF pleine de CGI américaine. Oui, Alexis, je t'écoute. C'est censé se passer à quelle époque? La date n'est pas vraiment... Enfin, ça peut être dans 50 ans, ça peut être dans 100 ans, c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous ramène à notre condition justement actuelle, et le propos est très actuel finalement du film. C'est vraiment un film magnifique, c'est beau, c'est poétique. C'est un peu une fable d'anticipation en fait. On est presque au niveau du conte. On est presque au niveau du conte de la fable d'Henri, de la fable d'anticipation. C'est étrange, c'est fascinant. En fait, et il y a aussi un petit côté manifeste politique, comme je disais là tout à l'heure, qui est évident parce que ça nous ramène à notre condition actuelle. L'humanité ne se suffit plus apparemment. Il y a tellement de gens qui meurent de faim aujourd'hui qu'on peut se demander si dans 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, on ne sera pas dans cette condition-là. Donc, en ce qui concerne, sans spoiler, en ce qui concerne vraiment les influences des réalisateurs, on a du Cronenberg, on a du Jigger, on a du Jim Henson, ou on a même du Miyazaki. Alors moi, j'ai trouvé des références à Miyazaki. C'est assez incroyable. Surtout sur le côté écolo du film et sur le message que porte Wesker jusqu'au climax du film. Que je ne vais pas vous spoiler ici, mais on sent vraiment l'influence de Hayato Miyazaki. Donc cette jeune fille qui détient le secret capable de redonner vie à la nature mourante, c'est une poésie absolue. Le film est beau, malgré la tristesse des décors et malgré la lourdeur du propos, le film est magnifique, il est rempli d'espoir et c'est une dystopie vraiment qui renouvelle le genre, je trouve. Et qui apporte une fraîcheur à la SF post-apocalyptique qui est vraiment incroyable. Moi, j'ai pris une grande, grande tarte dans la gueule. C'est vraiment génial. Je vous recommande vraiment les Chroniques de Wesper. Stop à la CGI, stop aux films américains à 200 millions de dollars de budget qui ne racontent absolument rien et qui sont moches à pleurer. Et vive la SF un petit peu imaginative, un petit peu inventive, on va dire, parce que le fait de ne pas avoir de budget, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'idées. Au contraire, quand on n'a pas beaucoup de pognon, on est obligé d'avoir des idées. Et là, on sent vraiment que les mecs, ils ont réfléchi leur truc. Et il y a vraiment une idée par plan, c'est vraiment génial. Et le côté viscéral et organique de cette science-fiction, ça ramène vraiment beaucoup à Cronenberg. Donc, toi, je sais, Alexis, t'es pas client, mais Cronenberg est carrément cité à un moment dans le film. Non, j'adore. Cinématographiquement, j'aime bien, mais les thèmes qu'il aborde, moi, il m'a perdu à. C'était faux semblant, où je suis resté complètement interdit devant ce film. Enfin, même si je comprends les thèmes, c'était pour moi très malsain, assez inexplicable. Alors après, je connais ces thèmes. Ouais, mais Jérémy Iron, c'est incroyable. Hein, oui, bien sûr. Et je croyais qu'on ne pouvait pas s'intéresser à un film juste pour un truc. Non, je rigole. J'ai pas dit que je m'intéressais à ce film juste pour Jérémy Iron. J'aime beaucoup Vidéo. J'aime plus ces films avec une intrigue classique. History of Violence. Le Stephen King avec là où l'autre il est télépathe et il a des visions. Dead Zone. Vidéodrome passe encore, même s'il y a des trucs très bizarres. Et aussi, bien sûr, le dernier qui me manque, History of Violence, et La Mouche, bien sûr. Voilà. La mouche. Par contre, on va pas faire la filmo de Cronenberg, non, ça n'a rien à voir. D'accord. On va essayer d'échanger, monsieur. Parce qu'il faut qu'on garde un œil sur la montre, parce qu'on reçoit du monde à 21h30. En tout cas, merci. Alex, parce que... Et moi aussi, tu m'as donné envie. Ce film a l'air d'être mieux qu'Interstellar, avec des mêmes réels. Merci, Alex. Vraiment merci. Super. De rien. Alors, peut-être rapidement, mais vraiment en un mot. Romain, est-ce que tu l'as vu? François, Alexis,
Je ne l'ai pas vu, non. Je n'ai pas eu l'occasion. Tu as parlé, mais tu n'as vu, non. Okay. Alors, Steph Villeneuve me disait dans mon billet que j'ai fait sur la page Cinéphile qu'il avait vu et que lui, il était dans son top 2022 pour sûr. Donc, Steph Villeneuve a donné sa bénédiction. Donc, allez-y, vous pouvez y aller. Franchement, c'est génial. Eh ben, c'est parfait. On te dira tout ça alors sur le groupe Cinéphile. Alors, quand yes. Tu verras. Merci, Alex. Tu reviens donc pour ton coup de gueule cette fois. Ouais. Ok, merci à toi. Alexis. Bonsoir. Alors, bonsoir, en fait, merci. Moi, en ouverture, je voulais parler de cette année 2022 parce que je trouve que, après la profusion de films qu'on a eu après la fin du confinement, où je crois qu'il y avait 400 films dans les stocks qu'il fallait sortir, où au bout d'une semaine, si tu avais loupé le film, tu ne pouvais pas aller le voir. Bon, moi, j'ai une année assez. Active, on va dire, mais bon, j'ai une facilité, je vis seul, je vis à Paris, enfin bon, c'est quand même plus facile pour certains que d'autres, et je le comprends parfaitement. Donc moi, j'ai vu beaucoup de films, et je trouve qu'on a quand même une production, alors pas, il y a des films américains qui arrivent à sortir du lot, mais je trouve que quand même maintenant, il y a des trucs qui sont quand même assez merdiques, enfin, je trouve que le niveau… Non, mais pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année, tu vois. Donc, on va pas partir sur le truc. Mais cette année, ouais, on a eu de très bons films. Bon, moi, j'ai dû en voir une soixantaine au cinéma, mais j'ai retenu. Allez, je vais faire court. Bon, il y a Nightmare Alley, même si je ne suis pas hyper client de Del Toro, même si quand je vois la vidéo du cinématographeur qui m'explique. Le labyrinthe de Pan, je trouve son analyse géniale, fondée, vraie, machin. Mais moi, quand je vois le film, ça m'embarque pas. Je voilà. Enfin, tu vois. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un très bel objet, Nightmare Alley. Mais j'ai pas été. C'est très bien foutu, c'est très bien joué, c'est super bien filmé. L'histoire, je l'ai trouvé un peu. Je l'ai vu venir. Voilà. Enfin bon. Passons. Il y a eu 3000 ans à t'attendre. Il y a eu Elvis. Il y a eu quand même Nope que j'ai beaucoup aimé, quoi qu'en dise certains. Everywhere, Everything All At Once, qui était juste génial. Si vous ne l'avez pas vu, là, j'ai pas vu, je l'ai loupé. C'est un truc de malade. Voilà. On a eu chez les Français, alors là, je vous parle de films vraiment de cinéma. Oui. Mais on a eu des très chouettes trucs. Quoi. Il y a eu Smile qui était un petit film et qui, je trouve, renouvelait bien, enfin, pas renouvelait le genre. Utiliser tous les codes du genre, mais sans. Enfin, je sais pas, enfin, sans faire de copier-coller. Voilà. Alexis. Oui. Alexis, par contre, alors. C'est trop long. On parlera peut-être de ça vers la fin, après 21h30. Non, alors, non, mais moi, je prépare, justement, je peux introduire mon mot. T'inquiète pas, C'est plus l'introduction, là, c'est la préface. Là, il y a des vrais, on a eu quand même droit à des vrais films. J'ai peur avec toi que ce soit trop long. T'inquiète. J'ai déjà sûr. Je sais à quel moment j'ai démarré, d'accord? Fais-moi confiance pour une fois. Et puis sinon, tu vas aller te raser parce que là, ça fait sale. Non, c'est une private joke, ça. Voilà. Donc, au milieu de tout ça, il y a plusieurs films que moi, j'ai vraiment qui sont sortis du lot et qui m'ont vraiment refait kiffer en tant qu'objet cinématographique. Et le premier, c'est Asbestas, quoi, qui est juste, a été un truc où, en fait, tu te fais attraper dès le début du film. Tu passes dans une lessiveuse, quoi, dans une machine à laver, et le film te recrache à la fin. Tu es complètement pantelant, tu es crevé, et c'est juste. Enfin, voilà, moi, c'est pour ça que j'aime le cinéma. Autant je peux m'amuser devant des conneries, etc., et dire ouais, ok, j'ai vu un truc sympa, mais ça c'est du vrai, c'est un vrai film. Tu as une vraie montée en tension. Alors, le pitch, c'est en fait. Denis Ménochet et Marina Foïs, qui sont donc des Français et qui ont décidé d'adopter un mode de vie écolo, et ils vont en Galice vivre du produit de leur culture, donc en mode écolo. Ils vont dans un village qui est très, très, très pauvre. Et alors, quand je dis pauvre, c'est vraiment en deux secondes, pareil, le décor est posé. C'est
ça pue la pauvreté, quoi. Les gens, on sent qu'ils n'ont pas de boulot. Le village, il y a beaucoup de maisons en ruine. Enfin, tout est très vite installé. Et on sent qu'il y a un problème avec les voisins. On n'identifie pas tout de suite ce problème. Et petit à petit, Rodrigo Sorogoyen, donc le réalisateur, va monter, mais vraiment monter en tension et sans artifice. Alors, il va utiliser beaucoup de plans fixes, des faux plans fixes avec il y a une scène où les deux personnages principaux, les deux antagonistes, jouent au domino et on va avoir. Pas un travelling, mais un gros plan qui va s'approcher, mais tout doucement. Et en fait, sur 8 minutes, il va partir d'un plan large et pour arriver à juste centrer ces deux personnages. Et en fait, il va enfermer ces personnages, comme ça, à l'image, dans le duel qui les oppose. Et ça, mais c'est juste, enfin, c'est ce genre de truc qui me font vraiment aimer le cinéma. Oui, vas-y. J'ai oublié le nom de l'acteur. Pardon Alexis, excuse-moi, j'avais pas vu que tu voulais parler. Excuse-moi. Non, je te laissais parler justement. Je me rappelle plus le nom de l'acteur espagnol qui est l'antagoniste. Zahira, je sais plus son prénom. Il est extraordinaire. Il écrase tout le monde. Enfin, Ménochet lui tient bien tête. Et Ménochet, il est énorme là-dedans. Même Marina Foïs, j'ai moyen, c'est une bonne actrice, mais elle fait tout le temps la même chose pour moi. Voilà. Je suis d'accord. Pour moi, c'est peine à tout faire. Voilà. Mais elle joue le jeu. Bon, il y a la fille, mais en fait, c'est-à-dire que c'est tous. Ils jouent tous tellement bien. Il y a la fille de Ménochet, qui est un peu en dessous, mais. À mon avis, ça a dû être compliqué pour elle, pour vraiment être au niveau des autres, quoi. Mais en fait, ce film, c'est juste, c'est pour des films comme ça que j'aime vraiment le cinéma. Sorogoyen, en tout cas, moi, merci les gars, parce que Sorogoyen, c'est grâce à vous que je l'ai connu. Génial, incroyable. Il joue sur la profondeur de champ, il joue sur ses cadres, il y a une musique qui est presque inexistante et par moments, c'est pas une musique, c'est comme des bruits qui apportent au stress généré par le film. Et ce truc, et en même temps, tu vois, moi j'ai des gens autour de moi, on m'a dit voilà, quel est le film qu'il faut voir en ce moment. À l'époque où je l'ai vu, je dis voilà, c'est un film à voir en ce moment, c'est Asbestas. Ah bon, mais on m'a dit que c'était de la merde, il se passe rien. Ben non, enfin. C'est pas effectivement, t'as pas Spider-Man qui débarque, t'as pas un mec qui défouraille au milieu du cadre, sauf que t'as une tension psychologique qui est construite, mais de façon limite architecturale. Et puis chaque élément, chaque petit truc va venir s'assembler avec le reste, et pour finir en apothéose. Et puis y a rien de trop. Enfin bon, je peux pas trop spoiler. Mais il y a des scènes qui sont absolument hallucinantes. Je perds le fil de ma pensée. Et puis, ça reprend toujours aussi les thèmes de Sorogoyen. Moi, j'ai tout vu de lui sur son premier, qui n'est pas connu, qui est Lui Citas, là, ou Ocho Citas. A priori, il est très dur à trouver. Je n'ai pas encore vu Stockholm. J'ai vu tout le reste. Et la série. C'est un peu toujours les mêmes thèmes, à savoir des gens qui sont. Qui peuvent être monstrueux, mais qui ne sont pas monstrueux, en fait, qui sont des humains, en fait. Et c'est la perversité de l'âme, un peu, et pourtant, ils ont eu une mère, et c'est peut-être des parents, ils ont eu une enfance, et malgré tout, ce sont des gens qui sont complexes, quoi. Et Sorogoyen adore ça. Et vraiment, ce film, enfin, bon, c'est. Il y a autre chose que je voulais dire, mais bon, écoutez, ce n'est pas très grave, je pense que j'en ai dit. En attendant, on peut peut-être donner. La parole à François ou Romain ou Alex, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? En un mot, sûr. Je ne l'ai pas vu, perso, donc je ne vais pas trop en parler. D'accord. Alors, moi, je l'ai vu juste la semaine dernière. Et pareil que toi, Alexis, j'ai pris une grande place. C'était extraordinaire. Sur Goyen, extraordinaire, direction d'acteur parfaite. Oui, comme tu disais, fait jeu sur la montée de tension, sur. Tout est parfait. Enfin, j'ai vu Stockholm dans la foulée. En plus, j'ai vu El Reino. J'ai adoré. C'est un super metteur en scène. C'est incroyable. Incroyable. Et juste, si je peux juste, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Et en fait, Sorogoyen, dans son écriture, parce qu'il écrit avec sa compagne, il y a un truc que je trouve énorme et ça se passe dans beaucoup de ses films, c'est-à-dire qu'il prend une direction
Et son personnage principal, tu l'identifies d'une certaine façon. Et à un moment, dans le film, il y a une situation où tu ne vas plus voir le personnage de la même façon. En fait, les valeurs vont être inversées par rapport à ce que tu penses. Et c'est juste, mais tu voilà. Et je te dis, il y a une tension. Il a son chien. Le Denis Ménochet a un chien. Et en fait, quand il se balade dans le cadre, t'as l'impression qu'à tout moment, il y a un mec qui va sortir et qui va se passer. Il y a plein de trucs comme ça. Et alors, typiquement, ça, c'est le genre de film. Tu peux le voir sur le support télé dans de bonnes conditions, mais c'est typiquement le genre de film qu'il faut voir au cinéma, quoi. Voilà, dans l'absolu. Voilà. Voilà. François, tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu au ciné. Ben, je partage entièrement les avis d'Alex et d'Alexis. Moi, j'ai adoré aussi. Ça a été une claque et c'est cas pour moi l'un des meilleurs films de l'année. Quoi. Moi, c'est le numéro 2. Hein. Je vous précise. Ouais, pareil aussi, quoi. Deuxième ou troisième, mais voilà, j'ai adoré aussi. Bon, merci Alexis. Moi, c'est pareil, j'ai quasiment tout vu de Sorogoyen, sauf celui-là, justement. Et tu l'avais vu. J'aurais dû spoiler. Il n'y a que Madré, moi, que j'ai pas encore vu. Lequel, François ? Madré, c'est le seul que j'ai pas vu. Madré, magnifique celui-là. Ouais. Merci Alexis. Et puis on te retrouve pour ton deuxième coup de cœur. C'est un tout petit film, je crois. Mais voilà. Qui a le mérite d'être, d'être mis en lumière. Merci à toi. Romain. Ouais, alors moi, je vais aussi parler de coup de cœur ce soir. Parce que c'est bientôt Noël, donc faites l'amour et pas la guerre, comme on dit. Et ça fait aussi. Ouais, aussi parce que ça fait pas mal de temps que j'évite le plus possible de ne pas aller voir les films. Enfin, que j'évite d'aller voir les films que je sais qu'ils vont pas me plaire ou bien que j'ai des doutes. En gros, là, la seule merde que j'ai vue cette année, c'est le dernier Les Animaux Fantastiques. Oui. Mais sinon, à part ça, tous les films que j'ai vus étaient soit moyens, soit bons. Le premier film dont j'ai parlé, il s'appelle Close. C'est le deuxième film d'un réalisateur belge qui s'appelle Lucas Dont. C'est un film qui avait été présenté en compétition officielle à Cannes. Il avait gagné le Grand Prix. Moi, personnellement, ça fait un petit moment que je l'ai vu parce que je l'avais vu en juin. D'ailleurs, les deux films que je vais présenter, je les ai les deux vus en juin dans le cadre du Festival de films de Sydney. Donc ça fait un petit moment, mais j'ai quand même d'assez bons souvenirs du film, et c'est aussi pour ça que j'en parle. Donc c'est le deuxième long métrage de Dont. Il avait fait un premier film en 2018 qui s'appelle Girl, qui parlait de la transition d'une fille transgenre, enfin d'un garçon, enfin de quelqu'un qui est né garçon et qui fait sa transition en tant que fille, et elle vit très mal le fait d'avoir encore un sexe masculin. Et c'était déjà un film qui prenait un ton assez, enfin c'est le genre de film que j'aime bien parce que c'est assez naturaliste dans l'esprit. J'avais un peu plus de peine avec le traitement de la transidentité, je trouvais ça pas toujours très subtil. Mais dans l'ensemble, c'est un film que j'avais bien aimé. Et Close, par contre, donc l'histoire de Close, c'est quoi? C'est deux garçons. Donc il y a Léo qui est joué par un jeune garçon qui s'appelle Eden Dambrin, qui partage une très forte amitié avec un autre garçon qui s'appelle Rémi, qui lui est joué par Gustave de Welle, je ne sais pas trop comment on dit. Excuse my Gustave de Welle. De Welle. De Welle, voilà. De Welle. Oui, Gustave de Welle. Ah, de Welle. Okay. Et puis du coup, ils partagent vraiment une amitié très forte, donc qui est quasiment fraternelle, c'est-à-dire qu'ils vont tous les jours à l'école ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, même, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment tout le temps ensemble.
Et ben, le jour où il commence, où, après c'est le jour de la rentrée, donc il commence les deux, je crois que c'est l'école secondaire, et ben, il commence à recevoir des réflexions de la part de certains camarades qui leur disent ben, « Est-ce que par hasard, est-ce que vous ne seriez pas en couple ?» Parce que ben, ils se comportent vraiment, enfin ils sont vraiment extrêmement, extrêmement proches, quoi. Ils sont aussi très tactiles, ils dorment ensemble, comme je dis. Et puis du coup, bah il y a donc Léo, oui c'est bien Léo. Donc Léo, c'est le garçon blond, celui qu'on voit de face sur la fiche, qui commence un peu à se poser des questions sur lui-même et sur sa relation qu'il a avec Rémi. Et du coup, il va commencer à s'en éloigner de petit à petit. Et puis bah Rémi va commencer Rémi donc son ami, il va assez mal revivre, et puis du coup il va essayer au bout d'un moment de lui dire mais qu'est-ce qui va pas, voilà. Et puis en fait il y a Léo, en fait ce qu'il fait c'est qu'il commence à trouver de plus en plus de prétextes pour passer de moins en moins de temps avec Rémi, parce que vraiment ça lui pèse cette histoire que on les voit comme étant donc un couple, donc comme étant un couple homosexuel. Alors que bah dans leur esprit aux deux c'est juste des amis très très proches. Et puis du coup bah leur relation elle va petit à petit se dégrader jusqu'au jour où il y a un drame qui va arriver. Je vais pas dire ce que c'est, mais c'est un drame qui va profondément affecter Léo. Et qui va du coup se tourner vers la mère de Rémi, qui est jouée par Emily Deakin, qui ont aussi une relation très 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 proche. Il a à la fois une relation très proche avec Rémi, mais également une relation pratiquement comme un mère et comme une mère et un fils avec la mère de Rémi, limite plus encore qu'avec sa propre mère à lui. Et du coup, je vais pas trop expliquer ce qui se passe à partir de la deuxième moitié du film, parce que ça reviendrait un peu à révéler l'élément perturbateur principal. Mm-hmm. Mais en gros, oui, il y a tout. Après, il va se poser des questions sur. En fait, il va se sentir mal. Il va se sentir mal par rapport à ce qui se passe. Il va se poser énormément de questions. Il va être extrêmement triste. Et en fait, c'est un film, c'est assez incroyable. Quand je l'ai vu le film, je suis ressorti. Je me rappelle qu'à la fin de la séance, je restais assis pendant 2-3 minutes et je me suis dit, waouh, parce que c'est vraiment le genre de film qui te prend ici, parce que du coup c'est un drame qui prend vraiment aux tripes. C'est filmé d'une manière qui est à la fois très naturaliste et qui est très proche de l'humain aussi. Il y a à plusieurs moments dans le film des gros plans sur le visage de Léo qui sont incroyables, parce qu'il a une sorte de regard qui est si perçant à des seuls autres cinéastes que je connaisse qui fait des plans pareils qui te prennent au cœur comme ça. À ma connaissance, c'est Bruno Dumont. Il y a un petit peu ça là-dedans, parce qu'il arrive vraiment à ressortir vraiment les émotions de ces acteurs. Et en parlant d'acteurs, pour moi, la performance de Aidan Dobrin, c'est clairement la performance de l'année. Il est incroyable, il est incroyable. Lui, donc l'acteur, maintenant, il doit avoir dans les 15 ou 16 ans, je crois, pour ce moment, mais du coup, il était plus jeune encore quand le film était tourné. Il est incroyable, il est tellement vrai. T'as vraiment l'impression de voir limite de documentaire par un moment, même s'il y a toujours certaines parties dans le film où t'as des codes assez grossiers du mélo avec une musique triste, avec des effets un peu genre Instagram quand il court genre dans l'herbe, des trucs comme ça, mais il y a une telle émotion en fait qui se redégage du film que c'est vraiment incroyable. Pour moi personnellement, c'est mon film préféré que j'ai vu cette année. Et après, j'en ai pas vu
des remasses non plus, parce que j'ai eu une année assez busy. Mais ça, ouais, c'est clairement vraiment top 1. Et ouais, si vous l'avez pas vu, je le conseille vraiment, parce que ça prend au trip. C'est une très belle histoire. En premier, c'est une très belle histoire d'amitié. Et puis à la fin, c'est vraiment, ça se sent vraiment en drame qui est bouleversant. Tous les acteurs sont incroyables. Les deux gosses, donc j'ai dit, du coup, il y a aussi Abby Duquesne, il y a aussi Léa Drucker dedans, qui joue aussi très très bien. C'est, ouais, pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur numéro 1 que j'ai pu voir au cinéma cette année. Et je crois que je suis dans les temps. Ouais. Bravo. Très bien, Romain. Qui l'a vu parmi vous? Moi. Eh ben, Alexis, on t'écoute. Ben moi, Lucas Donte, j'ai eu déjà une très 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 belle surprise quand j'ai découvert Girl, que j'avais énormément aimé, a priori plus que Romain. J'ai trouvé sa façon de faire. Girl, c'est très intimiste. Il est toujours très proche de ses acteurs avec une caméra qui bouge beaucoup. Et t'es sans arrêt avec tes personnages, quoi. Et ce qui est hallucinant et ce que tu retrouves dans ce groupe-là, c'est que les principaux acteurs sont des acteurs débutants qui ont été castés dans des castings sauvages. Et quand tu vois la performance qu'ils délivrent, c'est juste hallucinant, quoi. C'est incroyable, ouais. C'est magnifique. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un très beau film. Bon, après, il y a un truc, c'est que pareil. Je parle pas de Girl, passons, puisque c'est pas le sujet. En revanche, Claude, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, très, très, très peu de choses sont dites. Tout est dans les attitudes, les scènes, les gestes, les non-dits, et d'ailleurs j'ai été très surpris, parce que c'est le genre de film qui normalement aurait dû avoir la carte, parce que, moi il y a des films que j'appelle qui ont la carte en France et d'autres qui n'ont pas la carte. Il y en a qui ont la carte directe, et ça, j'ai été très étonné, et ils trouvaient que c'était pas assez parlant, et au contraire j'ai trouvé que moi la qualité du film, c'est justement que ça parlait pas beaucoup et qu'il y avait beaucoup de choses en subjectivité. Et c'est ce qui rendait le film encore plus beau. Voilà. Okay. Alors effectivement, on a beaucoup glosé sur les enfants qui courent dans les champs avec le soleil couchant, mais au contraire, ça pose la relation, ça pose cette espèce de sentimentalisme qui on sait pas exactement effectivement la relation qui existe entre ces deux enfants et qui va être la base de tout le film. Et moi, c'est vraiment un film que j'ai trouvé magnifique et que j'ai adoré. C'est un très très beau film. Oui. Et moi, c'est pas ça fait partie de mes préférés de l'année. Il serait certainement dans mon top 10 si je devais faire un top 10. Allez, Alexis, on a plus parlé que Romain là, ou j'ai mal chronométré? limite. On va laisser la parole à François. Vas-y, tu l'as vu aussi. Moi pareil que Romain et Alexis, donc j'ai adoré aussi. J'ai été ému. Moi, je rajouterais juste un petit mot sur la performance d'Emily Duquesne, que j'ai trouvé aussi vraiment très bien. Elle est magnifique à l'écran aussi. Elle est tellement belle dans le film. Voilà. Ils sont tous impeccables, même les petits gamins qui sont en arrière-plan dans la cour de récré, ils sont tous géniaux. Ouais. Oui, c'est... Et puis la manière dont l'émotion monte crescendo aussi. Il y a peut-être effectivement, disait Romain, peut-être deux, trois effets, on va dire un peu tire-larme, mais bon, dans l'ensemble, voilà, moi, je trouve que le film se tient bien, que ça monte crescendo en émotion. Et moi, pour le coup, c'est le premier film de Lucas Donne que je voyais. Je n'ai pas encore vu Girl, mais c'est prévu. Mais en tout cas, moi, c'est un réalisateur que j'ai très envie de suivre. Mais en plus, il a encore eu un prix, je crois, justement, que ça a fait. Le Grand Prix à Cannes. Le Grand Prix. Oui, c'est ça, le Grand Prix à Cannes. Le Grand Prix. Merci. Merci Romain, super, encore un film à mettre sur la liste. Hein. Donc, exactement, il est noté. Magnifique. Merci à toi. Donc, on t'écoute pour. Alors toi, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule?
Coup de cœur. Un coup de cœur. Voilà. Donc, ben moi, c'est pour vous parler de Io de Jerzy Skolimowski. Alors, ben, l'histoire, il n'y en a pas vraiment. Donc, en gros, voilà, c'est l'odyssée atypique de Hanan. Voilà, qui va une sorte de road movie comme ça, animalier. Et c'est Hanan qui va être le témoin à la fois de la tendresse et la cruauté du monde. Et on en est fait, d'accord, François, on est bien d'accord, on ne parle pas d'Alexis là. Ah, il va manger ce soir. Ce soir, il va manger. Il l'a mérité en même temps. C'est la préquelle à Alexis. Dans certaines séquences. Et donc, en fait, moi, ce qui m'a vraiment touché dans le film, c'est que c'est un film en fait qui raconte plus visuellement que narrativement. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de scénario à proprement parler. Donc, on va suivre cette âne qui va se balader de coin en coin et qui va vivre différentes émotions. Donc, au départ, ben, voilà, on va voir que l'âne en question, ben, il est verré dans un cirque, qu'il est vraiment très aimé par sa propriétaire, mais qu'il est très maltraité par le frère de la propriétaire qui est le directeur du cirque. Donc, on va le relâcher en quelque sorte. Puis de là, il va faire la rencontre d'un autre propriétaire qui va plus ou moins bien le traiter, etc. Et là où, pour moi, le film a vraiment scotché, c'est qu'il utilise vraiment différents types de mise en scène pour illustrer son propos. Donc, c'est-à-dire qu'on a un montage chromatique représenté par la couleur rouge qu'on voit même sur l'affiche. Cette couleur rouge qui est là, en fait, pour illustrer justement les grands moments de cruauté. Donc, c'est-à-dire que quand on va voir l'âne confronté à la pluie, bah, l'image va devenir rouge. Ou alors comme ça, en pleine forêt, où il y a les chasseurs qui vont massacrer des sangliers, etc. Mais l'âne, lui, ne va pas se faire toucher parce qu'il va être témoin de tout ça. Bah, ça, c'est montré sous la couleur rouge. Ou même quand il va être, malgré lui, la cible de hooligan en colère, quoi, bah, pareil. Et il y a aussi beaucoup d'ellipses. Et alors aussi, comme figure de style, la synecdoque. Donc, c'est-à-dire que Skolimowski va utiliser plusieurs objets, comme par exemple ici dans le film, notamment beaucoup de draps blancs pour illustrer la tristesse de la séquence qu'on vient de voir. Donc, c'est un film qui m'a vraiment touché dans la mesure où, vraiment pour moi, son idée à Skolimowski, c'est de décrire un certain état du monde. Donc, c'est une manière de montrer à la fois que le monde peut être cruel, mais aussi tendre, qui plus est sous les yeux d'un animal. Et surtout qu'en plus, l'âne en question, mais il y en a eu plusieurs, hein, pour le film, il y en a eu trois. Moi, je trouve que la direction d'acteur, si je puis dire, de l'âne est admirable, parce que je vais dire rien que de voir sa tête dans le film. Enfin, moi qui adore les animaux, j'étais scotché. Et. Après, voilà, il y a peut-être le seul petit reproche que je pourrais refaire au film, c'est qu'il y a parfois peut-être des scènes un peu rajoutées, j'ai l'impression, à la truelle. Il y a notamment Isabelle Huppert qui est là, on va dire, en guest star, dont le personnage ne sert pas vraiment à grand-chose. On a l'impression qu'elle est là pour attirer une certaine audience, on va dire. Comme Isabelle Huppert est très liée au cinéma d'auteur, ben voilà. Mais sinon, en dehors de ça, ben voilà, le film n'est pas très long, il dure 1h30. Alors, je disais, c'est pas un film qui est forcément facile d'accès parce qu'il raconte pas grand-chose, en tout cas d'un point de vue scénario, mais visuellement, moi, je l'ai trouvé vraiment très, très beau, très, très scotchant. Et je tiens juste à rajouter, juste que voilà, moi, c'est le premier film que je voyais de Skolimowski. Je me suis un petit peu renseigné sur lui et c'est un réalisateur, apparemment, qui est très bien coté, comme je lui dirais, qui a reçu pas mal de récompenses dans sa vie, que ce soit à Cannes, à Venise, etc. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu son parcours, etc. Et qui a travaillé même avec des pointures comme Jeremy Irons, Hurt. Et moi, en tout cas, c'est le premier film que je vois de ce réalisateur-là. Et en tout cas, ça me donne envie. Je terminerai juste très brièvement en disant que voilà, on compare Io au film de Robert Bresson, Au hasard Balthazar, qui met aussi en scène un âne. Bon, voilà, moi, après le film de Bresson, je l'ai vu il y a très, très longtemps, mais pour moi, les deux films sont très différents parce que moi, j'ai été plus sensible au style Skolimowski qu'au style Bresson, parce que Bresson, dans son film, c'est
il n'y a pas vraiment d'émotion véritable, quoi. Je vais dire, c'est même, voilà, c'est plus sec, c'est, il n'y a pas vraiment de vrai point de vue sur le monde, vraiment à celui de Skolimowski, quoi, qui, donc voilà, c'est vraiment le monde dans tous ses états, vu à travers les yeux d'un âne, filmé avec mélancolie et tendresse, et ben, moi, c'est une très belle expérience de cinéma, quoi, qui est pas facile d'accès, même très radicale, mais très belle. Voilà. Ok, merci François. Celui-là aussi, j'ai très envie de le voir. Je vais le voir d'ailleurs en salle, et puis ça ne s'est pas fait, mais je le rattraperai une fois qu'il passera sur Canal. Mais il me tente beaucoup celui-ci. Quelqu'un d'entre vous l'a vu? Malheureusement, non. Non. J'aurais voulu, mais non. Non, il y a trop. Ben, malheureusement, il y a trop de choses, quoi. Il y a beaucoup de. Ouais. Bon, en tout cas, merci François, tu nous as. Mais en tout cas, oui, tiens, moi, j'avais déjà très envie de le voir, et connaissant les goûts de François, et en général, on est assez raccord, en général. Hein. Oui, oui. Et bah, tu m'as donné envie, en tout cas. Ouais, bah, merci. Ouais. Bien. Bon, bien. Merci. Merci à toi, François. Il est 21h28, on va accueillir le premier invité qui vont se succéder donc avec Lorenzo Bis, Dark Magikarp et peut-être Le Parleur qui viendra quand même. Et donc on va commencer par Stéphane Santa Steph Klaus. Coucou à tous. Salut Steph. Salut. Ouais, salut, pas, Steph. Salut à tous. Hello. Si vous me voyez. On te voit, on te voit. Bon, très bien. Bon. Oui. Je suis attentivement l'émission depuis le début, toujours hyper intéressante. Là, on te voit bien, là. Voilà, bon, écoutez, oui. Je suis juste déçu par vos pulls de Noël, parce qu'ils sont beaux. Ah non, le mien, il est moche, attends. Non, attends, je vais te montrer ce que c'est un pull moche, et je pense que je vais être champion du monde, toute catégorie. Oh là, oh là. Mon Dieu, j'ai peur. Voilà. Ça va. Ah oh, yes! Ouais. Et il est mignon! J'espère que tu vas au boulot avec celui-là. Hein. Et ben, je vais aller au boulot avec. Et c'est mon frère qui me l'a passé parce que dans son entreprise, ils avaient un concours. Il a gagné ou la main. Voilà. Ah, bah, tu m'étonnes. Ah, bah ouais, je peux comprendre. Mais, juste au magasin, les gens ne vont pas penser que c'est du premier degré parce que sinon, j'ai des très mauvais goûts. Très belle chatte en tout cas. Très beau minou. Très beau minou. En plus, j'adore les minous, donc ça tombe bien. Ouais, moi aussi, grand fan de minous. J'espère que ça y est, ça va dériver. D'ailleurs, François, on a un très beau sur lui. Ah, c'est vrai. Bon, c'est pas cool. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'en fait, en général, j'arrive quand même assez à me tenir. Et il y a plein de gens qui sortent des insanités et on leur dit rien. Mais et moi, on me cartonne tout le temps. Alors, il y a quand même un truc qui merde ici. Hein. Ouais. T'as pas juste heure d'animaux, moi. En fait, c'est Alexis. Il a mis 2 ans pour se calmer. Et en fait, ce soir, en fait, Alexis, t'es calme et tout le monde te le reproche. En fait, t'as remarqué les. C'est ça. Attention, hein. Le calme cache la tempête, hein, c'est ça. Oui. Et comme là, on dit toujours, tempête en novembre et dans chien en décembre. Voilà. comment vas-tu, Stéphane? Eh bien, écoutez, très très bien. Fin d'année, comme tout le monde, un peu sur les rotules parce qu'il y a beaucoup de travail. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Un film dont peut-être on va parler plus tard, je crois, il me semble. Et j'ai hâte d'aller le voir parce que les critiques sont dithyrambiques. Mais même si, en fait, j'ai une petite. Non, Durandal a dit que c'était nul. Durandal a dit que c'était de la merde. Non, mais bon, c'est Durandal. Ah, c'est Durandal. Ouais. On peut considérer que le film est bien, alors. Exactement. Ça veut dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, c'est ça. Mais c'est vrai que toutes les critiques sont excellentes et je ne sais pas pourquoi, j'y vais un peu à je ne sais pas, Non, non, mais ne t'inquiète pas. Non, du tout. Stéphane, oui. on va te laisser la parole, tu vas nous parler de ton… Toi, c'est un coup de cœur, je crois. Hein. Oui, et après un petit coup de gueule, mais rapide. Après, et un petit coup de gueule, ouais. Rapide, parce que Dark Magikarp et Lorenzo sont déjà en attente. D'accord. Voilà, donc
Alors, ceux. Enfin, non, ben non, du coup, je ne peux pas faire partir les autres, puisqu'ils n'ont pas parlé encore de leur coup de gueule. Mais on va, je te donne la parole, Stéphane, et puis ensuite, on accueillera Dark Magicar. D'accord, avec plaisir. Eh ben, je m'enlèverai, tu me feras enlever. Alors, mon coup de cœur de l'année, j'en ai eu plusieurs, notamment Elvis, notamment le Batman, etc. Mais mon coup de cœur, c'est quand même le film de Dominique Moll, La nuit du 12. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment un excellent film. Incroyable. Excellent. Tout en subtilité, je trouve que c'est un film qui ne repose sur aucune facilité. Il n'y a pas de joli cadrage, il n'y a pas de joli plan, etc. Moi, j'aime bien en plus les jolis plans dans les films, etc. J'aime bien quand c'est bien éclairé, bien filmé, etc. Et là, il n'y a pas de facilité ni dans le scénario, ni dans les dialogues, ni dans l'enquête. Et en fait, malgré tout, ce film est captivant du début à la fin. Dès le début, on sait d'abord que cette enquête n'aura pas de fin heureuse, si on peut dire, entre guillemets. Et ça, alors ça, bon, je ne spoil pas, parce qu'en fait, le but du film, c'est tiré d'un bouquin d'une nana qui, alors je crois qu'elle s'appelle Pauline Guénard, voilà, qui avait interviewé quelques policiers, et en fait, de raconter leur enquête les plus terribles, et souvent c'était des enquêtes qui étaient inachevées, où ils n'avaient pas trouvé l'assassin. Et c'est le cas de La nuit du 12. Donc en fait, n'y allez pas en pensant que c'est un Wood Unit, etc., qu'on va, voilà, où c'est presque un anti-Colombo, parce que dès le début, on sait qu'on ne trouvera pas l'assassin, et ça crée une sorte de montée en une escalade un peu dans le suspense, etc. À chaque fois, on est très proche, on pense que, et on le sait, hein, on pense qu'ils vont trouver, et en fait, non. Et, la frustration. La frustration, ça crée de la frustration. Et en fait, c'est pour ça que beaucoup. C'est très bien, parce que la frustration qui nous est proposée, enfin, qu'on crée en tant que spectateur, on s'identifie totalement aux flics. Parce qu'on dit, on a la même frustration qu'eux, c'est-à-dire qu'eux sont toujours tout près du but, on pense qu'ils vont trouver l'assassin, et au dernier moment, ça fait que c'est pas lui, ou c'est voilà, que lui a un alibi, etc. Vraiment, vraiment un beau film que je vous conseille. Il y a mon chat qui me hurle derrière, que je vous conseille d'aller voir. Les acteurs sont formidables. Il y a Bully Lanners qui fait un boulot exceptionnel. Comme d'habitude. C'est un film qui m'a fait rappeler deux autres films, alors un petit peu Police et puis surtout L627 de Bertrand Tavernier. Ouais. Parce qu'on est vraiment en immersion dans cette brigade de police. C'est une sorte de documentaire, mais avec des moments d'introspection, avec des moments très très beaux. Notamment, il y a une scène où Bully Lanners est dans la voiture avec son pote, qui est le capitaine. Bastien Bouillon qui joue, le capitaine Johan Ville. Et en fait, il raconte qu'il est en train de se séparer avec sa femme, enfin que voilà, ça ne se passe pas très bien. Et en même temps, il y a cette enquête en cours et on sent toute la détresse du personnage parce que même s'il y a une solidarité dans cette équipe de police, on sent aussi qu'il y a de grands, grands moments de solitude. Et un autre acteur aussi qui est très bon, c'est Pierre Lottin. Alors, Pierre Lottin, pour la petite histoire, c'est celui qui joue un peu le fils un peu débile. C'est un euphémisme dans les tuches, vous savez, celui qui a la casquette, etc. Et là, il joue une sorte de bad boy qui est en plus violent avec sa compagne, etc. Donc, c'est un très, très, très beau numéro d'acteur. Et puis, ce film, aussi, j'ai une tendresse particulière parce qu'il était tourné à Saint-Jean-de-Maurienne en partie. Et Saint-Jean-de-Maurienne, eh ben, c'est la ville où j'habite. C'est ma ville de cœur depuis quelques années. Et c'est vrai que Saint-Jean-de-Maurienne, la Maurienne, c'est particulier. Saint-Jean-de-Maurienne, c'est encaissé, c'est entouré de montagnes. Donc, ça donne un sentiment un petit peu austère, un petit peu fantastique, presque. Il y a quelques années, il y avait eu Les Rivières Pourpres qui avaient été tournées pas loin, qui avaient un petit peu le même style d'ambiance. J'ai eu la chance d'assister avec mon pote Nadir à une des scènes, parce qu'une des scènes était tournée dans le lotissement à deux maisons de la sienne, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres de chez moi aussi. Et c'était la scène, en fait, quand la jeune fille qui sort, en fait, d'une petite réception chez des amis va se faire assassiner un petit peu plus loin. Et c'était hyper intéressant. On a demandé, bien sûr, si on pouvait assister à la scène à Dominique Moll, qui a accepté bien volontiers. Donc, on s'est mis en retrait.
Il y a une douzaine de prises, c'était super rigolo. Il y avait un chat, comme ici, qui a interrompu la scène deux, trois fois. Donc, c'était assez drôle. Et en fait, c'était tout le travail. Parce qu'en fait, c'est une scène assez banale. Elle sort de la... qu'elle a mangé avec ses potes. Elle a à peu près 25 ans. Elle sort de... une vingtaine d'années, plutôt. Elle sort de chez ses potes. Et quelques centaines de mètres plus bas, elle va se faire assassiner très, très violemment. Mais il y a quand même une mise en abîme de cette scène. Et voilà, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et j'ai même eu la chance de parler 3-4 minutes avec Dominique Moll. Je lui ai dit que j'avais adoré son film précédent, Seules les bêtes, avec Denis Ménochet. Que j'ai loupé, ça, ouais. Ah, c'est un excellent film. Denis Ménochet, ouais, et Laurent Calamy. Du coup, après avoir vu La Nuit du 12, j'ai eu d'autant plus envie de le voir, évidemment. Alors, je pense que même d'ailleurs, Seules les bêtes est encore plus réussi. Dominique Moll, c'est un excellent réalisateur pour moi, qui n'est pas suffisamment connu, qui aurait certainement une carrière exceptionnelle s'il était aux États-Unis. Et il y a une construction dans ses films, il y a une profondeur, tout est réussi au niveau des dialogues, au niveau de la musique, au niveau de l'ambiance. Ouais. Enfin, voilà. Et j'ai eu la chance de lui en parler, de Seules les bêtes, et que j'avais adoré son intervention dans les bonus où il racontait les scènes. Et en plus, sur le tournage, c'est un amour, hein, parce que le mec, il gueule pas, il faisait froid, c'était au mois d'octobre 22 octobre 2021. Il a refait la scène douzaine de fois. Des fois, ce n'était pas tout à fait réussi. Il la recommençait, mais toujours dans la bonne humeur, toujours aller voir ses actrices en leur expliquant ça, ce que tu as fait, c'était super bien, mais est-ce que tu peux juste là mettre un petit peu plus de voix, un petit peu plus d'enthousiasme quand tu leur dis au revoir, etc. Donc, c'était un beau moment. Moi qui rêvais, je n'avais jamais assisté à un tournage de film et j'en rêvais depuis des années. Donc, voilà mon petit film La Nuit du 12 qui a été tourné à Saint-Jean-de-Maurienne en partie à Grenoble. Si vous avez l'occasion de le voir en VOD ou en replay, n'hésitez pas. C'est un très, très beau film. Et vous m'entendez toujours, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Très bien. Et alors, je ne sais pas si on fait tout de suite. Tu peux faire le coup de gueule ou pas? Oui, voilà. Oui. Non, on réagit d'abord. Alors, attends, ouais, moi, j'ai un truc à dire avant. J'ai un truc à dire parce que ça va rejoindre, en fait, mon coup de gueule de tout à l'heure. J'ai adoré La Nuit du 12, que j'ai vu aussi il y a très peu de temps, là. Donc, je te rejoins sur tout ce que tu as dit, Stéphane. Parfait. Par contre, je vais parler de féminisme et de propos féministes dans les films tout à l'heure. Là, il y a un propos féministe qui est très fort dans le film La Nuit du 12. Et c'est tellement bien amené, c'est tellement bien maîtrisé avec des dialogues tout en subtilité où justement on sent le poids de l'homme sur la condition de la femme dans le monde dans lequel on vit. Mais c'est tellement subtil et c'est tellement bien amené que c'est jamais, en tant qu'homme, tu te sens pas oppressé. Tu sens qu'il y a quelque chose forcément qui existe dans le contexte social actuel et qui est dénonçable, qu'il faut dénoncer. Mais ça n'est jamais oppressant pour l'homme. Et c'est complètement l'inverse du film dont je vais parler tout à l'heure. Donc, La Nuit du 12, excellent, super film et propos féministe très, très, très fin. Complètement ouais, d'accord, alors, ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai vu aussi pas mal de trucs sur le féminisme autour du film, parce que c'est vrai qu'on en parle, voilà. C'est assez subtil quand même. Hein. Je suis pas d'accord avec ça. Mais en fait, je pense que c'est pas le sujet principal. Mais c'est vrai qu'effectivement... Non, c'est pas le sujet principal, Il y a une réplique quand même d'une jeune policière à l'enquêteur en chef qui lui dit ce sont majoritairement les hommes qui tuent et majoritairement donc les femmes qui sont tuées et ce sont majoritairement les hommes qui sont employés pour arrêter les assassins. Donc c'est un monde dans lequel les hommes tuent et les hommes sont payés pour arrêter les tueurs. C'est un monde d'hommes finalement. Et j'ai trouvé cette réplique très très incroyable quoi. J'ai trouvé vraiment ça très très fort. C'est un monde d'hommes où les proies sont des femmes. Bien sûr. Ouais, enfin, ça se passerait chez les infirmières. Ce seraient les infirmières qui seraient majoritaires. Enfin, je sais pas. Ça, c'est que mon avis. Hein. Mais bon, Alexis, vas-y. Non, mais alors La Nuit du 12, film formidable. Effectivement, même si tu connais l'issue du film dès le début, on t'annonce clairement la couleur par un carton avant le générique. Même jusqu'à la fin, tu espères. Et effectivement, il y a une frustration. Ce qui est génial, c'est que on est confronté à différents suspects tout au long du film, et chaque suspect pourrait être le coupable en fait. Et c'est ça qui est juste,
Ça s'axe ça pas peut... plus sur. C'est tous les hommes, finalement. C'est très réaliste. C'est tous les hommes qui ont tué Laura. Ça dévie un peu sur la petite copine qui pourrait être jalouse. Enfin, c'était pas aussi manichéen que ça pour moi. Parce que pareil, t'as les flics qui parlent des femmes. Eux, alors effectivement, on a des gens qui sont assez toxiques parmi les où t'as des paumés, où t'as un mec qui est complètement malade, tu vois. Mais les flics, eux, ils ont pas du tout une attitude. Et pourtant, ce sont des hommes, puisque si on parle que des assassins, ok. Enfin, des assassins présumés, pardon, des suspects, les flics, au contraire, eux, ils sont dans la vie de tous les jours avec des problèmes d'amour, j'aime ma femme, mais elle ne m'aime plus, et puis ça se passe mal. Enfin, j'entends ce que tu dis, je le comprends, mais je partage pas forcément cette vue-là. Mais ça peut être ça, mais pour moi, ce n'est pas le propos. Voilà. Sinon, très, très, très bon film. Voilà. Bon film. Ce qui a été déroutant sur ce film, quand je l'ai vu, j'étais avec donc mon ami Nadir et une autre amie, c'est de voir les scènes à Saint-Jean-de-Maurienne, de voir cette jeune fille qui se fait assassiner. Et moi, j'ai deux filles, dont une qui est un tout petit peu plus jeune. J'ai une belle fille aussi qui a à peu près cet âge-là. Et de voir ces scènes, de voir les endroits que je connais et ces scènes-là, ça a effectivement en plus une ampleur et une… Et une c'est perturbant, oui. Ça a été très, très perturbant. Et d'ailleurs… dans un peu le délire, mais quand on a terminé le film, on est repassé exactement où il y avait deux scènes, c'est-à-dire donc c'était à quelques mètres de chez nous. Et c'est vrai que ça donnait une autre ambiance encore à cette ville. Et effectivement, c'est perturbant. Moi, je rejoins quand même assez Alexis, parce qu'effectivement, on parle du féminisme, mais je suis assez d'accord avec toi. Il y a quelques salaud dans ce film, notamment le fameux Pierre Lottin qui vit avec une institutrice qui tabasse effrontément et sans se faire plus que ça inquiéter. Mais il y a quand même, il y a encore des gens bien et on sait que c'est un monde malheureusement. Non, mais le film est nuancé par rapport à ça. On ne dit pas qu'on ne dit pas que le film dénonce tous les hommes et Raising Your Girl ou des films comme ça qui étaient. Bien sûr, et bien plus que le film dont je vais parler tout à l'heure. Ce que je disais, c'est pas que le film était un pamphlet féministe. Je disais justement, c'était subtil et que ça marquait la condition de la femme dans la société moderne. C'est quand même majoritairement les femmes qui seront butées par des hommes. On peut pas, on peut pas passer à côté de cet état de fait. En fait. C'est vrai. Oh, ok. François, tu l'as vu? Tu veux rajouter quelque chose? Et je l'ai vu aussi. Ben moi, pareil que Alexis, Stéphane et Alex et Romain, j'ai adoré ça. Moi, j'ai été aussi très touché par la prestation, les prestations de Bastia Bouillon et alors aussi Bouly Lanners. Bouly Lanners, moi, de quelques films que j'ai vus avec lui, pour moi, c'est peut-être sa meilleure performance. Bon, ça a toujours été un grand acteur, mais moi, il y a une scène qui m'a marqué, c'est quand il débarque comme ça chez le type qui est sur le point de cogner sa femme, etc. Enfin, moi, ça. Là, j'ai vraiment vu qu'il crevait l'écran. Et alors aussi, comme disait Alexis, même si on t'annonce d'emblée que l'enquête n'a jamais été résolue, t'as quand même envie, t'es quand même. Tu te dis, oui, ça pourrait être telle personne, telle ou telle. Donc, il y a certains suspense qui est quand même très prenant. Et alors aussi, encore une fois, tout le point de vue, parce que moi, j'ai vu aussi une sorte de point de vue comme ça sur une société. Quelque part un peu à la dérive, quoi, je vais dire, où on prend quand même l'homme dans ce qu'il a de plus bestial, de plus sauvage. Et sur un état de la police, un constat de la police en France qui est absolument incroyablement triste. Et alors, ont des autocopus qui ne marchent pas. Ils sont tout à fait. C'est pour ça que ça fait penser à L627. Ouais. Et un aparté, Dominique Blanc, qu'on voit peut-être 5 minutes à l'écran, qui joue à une juge d'instruction, qui est juste phénoménale. J'adore cette nana. Elle est. Il y a des scènes que j'aime beaucoup. C'est qu'on voit effectivement le capitaine, le jeune capitaine, Johan Vive, là, qui s'entraîne à vélo sur un vélodrome. Et on le voit tourner en rond pendant tout le film. Et l'analogie, elle est facilement faisable. C'est-à-dire que cette enquête, il tourne en rond. Et à la fin, quand il passe à autre chose, même s'il n'a pas trouvé le coupable, il en est libéré. Il est libéré et on le voit faire du vélo en montagne, s'élever en montagne en faisant du vélo. J'ai trouvé ces scènes.
Alors, ça pourrait être bébête en disant ouais, c'est facile, il tourne en rond sur le vélodrome, après là. Mais justement, je trouve ça hyper subtil. Et moi qui suis Romain, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe au prochain film de Stéphane? Ah, moi, je voulais juste dire, moi, je suis pareil que tout le monde, j'ai vraiment adoré le film, il aussi doit être dans mon top 5 de l'année. J'ai vraiment aimé le fait que le film il soit volontairement redéceptif. Dans le sens où c'est comme ça doit être expliqué, ça annonce dès le carton introductif que c'est une affaire qui n'a jamais été résolue, et pourtant à plusieurs moments dans le film on a quand même une touche d'espoir alors qu'on ne devrait pas le faire, parce qu'on sait déjà comment le film va finir, et c'est là qu'on voit aussi à quel point le film est bien construit et bien écrit, parce qu'on nous donne quand même on nous tend une sorte de bâton qu'on retire directement, et c'est un film qui est très déceptif. Et moi, j'aime les films qui frustrent, les films qui sont un petit peu comme ça déceptifs, parce que j'aime bien que ça apporte autre chose que les happy endings, ce genre de choses. Donc ouais, c'est vraiment superbe film. Ouais. Très bien, merci. Stéphane, si tu veux, alors c'est ton deuxième film. Alors, mon deuxième film, d'autres films que j'ai beaucoup aimés, Elvis, etc. Mon deuxième film, c'est plus un coup de gueule. Je vous ai déjà rebattu les oreilles avec ça, mais je vais rajouter une petite couche. Ambulance! Non, c'est Top Gun Maverick. C'est Top Gun Maverick. Oh non! Non, mais alors, moi, j'assume. Alors, le pire, c'est que je suis allé le voir et j'ai plutôt bien aimé. En plus, c'est vrai, j'ai plutôt bien aimé, c'était plutôt sympathique. Mais moi, ça reste qu'un film sympathique. Et quand je vois les critiques dithyrambiques, alors je comprends un peu le côté nostalgique, etc. Mais je trouve que le film ne mérite pas toutes les critiques dithyrambiques que j'ai vues. Moi, je suis resté, je vous en ai déjà parlé, je suis resté halluciné sur la note sur Allociné. Alors, on peut dire Allociné, c'est machin, etc. Mais c'est quand même le spectateur. Le film a une note de 4,4. Et quand je vois qu'il est au-dessus d'un Casino, qui est mon film préféré, je pense que on n'a pas vu le même film. Mais les échelles de valeur ne sont plus les mêmes, mon pauvre Stéphane. Mais c'est ça. En fait, c'est vieux, nous. Tu comprends ? C'est pour moi, les notables aussi. Il y a des gens qui mettent Ambulance comme un des meilleurs films de l'année, tu vois. C'est n'importe quoi. Et franchement, ils ont un goût. Ils sont... Moi, je comprends. Mais alors, le film est sympa. Tu rentres, tu vois un film sympa. Ça reprend exactement les recettes du premier, mais entre guillemets, les moyens d'aujourd'hui, même si la plupart des scènes de tournage d'avion, etc., sont réalistes et sont vraies. Mais on reprend les. Alors, il y a la scène du volet là, qui est remplacée par la scène sur la plage, etc. Enfin, il y a la scène avec Kelly McGillis, là, c'est Jennifer Connelly. Ouais, enfin, l'attaque, c'est Star Wars. Enfin, bon, tu. Enfin, voilà. Donc, on sort, on se dit, c'est sympa, mais après, tu vois, et tout le monde a encensé ce film. Alors, on se dit, putain, on est en 2022, et ça, c'est un des meilleurs films que les gens ont vu cette année. Donc, le niveau du cinéma est extrêmement faible, on est bien d'accord. On ne s'attend plus à grand-chose. Moi, j'attends beaucoup plus, par exemple, du prochain Indiana Jones pour le côté nostalgique, même si, finalement, la bande-annonce m'a un petit peu laissé perplexe. Ouais, mais Top Gun... C'est Mongol quand même. Mongol, ouais, derrière. Ouais. On a fait tout un foin sur Tom Cruise. Le 4, c'était Spielberg. Hein. Ouais, mais le 4, c'était Spielberg. Calmez-vous. Il ne voulait pas le faire. Mais il ne voulait pas le faire, mais il l'a fait. C'était le cadavre de Spielberg. Ce Top Gun, ça m'a fait penser, vous savez, quand on va des soirées et qu'on entend toujours les mêmes chansons des années 80, c'est-à-dire. Image, les démons de nuit. Mais quand t'as vu un coup, c'est sympa, tu t'amuses. Mais au bout d'un moment, je trouve qu'il n'y a pas d'imagination. Mais ça a été vendu comme ça. C'est ce que dit Alexis, ça a été vendu comme ça, ouais. Ça a été vendu comme ça. Est-ce que je peux... Alors, juste deux petites choses. Stéphane, j'aimerais te poser une question, justement, par rapport à ça. Est-ce que tu trouves, justement, le Top Gun 2 supérieur au premier? J'ai revu le Top Gun 1 quelques mois avant le Top Gun 2, je l'ai revu sur Netflix, j'ai trouvé effectivement qu'il avait mal vieilli. Voilà, dans les scènes de... Ils sont dans les bars, etc., dans les scènes d'amitié un peu viriles, etc., même si on sait que c'est un peu
poussé à l'extrême, etc. Et quand j'avais vu, moi je me souviens d'avoir vu Crypto Gay, les scènes d'amitié. 14 ans, et j'avais adoré, je crois, je l'avais même vu, je l'avais vu deux fois d'ailleurs. Mais effectivement, maintenant ça m'a vieilli, même si les scènes d'avion sont toujours plutôt réussies. Par contre, je trouve l'histoire d'amour entre Kelly McGillis et Tom Cruise, La progression de la scène. Plus crédible, et puis surtout avec cette attente, parce qu'ils n'arrivent jamais à s'embrasser, ils n'arrivent jamais à machin. Là, j'ai trouvé Jennifer Connelly extrêmement fan. Tom Cruise, tout à l'heure. Non, Jennifer Connelly n'est pas fan. Non. Et moi, j'ai trouvé fan. Jennifer Connelly n'est pas fan. Non, jamais. Mais j'ai trouvé un petit peu fan dans ce film. Et tout ce que j'aimais dans Top Gun 1, j'ai trouvé un petit peu beaucoup plus mièvre dans le Top Gun 2. Mais Top Gun 1, j'avais beaucoup aimé, même si maintenant c'est difficile à re-regarder et à s'enthousiasmer à nouveau. Ouais. Je peux comprendre. Alexis, tu voulais dire quelque chose ? Oui, alors moi je voulais. Donc Top Gun Maverick, moi je l'ai vu au cinéma, je me suis éclaté, c'est un très bon divertissement. Mais je te rejoins, Stéphane, tu vois. J'ai passé un bon moment. Moi, il y a un curseur chez moi. Tu vois, je ne l'ai pas acheté en Blu-ray. Donc, c'est un signe. Ce n'est pas le film que je vais revoir. Je l'achèterai un jour. Il sera en promo. C'est quand même le truc que je reverrai avec plaisir. Mais en même temps, ça a surfé sur… C'est un paradoxe, ce film. Parce qu'en même temps, ça utilise tous les outils du cinéma actuel qui sont utilisés par Marvel… par donc le blockbuster, les effets spéciaux, la grosse production, l'acteur bankable, etc. Et en même temps, ça joue sur le cinéma maintenant, c'est plus bien et avant c'était mieux. Je trouve que c'est un paradoxe ce film parce qu'on sait, on te dit clairement, on te le vend comme ça, que ça reprend le cinéma des années 80-90 qui était Top Gun, qui pour moi, mais je l'ai vu, mais c'est comme une Madeleine de Proust, j'arrive à me remettre dans l'esprit, et puis j'adore Tony Scott, moi. Oui. Moi, je trouve que, oui, il a vieilli, mais oui, je l'aime encore. Voilà, je peux le revoir, alors pas tous les quatre matins, mais c'est un film que j'aime bien, et que je, pas que je préfère, c'est deux trucs différents, mais en même temps, ça va faire 10 ans que le cinéma stagne, et qu'on voit des Stranger Things, des Captain Marvel, des Il était une fois Once Upon a Time in Hollywood. Alors, pas pour les mêmes raisons, mais ça surfe sur la nostalgie, comment c'était avant, l'ancien temps, et remis, un peu refilmé aujourd'hui. Ouais. Alors attention, je ne mets pas sur un pied d'égalité le Tarantino et Maverick. Ouais, quand même. Non, on parle de… Ce qui est, les arguments qu'on utilise, parce que je suis désolé, mais Once Upon a Time in Hollywood, il a recréé Los Angeles de son enfant. Oui, c'est la nostalgie complète. Licorice Pizza, on nous a sorti la même salade. Enfin, tu vois, je suis désolé. Et on se sert de ça systématiquement aussi. Alors bon, c'était un très bon divertissement, Maverick. Voilà, j'ai fini. Alors, je suis assez d'accord avec ce que dit Stéphane. Mais c'est vrai que malgré tout, Top Gun 2 a quand même fait du bien aux salles en France. Oui. Bien sûr. Oui. On a relancé les fréquentations. Et Tom Cruise est quand même quelqu'un qui… Et moi, j'ai trouvé personne. C'est quelqu'un qui s'investit dans le cinéma, qui s'investit à tous les plans et qui… Tout à fait. Qu'on en dise, mais il fait vraiment des films… Du bon. Le cinéma. Bien sûr. C'est là où est le paradoxe, c'est-à-dire que… Moi, j'ai trouvé le film, c'est pareil que Alexis, je ne le reverrai pas une seconde fois, je ne l'achèterai pas, etc. Mais par contre, ça m'a fait super plaisir quand même que ce film fonctionne et que finalement, j'étais content que ce film fonctionne. Mais j'étais déçu finalement en le voyant, j'étais un tout petit peu déçu, mais j'étais content parce que voilà, parce que ça surfait sur le passé. Tom Cruise revenait un petit peu au premier plan, même si j'ai pas toujours aimé ce qu'a fait Tom Cruise et pas toujours adhéré à ça. Alors, on ne va pas parler du débat là-dessus, mais à sa vie, à toutes ces casseroles qui traînent. Mais j'ai été content que ce film marche. Et j'étais content que Tom Cruise se batte. À un moment, c'était prévu qu'il sorte sur les plateformes. Hein, j'étais content qu'il se batte et qu'il puisse sortir ce film. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est tout à son honneur. Mais je suis un petit peu déçu quand même du film. J'aurais pensé qu'il me… Voilà, quand j'avais vu les premières critiques, et je suis allé le voir à peu près une semaine ou deux après, j'étais un petit peu en dessous quand même de ce à quoi j'attendais et de ce à quoi j'espérais. Ok, alors Romain et ensuite Alex. Ouais, moi perso, j'ai adoré. Quand Alexis dit que c'est un excellent divertissement,
moi, c'est carrément un excellent film. Pour moi, ce n'est pas vraiment le bon exemple à prendre pour dire qu'il y a un nivellement pas par le bas et que du coup, les gens se contentent de moins. Ça, c'est quelque chose que j'appliquerais plus à un film comme le dernier Batman, C'est pas ce que j'ai dit. plus qu'à. Non, mais c'est Steph qui a dit ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, moi, bah, le premier Top Gun, je ne suis pas vraiment fan, je trouve ça ultra niais. J'aime beaucoup les séquences de vol. Et c'est plus ou moins pour ça, en fait, que je vais voir Top Gun. Et si je revois le premier, c'est limite, je passe les scènes où il n'y a pas les dogfights. Et le deuxième, les séquences de dogfight, mais elles sont incroyables. Est-ce qu'on a déjà vu un autre film qui a des séquences de Non, mais je suis dogfight d'accord. qui sont Non, autant incroyables non. que dans Top Gun Oui. Maverick? C'est incroyable, c'est ça prend. Oui. Moi, j'ai trouvé ça incroyable, franchement. Bien sûr. C'était Alors, ouf. moi, juste, voilà, pour rebondir sur ça, ce que j'ai adoré, moi, dans le film, outre la nostalgie qui, sur moi, a fonctionné à balle, hein, moi, rien que le générique d'entrée avec les avions qui décollent du porte-avions, j'étais content, hein, dans la salle de cinéma. Ma femme était obligée de me calmer parce que je sautais sur mon siège. J'étais super content. Mais outre ça, moi, ce que j'ai adoré, c'est le setup payoff du film. C'est-à-dire que tout le film est construit sur la promesse d'un final en apothéose. Et putain, tu as ton final en apothéose. Ouais, Le c'est combat ouf, est c'est fou. absolument dantesque. Et même tous les entraînements qui sont faits et tout, tu te dis, ils pourront pas aller plus loin après les entraînements qu'ils ont faits, quand même, les séquences de vol, elles sont géniales. Et ça va encore plus loin. Et tu étais au cinéma, tu es obligé d'être content, t'en prends plein la gueule. Donc, je suis pas d'accord sur le fait que c'est un nivellement par le bas, parce que il y a tellement eu de boulot sur justement la construction de ce setup payoff et sur le fait que tu sois content de voir ce que tu vois à la fin. Quand même, ça fait parce que les Marvel essayent de construire ce setup payeur qui n'arrive jamais finalement. T'es toujours déçu à la fin. Tu dis putain, j'ai attendu tout ça. Tu dis, j'ai attendu tout ça pour ça, le Marvel là. Même la bataille à la fin d'Endgame, tu dis putain, c'est à chier, c'est dégueulasse. Donc il y a un moment où t'as besoin d'avoir cette récompense et tu as cette récompense dans Top Game avec. Pardon, François, vas-y. Ben voilà, moi, ce que je voulais simplement rajouter, c'est que ben moi, j'ai beaucoup aimé le film. C'est que quand je suis allé le voir, j'avais vraiment cette impression qu'on avait enfin un bon blockbuster à l'ancienne, quoi, je vais dire, fait, ben voilà, de manière artisanale, et pas, ben voilà, comme on disait avec les Marvel, etc., où ça dégouline de CGI, etc. Et on parlait tout à l'heure de fan service. Bon, ici, voilà, on est dedans, mais je trouve que Ah, vous comprenez? j'ai trouvé, oui, mais je trouve que le fan service, quand même, est beaucoup plus digeste que celui de Spider-Man No Way Home, par exemple, où là, Non, mais on n'en parle pas, non. oui, mais je veux dire, voilà, le titre de comparaison, oui, mais je veux dire, voilà, c'est-à-dire que ce sont deux films qui assument, on va dire, leur fan service, mais il y en a un pour lequel on sent beaucoup trop, en l'occurrence, No Way Home, le côté, ouvertement marketing, quoi, je vais dire, publicitaire, même, je vais dire. Et ici, moi, pour Top Gun Moi Maverick, aussi, les ben, films. on sent, il y a, ben voilà, déjà l'investissement à 100% de Tom Cruise, ou voilà, ça, c'est ça aussi qui est Obligé. touché, c'est que ben, Tom Cruise, voilà, comme Denis le disait, il s'investit à fond ses films, etc. Au-delà d'être un grand acteur, c'est aussi, je pense, un monsieur qui adore le cinéma, et voilà, quoi, simplement. Le côté bon blockbuster à l'ancienne, fait à l'artisanal, etc. Moi, ça m'a beaucoup plu et non, un très bon moment. Et y revoir aussi Val Kilmer par la même occasion. Ok. Ah Ok. oui, ah oui. Alors, Oui. deux petites Non. secondes, Alexis, parce Une que anecdote. Lucas voudrait arriver. Il va bientôt, il va être obligé de partir. Donc, on va le laisser parler un petit peu et puis après, il pourra s'en Vais être très aller. bref, très bref. Ouais, vas-y alors. Pour rejoindre tout ce que vous avez dit, en fait, il y a eu une engueulade qui a fuité, qui est venue du plateau du tournage de Top Gun. Pour rejoindre tout ce que vous avez dit sur l'amour de cinéma Tom Tom Cruise est devenu un industriel quand même du cinéma. Le mec, c'est bon. Cruise. Et le type, en fait, il trouvait que son équipe n'était pas à la hauteur et les a déchirés à la comme sur le plateau de Terminator, là, l'autre acteur que j'adore. Excusez-moi, vous savez quand je suis Christian fatigué. Bale. Christian Voilà. Bale. Sauf que lui, il a tapé un ego trip et il l'a traité de merde. Et Tom Cruise, il a tapé une gueulante en disant, mais on n'a pas le droit de faire ça au public. On n'a pas le droit de décevoir le public. Là, on est en train de tourner un film pour le public. Il faut qu'on soit au top. Et je rejoins donc tous ceux qui ont dit que c'était effectivement un truc qui était tourné vers le cinéma. Et juste, et toi, Denis, tu as aimé Top Gun? Oui, bah oui, j'ai bien aimé, mais aussi pour le côté nostalgique, pour
pour ce que représente Tom Cruise dans l'industrie cinématographique, pour tout ce qu'il a fait, un très bon acteur. Et puis. Et l'histoire. Comment ? Et l'histoire, le scénar. Je suis pas. Enfin, le premier, j'ai pas vraiment aimé le premier. Le deuxième, je l'ai trouvé justement supérieur au niveau du scénario. J'ai trouvé supérieur au premier. D'accord. Voilà. Oui. Même si effectivement l'histoire d'amour est, voilà, c'est toujours un petit peu bébête, mais voilà, je me suis laissé prendre par le film et puis par toute cette tout ce côté nostalgique aussi justement. Et puis tous les vols sont faits sans effet numérique aussi. Donc ça aussi, c'est quand même très important. Voilà, en 2022. Stéphane, on va être obligé de se séparer parce que Dark Magic n'a pas de temps. Je lui laisse la place avec plaisir. Voilà, donc merci beaucoup Stéphane. Merci à vous les amis, continuez bien, je continue à vous suivre. Bon courage. Merci, bis à tous, et vous êtes au top. Et voilà, c'est hyper intéressant. Merci, c'est gentil à vous aussi. Et j'ai noté plein d'idées de films. Donc voilà, donc le boulot, il est fait les gars. Bravo. C'est super. Tu sais que c'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous, Steph. Ben, ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir, Denis, de participer au live. Et tu mènes ça de main de maître. Et voilà. On ne le dit pas assez, mais il y a beaucoup de boulot derrière. Donc, on t'encourage. Et je déconnais tout à l'heure sur le dictionnaire parce que ton petit laïus, j'ai trouvé ça super bien. Voilà. Et le petit laïus de Steph aussi. Voilà. Donc, vous savez que j'aime bien vanner. Je ne peux pas m'empêcher de vanner, mais ça n'empêche pas que je vous adore, les gars. C'est gentil, Stéphane. Salut, Steph, merci. Passe de bonnes fêtes de fin d'année. Bye. À vous aussi. Bye. Ciao. Donc, alors, on accueille Dark Magica qui va peut-être nous parler d'un coup de gueule. Salut à tous. Bonsoir. Salut, Dark. Je passe juste à foutre ma merde et après je repars. Tu as tellement raison, Dark Magica. J'énerve Alexis et je repars. Voilà. Super, mais genre une bonne couche. C'est une mission du soir. Donc, alors Dark Magikarp, donc toi, tu as une chaîne YouTube. Hein. Pardon, j'ai pas entendu, excuse-moi. Tu as une chaîne YouTube, je disais. Ah oui. Bon, elle est en perdition, mais bon, elle existe. Elle survit, on va dire. elle marche très bien. Donc, voilà, c'est surtout sur les supports physiques. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, on fera bientôt un live spécial support physique, ce serait sympa. Donc, si tu veux y participer, ce sera avec grand plaisir. Avec plaisir. Bon, moi, j'ai suivi le live depuis le début pour voir un peu si mes films ressortaient. Sauf si j'ai loupé quelque chose, je crois qu'ils ne sont pas encore sortis. Place à la vachette. De mémoire, ouais. Là, je crois que. Place à la vachette. Je vais pas faire long, hein, parce que je vais pas vous embêter trop longtemps. Avoir votre avis déjà sur. Alors, on est d'accord que coup de cœur, coup de gueule, ça veut pas forcément dire mon film préféré de l'année, le film que j'ai le plus détesté. Non. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite. C'est pas forcément le cas pour le coup de gueule, pour le coup. Je vais commencer par le coup de gueule, parce que c'est là où je veux quand même votre avis. Bon coup de gueule, ça aurait pu être Top Gun Maverick aussi, bien que j'ai trouvé le film très correct aussi, hein, Stéphane a tout dit tout à l'heure. Mais c'est un peu dans la même veine, moi ça va être Avatar, La Voix de l'eau. Oh, malheureusement, il y a deux à trois films comme ça dans l'année où je me pose toujours la question, mais comment c'est possible que tout le monde ait adoré le film ? Je sais pas, je comprends pas. Alors bon divertissement, oui. Grand spectacle, oui. Effets spéciaux, oui. Et le reste, il y a quoi ? Je sais pas. J'ai trouvé aucun intérêt là-dedans. Il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Enfin, je sais pas. Bizarrement, j'ai passé un bon moment. Bizarrement, le film du 3h12, et j'ai trouvé que le rythme était mauvais finalement. Il était trop rapide. J'ai trouvé ça trop rapide. Ça manquait. Ça prend pas son temps, je trouve. Je sais pas. J'ai trouvé ça bizarre. Et finalement, c'est quoi ? Ben, c'est le même film que le 1, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Il n'y a rien du tout. Et quand je pense qu'il va y en avoir trois autres, j'ai très peur. J'ai très très peur. Alors, donnez-moi votre. Ça sert à rien là que je présente le film, que je vous donne les acteurs, etc. Mais surtout avoir votre avis et que vous m'expliquiez. Alors, j'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai passé un bon moment. Même pour le coup, il sera pas dans mon flop quoi que ce soit. Mais c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule parce que voilà, il y a rien quoi. Il y a rien presque. Alors, je vous écoute.
Je ne l'ai pas encore vu, moi, donc. Pas vu non plus. Pas encore donc, je ne peux pas en parler. J'attends que la bave soit passée avant d'aller. Alexis va faire un AVC. Alexis, ouais. Alexis descend, la fille descend de plus en plus sur l'écran. Est-ce que tu as un défibrillateur pas loin, Alexis? Tout à fait, Alexis. Alexis, tu veux en parler un petit Dites-moi. Peu Dites-moi. C'est le film dont je... Alors, où j'y vais? Parce que c'est le film dont je devais parler, ou j'en parle pas, je sais pas. Mais Eh bien, vas-y. Vas-y, bon. Parle-en. Alors, bah, moi, c'est, pour moi, c'est mon film préféré de l'année. C'est clairement... c'est le genre de film que je veux aller voir au cinéma, quoi. C'est, j'entends parler partout de la HFR, du scénario qui est faible, de tout ce que tu veux. Mais en fait, ça reprend tous les plus grands... Tous les plus grands thèmes universels. Enfin, je sais pas si tu prends Star Wars, le scénario il est pourri, il est très bien écrit, mais c'est le mal contre le bien. Ouais. C'est pareil, c'est une princesse en détresse qui va être sauvée par un chevalier. T'as le grand méchant qui va se battre contre le grand gentil. Enfin, je sais pas moi. En même temps, j'ai l'impression moi qu'aujourd'hui on a tendance à vouloir complexifier les intrigues simple. Mm-hmm. Un scénario simple ne veut pas dire simpliste. Pour moi, t'as Cameron qui, par sa narration, catalyse tout ça, te met en place des personnages en 2 secondes, c'est-à-dire que même... Ben bon, alors, je suis pris de court parce que ça devait vraiment être mon sujet et je veux pas parler... Non, mais en fait, je voulais pas parler du film en lui-même. Moi, je voulais en faire un coup de cœur parce que je ne comprends pas les gens qui ne comprennent pas ce film. Et pour moi, le coup de cœur... C'est le plus grand film de la décennie. C'est le film où tu peux y aller, je n'ai pas d'enfant, mais tu peux y aller avec ton fils de 6 ans ou de 7 ans. Les gens vont adorer les mêmes choses. C'est un truc qui est fédérateur, qui parle à tout le monde. Parce que tout ça est très subjectif. Totalement. Pour moi, j'ai vu un truc, je suis rentré dans un rêve en étant éveillé pendant 3 heures. Alors, on passe la technique, on passe tout ce que tu veux. Moi, j'ai été embarqué, mais embarqué. Et moi, il m'a fallu 1 heure, 1 heure et demie pour redescendre après. Hein. Je devais prendre le métro. Je me suis dit, non, je ne vais pas prendre le métro, je vais marcher, j'ai besoin. C'est un truc, j'ai été happé. Bien sûr, tous les thèmes de Cameron, ils sont là. T'as le positif, t'as le négatif, comme dans le premier. Enfin, le méchant du premier qui était un humain maintenant est un avis. Tout ça sont des grands thèmes. C'est tout. Enfin, je sais pas. On peut ramener ça au yin et au yang. On peut ramener ça au bien ou au mal. Il y a énormément de. Il y a énormément. Enfin, il y a un truc, une phrase qui revient toujours. C'est l'ombre et le noir et la lumière. L'ombre et la lumière. T'as plein de choses qui sont évoquées par l'image. Alors, j'ai 2-3 petites réserves, mais qui sont minimes, hein, vraiment. Mais des moments où les personnages nagent sous l'eau et l'image est inversée, en fait. Donc, la surface est en bas et l'eau est en haut. Enfin, il y a énormément de symbolisme dans tout ce qui est dit. Et moi, je trouve que tous les personnages, mais en fait, je ne vois pas des trucs en CGI. Je ne parle pas de technique, attention. Je parle que chaque froncement de sourcil a été pensé par Cameron pour asseoir ces personnages. Enfin, moi, j'y crois de A à Z. Quand il y a le chef de la tribu des Navi de la mer, dont j'ai oublié le nom, qui arrive, le mec, c'est une statue grecque, il est... Enfin, je sais pas, tu as le personnage qui est posé tout de suite, la femme qui arrive derrière s'est posée tout de suite. En 5 secondes, tu sais qui t'as à faire. Et moi, il n'y a qu'un mec en ce moment qui sait faire ça, c'est Cameron. Oui. Voilà. Oui. Désolé. Je suis désolé, mais tout le monde ça, dit j'ai 3 heures et quart, mais pendant 3 heures et quart, t'en prends plein la gueule et tout est fluide. Tu captes. Et pas, mais c'est 10 ans d'écriture, quoi. C'est pas le mec, quand on me dit que le mec il a écrit 10 ans d'écriture sur une table. Mais moi, j'hallucine. Mais vous ne savez pas ce que c'est qu'écrire un scénar. Enfin, bon. Dark Magikarp, est-ce que tu avais aimé le premier? Ah oui, je suis un très très grand fan du premier. Et donc, tu trouves. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir vu exactement le même film, en fait, c'est pour ça. J'ai trouvé le film sympa. Hein. La preuve, j'ai pas vu le temps passer. D'habitude, je regarde ma montre toutes les 3 minutes. Là, j'ai dû la regarder qu'une fois. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir vu le même film. Voilà, bah, c'est ça. Dommage pour toi. Ah, oui. Bah, merci, Delphine. Oui, pareil.
trouve aussi. Non, mais moi c'est alors... une hallucination. Et puis c'est... Mais enfin, c'est des grands thèmes, c'est un western. Et puis, tu le dis clairement, tu as une attaque de train, tu as des flèches, tu as. Enfin, je sais pas, moi. Ouais, bah, oui, oui. Mais, alors, oui, tu as du Terminator 2, tu as du Abyss, tu as du Alien. T'as... Mais je m'en fous de tout ça. Moi, j'en prends plein la gueule. Mmh. Et des films comme ça, j'en vois plus. C'est du grand spectacle, c'est épique. Le mec, il y va à fond. Il t'en fout plein la gueule. Et je suis désolé, moi, dans la salle où j'étais, tu avais des enfants de 8 ans, tu avais des vieux de 60 ans. Et moi, je vois plus ça. Tu vois, Marvel, tu as limite des grands-parents qui vont emmener leurs petits-fils sous la contrainte parce qu'ils y vont. Mais c'est un film somme. Enfin, moi, je ne sais pas. Il y a tout un débat que je ne comprends pas, moi. Voilà. Oui. C'est ce que disait justement Beauparleur dans sa vidéo. Il disait que. Que j'ai pas vu. Que j'ai pas vu encore. Le Cameroun. Oui. Avatar, pardon. Je finis. Attends, Alexis, il est en attente, Beauparleur, donc c'est pas. Ah oui, oui. On va accélérer un petit peu parce que là, Lorenzo attend depuis un bon moment. D'accord. Voilà, j'aimerais faire passer tout le monde hein, et puis il est déjà 22h12. Voilà, j'aimerais qu'on avance un petit peu. Et puis j'ai pas que ça à foutre. Hein. Mais quel con. Dark Magica, donc tu voulais nous parler d'un autre film? Ouais, le coup de cœur. Alors pareil, c'est pas mon film préféré de l'année, mais c'est celui dont je voulais le plus parler. Je crois qu'on en a pas parlé. Désolé si on en a déjà parlé, tu me le diras, mais c'est Don't Worry Darling, de et avec Olivia Wilde. Je sais pas si vous l'avez vu déjà dans la salle. Non. Alexis à l'affiche du film. Voilà, parce que je ne l'avais pas. Ah ouais, excellent. Oula, le système D, super. Personne l'a vu alors. Non, pas encore. En fait, je voulais le voir, mais ça m'a. Il y a un truc qui m'a arrêté, c'est que les. Alors, je t'avoue, c'est. Ça va tarder. Ouais, je vais essayer, Aurélie. Mais j'ai l'ABC, il a frôlé là. Mais en attendant. Il y a du sang qui sort des oreilles. Les histoires de plateau et de machin ont dépassé le film, et j'ai entendu que c'était pas. La fin était très attendue et que ça ressemblait pas mal à d'autres choses. Alors que j'adore Florence Pugh, j'adore le cinéma de. Attends, j'ai oublié son nom, d'Olivia Wilde. J'avais adoré Booksmart. Je le verrai. De toute façon, j'ai envie de le voir. Ne serait-ce que pour Florence Pugh. Voilà. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé parce que François voulait parler sur Avatar. Non, y a pas de soucis. Et j'ai complètement zappé. Je suis désolé. François, si tu veux. Rattacher le wagon d'Avatar 2, je t'en prie, en deux mots, et puis après, on passe au film En deux mots, même ressenti qu'Alexis, quoi, et aussi une grosse claque. Je voudrais juste rajouter juste une chose, c'est moi, la petite différence au premier, d'ailleurs, je l'ai préféré au premier, c'est en termes d'évolution des personnages. Moi, je trouve que notamment le méchant. Qui est le même que pour le premier, si on peut le dire, Quaritch. Ben voilà, moi, dans le premier, c'est ce qui me dérange un peu, surtout de l'avoir revu. J'avais l'impression de voir le militaire un peu caricatural. Je trouvais que l'écriture du personnage manque un peu de subtilité. Et je trouve que justement, dans le 2, le fait d'en avoir fait un avis et de lui avoir octroyé un background, quoi, je vais dire, c'est un risque que je trouve que ça le rend plus consistant. Et moi, je trouve que le méchant, qui est le même que pour le premier, est plus consistant. Dans celui-ci, d'ailleurs, je me réjouis de voir, ça donnera après dans les suites, mais bon, voilà. Mais je voulais rajouter que scénario, je dirais, peu plus étoffé, mais voilà, que le fait que ça soit centré sur la famille rend le scénario un peu plus dense, et c'est ça aussi qui a fait que j'ai adoré. Ok, merci François. Vas-y, alors Dark Magica, donc pour ton coup de cœur. Ouais, je vais vraiment rien vous spoiler, du coup, je vais juste vous dire que c'est un thriller psychologique, hein, dans la ligne un peu de. Alors moi, ça m'a fait penser à un mélange de Get Out, de Mother et un peu de Last Night in Soho qui était sorti l'année dernière et que j'avais. Bon courage! Ah, pardon! Je croyais que vous me disiez stop, arrête tout de suite. Non, on dit au revoir à Aurélie. Ah, d'accord, pardon. Au revoir, Aurélie. Ouais, donc c'est un film qui ressemble pas mal à Get Out et à Mother aussi, qui était sorti il y a quelques années avec Jennifer Lawrence. Ce film, pourquoi je l'ai adoré? Déjà parce que c'est un semi-huis clos très malsain. On retrouve pas mal de codes hitchcockiens aussi, et vu que c'est mon réalisateur favori, j'en ai retrouvé pas mal dans ce film. J'ai adoré surtout l'esthétique du film. Ça, c'est pour moi le plus gros point positif, que ce soit le design de la ville très malsaine, très froide,
les costumes, l'ambiance générale, etc. Florence Pugh, bien sûr, qui m'a vraiment fait penser à Audrey Hepburn dans ce film et que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. La bande originale, absolument exceptionnelle, qui est pour moi la bande originale la meilleure de cette année. Et c'est vraiment, voilà, j'ai retrouvé les codes d'Hitchcock, j'ai retrouvé les codes des huis clos des années 60, des années 50-60 dans ce film-là. Alors, d'habitude, je suis pas fan, alors je vais pas spoiler, hein. D'habitude, je suis pas fan des films, les femmes sont les gentilles, les hommes sont tous des monstres, sont tous méchants, etc. Il y a certains films que j'ai aimés ces dernières années, mais là, je commençais à en avoir un petit peu ma dose avec les Promising Young Woman, etc. Et dans ce film-là, bizarrement, alors un petit peu, je sais plus qui c'est qui a parlé de ça tout à l'heure, mais qui a dit que le féminisme je crois que c'était pour la nuit du 12, je sais plus qui c'est qui l'a dit. Ouais, c'est ça, c'était ouais, quand même, c'était assez, comment dire, c'était sous-entendu, c'était un peu édulcoré, etc. Ben là c'est pareil, donc on sent bien que le fond de l'histoire c'est quand même ça, mais voilà, c'est pareil, c'est pas trop maladroit, c'est bien amené. Et c'est moins lourd que certains films un peu trop indigestes là-dessus, je trouve. Ouais. Voilà, c'est un film vraiment. Alors oui, pour le coup, ça ressemble à d'autres films, mais c'est un melting pot de tout ce qui se fait de bien dans les semi-huis clos et les huis clos modernes et aussi des années 60. Donc c'est pour ça vraiment que j'ai adoré ce film. Et Harry Styles, qui est très bon aussi, mention spéciale à Harry Styles, qui est un chanteur que j'affectionne pas plus que ça, et il m'a plus plu en tant qu'acteur, et je pense que ça peut être une révélation et le premier d'une très longue lignée de films, je pense, pour le coup. Okay. Donc voilà. J'étais déjà très intéressé, mais je vais le prendre là ces jours qui viennent et je vais le regarder. Alors là, c'est le genre de film où on peut pas divulguer même le synopsis basique sans trop en dire. Alors je préfère rien dire du tout. Sinon, c'est bon. Même si déjà, tu as cité un peu en voyant la bande-annonce, je trouve. Mais Hitchcock, la bande-annonce en dit trop, je pense. Mais bon. Ouais, malheureusement. Tu as cité Hitchcock déjà, bon, ça m'a suffi. Si tu aimes beaucoup le cinéma d'Hitchcock, comme apparemment tu l'as dit, Decision to Live, c'est un hommage à Vertigo assez incroyable. J'ai adoré aussi d'ailleurs, pour le coup. Voilà, là, pareil. J'ai mis celui-là dans les coups de cœur parce que je trouve qu'il n'avait pas eu le. C'est pas... Qu'est-ce qui est un hommage à Vertigo, excusez-moi les gars. Decision to Live de Parker Mook. Ouais. Voilà, j'ai mis en coup de cœur, c'est pas mon film favori, mais c'est celui qui méritait. Je trouve qu'il est un peu trop passé inaperçu, un peu sous-côté, donc du coup, je voulais le mettre un peu en avant. Très bien. C'est-à-dire que les histoires de cul sur le plateau ont pris le dessus sur le film, c'est ce qui est un peu dommage, quoi. Voilà. Ouais, j'ai la merde qui s'est fait virer. Ouais, en fait, il y a eu une histoire d'amour entre Styles et Olivia Wilde, et en fait, ça a brisé leur couple respectif, et il y avait la femme de le mari de Olivia Wilde et la femme de Styles qui venaient sur le plateau alors qu'ils dans les caravanes de maquillage, ils se faisaient pas beaucoup maquiller, quoi. Voilà. Oui, et puis il y a eu celui-là, et c'est même pas celui-là le problème d'ailleurs auquel je pensais, il y a celui-là, mais il y a aussi celui, il y avait Chia la, alors je sais pas comment vous dites, la bœuf, la béuf, là, je sais pas comment vous l'appelez. Il était prévu dans le Il était prévu dans le casting et il s'est fait virer en plein milieu du tournage pour des attitudes très limites avec Florence Pugh, apparemment. Donc, voilà, c'était plus toi. Moi aussi, avec Florence Pugh, j'aurais eu aussi des attitudes. Ouais, c'est pas faux. Bon. C'est pas faux. Je comprends. Bien, merci, Dark. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et puis à l'année prochaine. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir foutu la merde. À bientôt, Alexis. À l'année prochaine. Ciao, ciao. Salut, Dark. Bonne fête de fin d'année et puis à très bientôt. Tchuss. Bon, mais je reparlerai d'Avatar parce que j'en ai pas parlé. Hein. Attends, stop. Lorenzo, ça fait un petit moment qu'il attend. Salut Lorenzo, ça faisait longtemps. Oh, Lorenzo. Qu'est-ce que tal? Muy bien, amigo. Oh putain. Vous savez que je vous écoute depuis tout à l'heure et que je suis en train de bouillir en vous écoutant. Franchement, quand j'écoute pour Avatar, pour tout ça, enfin bref, bon, moi j'ai pas vu Avatar, hein, donc je peux pas encore prononcer. Ne t'égare pas voilà. Alors, si tu l'as pas vu. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Voilà, non, enfin moi je suis quand même un gros fan de Cameron et je pense que je vais pas être déçu. Ouais. Bref, mais bon, après chacun ses goûts, hein, comme on dit. Et la foi, Laurent, t'inquiète. Ouais, j'ai la foi, c'est pas le problème. Concernant Top Gun, je rejoins notre ami Stéphane totalement. Moi, j'ai tenu 40 minutes, hein, pas plus. Hein. Donc, voilà. Voilà, très bien. Ça a dégueulé c'était pareil, c'était copie conforme que le premier que je déteste absolument.
Et voilà. Donc, voilà. J'ai réussi à le voir une seule fois, le premier, et c'était en 3D. Voilà. Parce que j'ai vu Top Gun en 3D, et j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça. Oui, ça existe, oui, mon ami, ça existe. Ah, je ne savais pas. Et ouais, ouais. Donc, ça a apporté un petit plus, mais franchement, non, je ne peux pas. Enfin bon, après, je peux comprendre que ça plaise à tous ceux qui ont un peu, voilà, qui aiment bien Tom Cruise ou ça. Hein? Tu n'as pas de cœur, Lorenzo. Je n'ai pas de cœur. Oui, je sais, je sais. Je suis un monstre. Voilà, je suis d'une froidure sans nom. Enfin, bon. Mais bon, voilà. Mais bon, après, voilà, je peux comprendre qu'on peut s'en profiter. Alors, pas toi, Romain, il nous parle en bas. Salut, Laurent. Ouais, non, mais j'ai vu. Salut, ben, salut. Salut, Delphine. Je ne suis pas encore aveugle, merci, Alexis. Bon, Lorenzo, tu voulais nous parler d'un coup de cœur, toi. Alors, est-ce que j'ai eu un coup de cœur cette année? Ah. Aïe. Oh là là, ça y est, le mec il pose l'ambiance quoi. Tout ce que j'ai vu, c'est la merde. Dans toute la merde que j'ai vue, il y a eu un ou deux trucs qui sont sortis. Non, non. On peut dire que j'ai un petit coup de cœur, en tout cas, c'est sûr, pour un film que j'avais vu il y a en début d'année. Et c'est ça. Ouais, je sais plus bien. Mois de mars, je crois qu'il était sorti. Ouf. Déjà, on est sûr que c'est pas Ambulance déjà. Non, mais là, il n'y a aucun risque. Aucun risque. Et Michael Bay, je ne supporte pas. Hein. Donc, bref. Donc, je vais vous parler de Freaks Out, ça s'appelle. Donc, c'est un film italo-belge. Oui. Italo-belge de Gabriele Mainetti. Voilà, que j'ai revu là dernièrement. Et que, voilà. Donc, franchement, je l'avais déjà vu la première fois. Ça m'avait pas mal interpellé. Et en le revoyant là, j'étais vraiment été. Voilà, j'étais sous le charme de ce film que j'ai trouvé vraiment très sympa, et en plus avec plusieurs niveaux de lecture. Ce n'est pas simplement un film, on va dire, entre guillemets, de super-héros, puisqu'on pourrait le comparer un peu à ça, mais voilà, c'est un film qui en plus qui a été fait en Europe, qui est fait donc qui montre que le cinéma italien n'est pas mort, hein. Enfin, je parle de cinéma de genre italien. Ouais. Et Gabriele Mainetti, qui avait déjà fait Appelez-moi Geek Robots, qui était déjà un film de super-héros. Voilà, qui n'était pas mal du tout. Là, avec une ambition un peu plus, on va dire, supérieure à ce qu'il avait déjà fait auparavant, nous permet donc de suivre cette histoire de phénomène de foire, on va dire, hein, qui en fait ont des pouvoirs. Donc et qui pendant la Seconde Guerre mondiale vont devoir donc se battre contre les nazis, on va dire. Bon, c'est résumé assez succinctement, mais chacun va essayer de pouvoir se comment dire, de pouvoir se révéler. En quelque part, par rapport aux différents événements qu'ils vont vivre. Donc, au départ, ils font partie d'un cirque. Donc, mais comme c'est la guerre en Italie, et ben celle-ci va détruire leur cirque et tout ça. Leur, on va dire maître entre guillemets, et puis c'est pas un maître, mais c'est un peu leur père à tous, va être enlevé par les nazis et sûrement envoyé dans un camp. Ils vont essayer de le retrouver, ils vont pas y arriver, et ils vont être guidés par celui qui s'appelle Fulvio, qui est en fait une espèce de, alors pas de loup-garou, mais qui a une, vous savez, cette maladie des gens qui ont des poils, enfin voilà, beaucoup de poils, voilà. Donc il est un peu comparé à un loup-garou dans le film, qui a quand même par exemple une force surhumaine, et ils vont leur demander éventuellement de rejoindre le grand cirque. Nazi qui est à Berlin pour essayer de pouvoir faire leur numéro. Il faut savoir que dans ce film-là, chacun des quatre personnages principaux donc ont un pouvoir. Donc je vous ai dit Fulvio qui lui est donc une sorte de loup-garou avec une force surhumaine. Nous avons Sensio qui est en fait le gars qui a les cheveux un peu peroxydés là, qui est voilà, qui lui peut comment dire, les insectes, il peut dominer les insectes, il peut les dresser, tout ça. Nous avons le petit nain aussi qui lui, par exemple, agit comme une sorte d'aimant, c'est-à-dire tout ce qui est, voilà.
Et tout d'abord, ensuite, le véritable personnage principal du film, qui est donc la fille qui s'appelle Mathilde, qui elle pourrait être comparée à une sorte de centrale nucléaire vivante, quoi. Voilà. Donc ça veut dire, vous voyez que c'est elle qui a le plus gros pouvoir. Et donc dans certaines scènes qui sont, je trouve, assez impressionnantes. Et donc ils vont essayer de retrouver, donc d'aller vers ce cirque-là, même s'ils sont pas tout à fait d'accord avec Fulvio, donc l'homme loup. Et tout en essayant d'essayer de retrouver leur maître, enfin leur père à tous. Donc c'était une histoire en parallèle. Et en fait, il faut savoir que dans ce cirque à Berlin, qui est dirigé par un certain Franz, qui lui aussi en fait est un Fritz, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a en plus des mains qui ont 6 doigts. Donc c'est un virtuose au niveau du piano. Et qui est aussi clairvoyant, c'est-à-dire qu'il arrive à voir l'avenir. C'est pour ça que d'ailleurs les morceaux qu'il interprète la plupart du temps, c'est pas lui qui les compose, c'est des morceaux d'aujourd'hui qu'il a, voilà, des tubes. On l'entend, je crois, on entend Creep de Radiohead dans tout ça. Donc bien sûr, dans les années 40, Radiohead n'existait pas, il était même pas né. Donc voilà. Donc et en fait, il veut les attirer bien sûr vers son cirque, et c'est un piège bien sûr pour pouvoir en fait, essayer de les dominer pour pouvoir protéger le Troisième Reich, parce que lui, c'est son but ultime, c'est qu'il sait que le Troisième Reich devrait se suicider, Hitler. Et donc, lui, il veut, avec ces gens-là, pouvoir protéger protéger Hitler. Et donc, il va tout faire pour les attirer avec lui. Donc, enfin, bon, je me perds un peu dans tout ça, mais bon, j'ai trouvé que en fait, c'était un mélange de, on va dire, X-Men pour en fait le droit à la différence, pour les pouvoirs et tout ça. Mais aussi, on peut y retrouver aussi le Fritz de Tom Browning, dans le sens où toujours par rapport, ouais. Voilà, qui est une référence toujours à Berry. Ouais. Voilà, exactement. Mais voilà, donc Fritz, X-Men. Je trouvais aussi le monde un peu aussi, on va dire, un univers à la Tim Burton aussi, pour un peu ce qui est un peu merveilleux et tout ça. Et le monde du cirque, voilà. Donc il a réussi à mélanger tout ça et à nous faire un film, je dirais, voilà, qui se regarde vraiment. Moi, j'ai été les yeux grands ouverts. J'ai été, par exemple, ça dure quand même 2h20 quand même, mais 2h20 où je me suis pas ennuyé, et j'ai été vraiment émerveillé par la façon dont il a mis, il a fait sa mise en scène, comment il a abordé ses personnages. Et voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne surprise, un coup de cœur, oui, quelque part. Peut-être pas un grand coup de cœur, mais en tout cas, voilà, c'est celui qui m'a le plus interpellé cette année. En tout cas, dans ce que moi je peux regarder habituellement, parce que bon, vous avez évoqué des films que moi je ne regarde pas habituellement et qui vont pas forcément m'attirer. Mais là, dans un, je veux dire, film de genre avec un, je dirais, un message ou même des messages derrière, Freaks Out, ça se pose là. Voilà, pour moi, c'est une excellente surprise. Et surtout, c'est produit en Europe, c'est produit en Italie, c'est produit même par la Belgique. Hein. Coucou, bonsoir. Et puis, voilà, et on peut être capable de faire des choses très bien sur des thèmes comme ça, ou en fait, avec des pouvoirs et tout ça, mais avec un fond. Voilà. Donc, n'a pas, par exemple, Marvel ou quoi que ce soit. Évidemment. Non. Personne. Alors, moi, je l'ai vu. Ouais. Bah, je rejoins complètement Lorenzo, moi. Enfin, moi, c'est un film qui a été une vraie bonne surprise, quoi. C'est, puis, enfin, quand tu vois, en plus, c'est pas un énorme budget. Hein. C'est 12 millions d'euros. Et quand tu vois le rendu à l'écran, mais il y a les effets numériques tiennent la route, puis il y a plein de personnes, enfin ils tombent sur une espèce de troupe de résistants qui vient les aider, qui n'est composée que par des éclopés. On a un sniper borgne, on a le chef, un bossu. Les personnages sont géniaux, mais sont vraiment géniaux. En plus, bah, le grand méchant, il a effectivement un don de préscience, mais il sniffe de l'éther pour augmenter ses capacités. Enfin, c'est complètement barré. C'est super bien fait. Bon, il y a des petites,
des petites incohérences, mais tu t'en fous. Enfin, ça passe. Et puis les personnages sont tellement attachants en plus. C'est que ça. Vraiment, c'est ça. Moi, en fait, c'est un super film, quoi. Et puis effectivement, ouais. Ça fait partie de ces films que tu ne vois plus, quoi. Enfin, je suis désolé. Ça vaut 20 Marvel, un truc comme ça, moi. Je suis désolé que des merdes où tu retires la CGI et elle te pique les yeux. Les effets sont géniaux. Enfin, c'est, je sais pas, tu sens un peu aussi la débrouille. Tu sens les gens qui veulent bosser. À mon avis, ils ont dû bosser, mais comme des chiens. Mais vraiment, oui, oui. T'as beaucoup de scènes en extérieur. Exactement. Et puis, les scènes de guerre sont même très bien faites, hein. Ouais. Les scènes de bataille. Et puis, t'as une vraie profondeur au propos, quoi. T'as un vrai message. Et puis, t'as des blagues, mais qui sont des blagues. C'est pas des punchlines. Genre, ça va à fond dans le truc, mais c'est pas pour détendre l'atmosphère. T'as Thor qui va te faire une blague parce qu'il peut pas faire le mec, ouais, je suis le dieu du tonnerre et il est obligé de désamorcer tout ça en faisant une blague de merde. Bah là, ça y va à fond, quoi. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé, ouais. Ouais. Quand tu vois un Astérix aux Jeux Olympiques, il y a 80 millions d'euros de budget, tu vois la merde que c'est, et ça avec 12 millions d'euros, ce qu'ils arrivent à faire, il n'y a pas photo. Voilà. Oui, et puis pour moi, ça représente un peu aussi le cinéma un peu de la démerde, ce que faisait le cinéma populaire italien des années 60, 70, 80. Voilà, les gars, ils n'ont pas grand-chose, mais ils arrivent à se démerder, à te donner un rendu. Et puis c'est surtout, je pense, c'est la sincérité. Du propos et du film en lui-même. Voilà, c'est pas un truc de m'as-tu vu ou quoi que ce soit. Bon, il a eu pas mal de récompenses au César italien. Ça a été, ouais. Je crois qu'il a été le film numéro 1 au box-office italien pour 2021, parce qu'il est sorti en 2021 là-bas. Chez nous, il est sorti en 2022. Ouais. Mais c'est vrai qu'il le mérite. Alors, par contre, en France, ça n'a pas super bien marché, je crois. Non. Mais voilà, il mérite une seconde chance parce que franchement, voilà, on peut même voir. Alors, je dirais pas que ça c'est vraiment avec les gosses parce qu'il y a quand même quelques scènes qui sont quand même pas toujours. Voilà, c'est plutôt, on va dire, pour jeunes adultes, voilà, et puis bon, voilà, et les parents, parce que les enfants pourraient être impressionnés déjà par certaines scènes, parce qu'il y a certaines scènes qui sont quand même assez, on va dire, pas gore, mais assez sanglantes et bon, certaines situations qui peuvent aussi. Voilà, amené à pas être vu par des enfants. Non, c'est une blague, ça. Mais oui, ça, on m'a la ressorti quand j'avais fait ma chronique sur ma page. Mais voilà, mais bon, oui, il y a beaucoup de croix gammées, oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est l'époque. Il y a la Seconde Guerre mondiale et il y a des nazis, donc il y a des croix gammées. Oui, forcément. Mais bon, on en voit dans d'autres films. Hein. Le film de Tarantino, c'est pareil, etc. Enfin, bon, bref. Merci, Lorenzo. Est-ce que tu avais un coup de gueule? Bah, coup de gueule, j'aurais pu dire Top Gun, mais je vais pas dire Top Gun, non, parce que je vais pas le descendre plus que ça. Ouais, ouais. Bon, j'ai pas fait de top, j'aime pas trop les tops d'ailleurs, quelque part, hein, mais on va dire, moi, j'avais dit une demi-molle pour The Batman, hein, j'avais été assez déçu. Voilà, mais après, j'ai pas du tout aimé The Northman, par exemple. Ça, j'ai détesté. Je voulais parler de X et de Pearl. Alors, voilà. Ouais. Alors, moi, j'ai vu X, j'avais bien aimé cette ambiance un peu massacre à tronçonneuse, années 70 et tout ça. J'ai regardé Pearl et franchement, ça m'a sorti carrément. J'ai pas compris. Sur disant que c'est une préquelle à X. Alors oui, c'est le même personnage, mais je sais pas, cette ambiance, tout ça, j'ai pas du tout accroché. Autant à X, j'avais adoré. Et voilà, là, c'est mon coup de gueule. Pearl, j'ai trouvé ça vraiment à côté du, je sais pas, il a raté sa préquelle. Enfin, c'est mon ressenti. Ça m'a pas interpellé. Voilà. Donc non. Après voilà, j'ai pas vraiment de coup de gueule particulier. Comme j'ai pu me dire, j'ai pas de coup de cœur particulier. Je pourrais mettre d'autres films que j'ai vus cette année, mais que j'ai trouvé pas trop mal. Et bon, voilà, ça pourrait être The Sadness. Pardon ? Qui sont du siècle dernier, non ? Les films que tu as aimés sont du siècle dernier.
Que j'ai revu cette année, oui, on pourrait dire ça. Mais non, j'ai vu quand même quelques films récents. Hein. Faut pas croire que je reste que dans le 20e siècle. Ouais. Voilà, j'ai vu The Sadness, j'ai trouvé pas mal. Ouais. Voilà, c'est une espèce de Train pour Busan, mais en version trash, quoi, plus trash. Ah ouais, en version très trash. Voilà. J'avais bien aimé le Beast avec Idris Elba. Dans le sens où j'ai trouvé ça, bon, c'est un pur film de divertissement, mais bon, ça, voilà, j'ai passé une heure et demie sympa, quoi. Et j'avais aussi aimé Studio 666. Alors, c'est pas très connu, c'est passé sur ces plateformes là. C'est en fait un film qui a été tourné par le groupe les Foo Fighters. Qui est un film d'horreur, voilà, ah, qui est voilà, et j'ai trouvé ça hyper sympa, et bon, malheureusement, c'est la dernière fois qu'on voit le batteur qui est mort cette année d'une overdose, apparemment, d'après ce qu'on a dit, voilà, et j'avais beaucoup aimé cette ambiance un peu trash, un peu, voilà, qu'ils ont voulu donner, sans trop, voilà, trop se montrer, et en restant assez humble par rapport au film. Voilà, mais bon, rien de voilà. Je citerai Prey aussi, Prey, l'après-quel de voilà, qui était bon, pas si mal que ça, qui était sympa, surtout avec des décors naturels et tout ça. Ouais. Il y a quelques trucs à redire encore avec le wokisme et compagnie, mais bon, ça passe clairement pas. C'est parfait, le wokisme à outrance, mais c'était. C'était déjà mieux que les mères de Predator qui étaient sorties alors. Voilà, les précédents étaient vraiment merdiques. Et bon, le seul truc qui m'a sorti du film, c'est la scène avec le grizzly, où je trouve assez mal fait. Ah oui, donc. Il n'y avait pas beaucoup de pognon non plus pour le film, je crois. Il y a un budget qui était pas. Ouais, mais à ce moment-là, il fallait s'en passer, quoi. C'est bon, quand ça ne passe pas. Voilà, c'est un peu dommage parce que franchement, tout le reste, les décors naturels et tout ça, j'ai trouvé ça. L'ambiance du film était pas mal. J'ai trouvé ça original. Mais voilà. Mais bon, voilà, pas de gros, à part Flux Out, pas de gros coup de cœur ou de film que j'ai vraiment sauté sur le. Alors, j'ai pas encore vu Avatar. Voilà. Je vais aller le voir prochainement. Pour que ce soit dans ton top 2022, t'as 9 jours, mon gars. Oui, non, mais il faut que je vais aller le voir dans la nouvelle salle IMAX qui s'est faite à Bordeaux là. Donc je vais pouvoir voir dans les bonnes conditions. Ouais. Et de toute façon, je ferai sûrement un retour là-dessus. Voilà. Bon, après les premiers que j'ai, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Mais après, bon, je me doute bien que le scénario ne va pas voler très haut. Mais je dirais, est-ce que c'est vraiment le but du film? Je ne suis pas certain. C'est surtout un grand spectacle et voilà. Alors, s'il peut apporter de l'émotion et tout ça, encore pas mieux. Mais je n'en doute pas de venant de Cameron, quoi. Franchement, je n'ai aucun doute sur lui. J'étais rarement déçu, sinon jamais. Donc je vais miser sur Avatar 2 peut-être et peut-être que je le rajouterai un grand coup de cœur sur cette année ou pas. Je ne sais pas. Il faut que je me prononce là-dessus. Donc il faut qu'il passe devant mes mirettes. Voilà. Moi, j'ai une question pour Lorenzo que j'ai pas eu l'occasion de lui poser sur Facebook. Donc, je profite de t'avoir en live pour te la poser. Est-ce que tu as vu qu'il y a un remake de Barbarella qui est en train de se préparer Non, déjà, je n'étais pas au courant qu'il y avait un remake de Barbarella. Alors, je te mets au courant qu'il y a un remake du film Barbarella qui va être réalisé là à Hollywood. Ouais. J'ai pas les infos sur qui va camper Barbarella et qui va réaliser, mais. Ce genre d'annonce, c'est toujours quelque chose. Moi, j'adore le Barbarella de 68, hein, donc pour l'aspect très cheapos, très 60s, très pop, on va dire. C'est ça. Après, Barbarella, si on regarde la BD, c'est pas forcément pour les enfants. Hein. Donc, non, du tout. Mais voilà. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est ça. C'est que surtout. Faire un Barbarella à Hollywood, ils vont mettre les moyens. Non, mais attends, complètement édulcoré. Surtout à cette époque. Voilà. Surtout en 2022. Moi, ça me fait flipper à fond, là. Ouais. Très, très peur. Et surtout que quand on voit les BD, elles sont très, très pop, très de leur époque. Voilà. Est-ce qu'ils vont essayer de recréer
cette ambiance-là, à ce moment-là, peut-être que je pourrais y adhérer. Ou alors, est-ce qu'ils vont complètement moderniser la chose? Et là, par contre, je risque de tiquer un peu. Quoi. Donc, À l'époque, tu pouvais faire un pamphlet, enfin un pastiche de film de James Bond avec l'autre, là, comment il s'appelait là, Austin Powers. Ça fonctionnait parce que l'époque s'y prêtait. Tu pouvais faire ce genre de blague un peu potache, un peu cucu, voilà, un peu macho et tout. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit possible. Surtout les sous-entendus aussi, hein, parce que bon, il y en a quand même pas mal. C'est ça que je veux dire. Forcément, ça pourrait gueuler sur les réseaux. Ben aujourd'hui, oui, malheureusement, on en est rendu là, quoi. C'est qu'on peut pas faire ce. Ou alors, faut vraiment. Est-ce que tu pourrais faire un Steel Powers en 2022? C'est pas possible de faire un Steel Powers en 2022. Non. Je sais pas. Après, moi, je suis pas un grand fan d'Austin Powers. J'ai bien aimé le premier. Mais bon, c'est pas non plus. Ouf. La meuf, c'est quand même. Oui, bon, il y a certaines choses qui sont sympas. Mais voilà, je préfère ce qu'il a fait là, tu vois, Wentworth, qu'Austin Powers. Mais bon, après. Voilà. Merci. Donc après, mais je sais pas ce que nous réserve 2023. Voilà. On verra. Pour l'instant, j'ai... Pardon ? Ben écoute, pour l'instant, moi, j'ai rien vu qui me faisait vraiment. Gardons l'espoir. Il faut garder espoir. Oui. Alors, on parlait tout à l'heure de Indiana Jones. Indiana Jones, au moins, ça me fait très très peur. Hein. Voilà, le quatrième était une catastrophe. Ouais. Donc, je sais pas. Alors oui, c'est Mangold, certes, c'est James Mangold, mais bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il va apporter au personnage ? Moi, ce que j'ai entendu. Ça me fait peur. J'ai entendu des certains trucs qui auraient fuité et franchement, ça me donne pas envie d'aller le voir, quoi. Mais bon, bref, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, au moins. Peut-être. Bien sûr. On va parler sur un live 2023. Ouais, c'est sûr. Mais bon, je suis pas certain d'aller le voir. Hein. Merci. Voilà. Et puis, on se souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ben vous, à tout le monde aussi, hein. Ouais, tout le monde. Voilà. Merci d'être passé. On va accueillir vos parleurs. Donc, écoute, on te souhaite. Si tu veux, Lorenzo, en commentaire sur le. Ouais, je vais peut-être rester encore un petit peu là. Puis après, demain, j'ai le boulot. Mais je suis un inventaire, alors pour vous dire. C'est une horreur, ça. Donc, ouais. Allez. Ciao. Salut, à bientôt. Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao. Bonsoir. Il est là. Salut, le voilà, le voici. Vous allez bien ? Salut, vos parleurs. Comment vas-tu ? Bien. Plutôt bien. Une bonne journée. Donc, tout se passe bien. On va pas se plaindre. Très bien. Et vous, comment ça va ? Eh ben, nickel, tu vois. Impeccable. Non, moi, je suis en train de redescendre, là. Alexis était très énervé il y a quelques minutes, mais là ça. Non, mais je l'ai vu. Enfin, Ah, tu l'as vu. Ouais, il a sorti les griffes. C'était quoi l'attaque les chouilles de Magikarp, c'est ça, ça. Ouh là. Oh putain. Et Alexis a failli sortir son attaque éclair de Pikachu. C'est ça. Bon parleur, bon, de toute façon, tu es le dernier invité, donc voilà, on n'attend plus personne, donc tu peux rester là tout le temps du live, il n'y a pas de souci. On va reprendre le cours des coups de cœur, coups de gueule à partir d'Alex, hein, puisque Alex, donc toi, tu vas nous parler maintenant d'un... Oui, d'un coup de gueule. Alors, pour rebondir sur ce que disait Romain tout à l'heure, qui disait que lui, il n'avait pas vraiment de coup de gueule parce qu'il ne va pas voir des films qui sont susceptibles de l'énerver, justement. Moi, je n'allais pas voir ce film dans l'esprit, en me disant « je vais aller voir une merde ». Moi, j'étais convaincu que j'allais voir un bon film. Parce que Alex Garland, qui est le réalisateur… C'était horrible. Non, moi, ça ne m'avait pas forcément… Si, moi, j'ai trouvé ça horrible. En plus, Alex Garland, moi, j'avais vu ses deux premiers films. La bande-annonce. Ah oui. Donc moi, Alex Garland, j'avais beaucoup aimé son Ex Machina. J'avais apprécié modérément, mais j'avais apprécié quand même Annihilation. Je trouvais qu'il y avait très bonnes choses dedans. Et donc, quand je me suis décidé à voir Men, c'était parce que j'avais lu et j'avais entendu les critiques dithyrambiques sur ce film.
Donc, notamment une d'écran large, on disait que c'était le renouveau du film d'épouvante, du thriller psychologique. Enfin, c'était incroyable, apparemment. Donc, je suis allé voir ce film plein d'espoir et plein de confiance. Et quelle n'a pas été ma déception, parce que je suis ressorti de ce film, du visionnage de ce film, extrêmement énervé. Pas seulement déçu. Tous les gens qui croisaient dans la rue. Ah voilà, ouais, je croisais des gens, surtout des filles, et je les frappais. Juste pour justifier le propos du film, je tapais sur les nanas, toutes les nanas qui passaient, je les frappais. Non, c'était insupportable. Alors, donc, je vais vous faire rapidement le pitch, sans vous dévoiler de voilà, pour ceux qui voudraient quand même aller le voir, qui se diraient, bon, Alex, c'est un gros con, il aime rien, donc on va quand même aller le regarder. C'est l'histoire de deux nanas. Voire de tous les mecs. Voilà, j'ai résumé le film. Voilà, exactement. Harper, le personnage principal, donc c'est une femme, vient de vivre une tragédie dans son couple. Et elle décide, pour évacuer ça, pour essayer de s'en remettre, de louer un cottage dans la campagne anglaise, un superbe cottage, une superbe maison dans la campagne anglaise. Et elle est toute seule dans ce cottage. Donc c'est au sein d'un petit village. Et quand elle va commencer à visiter la forêt alentour et qu'elle va se promener pour se ressourcer au sein de cette nature, elle va commencer à être poursuivie, enfin pas poursuivie, mais suivie par un mec à poil qui va commencer à la traquer, voilà, qui va apparaître dans le... Et donc le type, il va la suivre de loin. Et il va se rapprocher de plus en plus jusqu'à finir devant, dans le jardin de sa maison, devant chez elle. Donc, elle va appeler la police et tout. Elle va essayer de s'en débarrasser. Mais cette personne va continuer à la poursuivre, voilà, jusqu'à l'escalade. J'en dirai pas plus. Donc, si la première heure, allez, les trois premiers quarts d'heure, on va dire, sont assez sympathiques, le film installe une ambiance, le réalisateur est bon de toute façon, donc formellement, il n'y a rien à dire. La tension monte crescendo, en plus, il y a des très jolis plans, très bien construits, la tension monte petit à petit, vraiment, c'est très bien installé. Pour ça, j'ai rien à dire. Le film, au début, m'a attrapé. Voilà, je vais vous dire la vérité, le film, au début, m'a attrapé. Et puis, il y a une bascule. Il y a un moment de bascule dans le film. Et quand cette bascule s'opère, le film devient complètement opportuniste. Et quand je dis opportuniste, c'est artificiel, en fait. C'est vraiment le propos de vie artificielle. C'est une charge tellement lourde sur la masculinité toxique, sur c'est bourré de symbolisme médiocre. Alors, oui, c'est un film qui est plein de promesses, qui est dans son premier... c'est un enfoiré, ce film. Donc, c'est un film qui est plein de promesses dans sa première partie, mais qui déçoit dans le final parce qu'il est bourratif dans le message qu'il veut passer. Je sais pas comment dire pour ne pas spoiler. Malgré une superbe mise en scène, je sais pas comment dire, mais à la fin, on en est vraiment à... Mais c'est pas ça, c'est que c'est un acte. C'est écœurant, voilà. Elle veut se reconstruire, elle a souffert de la masculinité. Alors, n'en dis pas trop. Voilà. N'en dis pas trop. Mais je veux pas que les gens soient, les gens voient. Je veux pas, alors, attention, je ne veux pas empêcher les gens de voir ce film ou déconseiller quoi que ce soit. Faites ce que vous voulez. Mais franchement, Il a été loué, hein, ce film aussi. Enfin, loué. Oui, il a eu énormément de très bonnes critiques. Moi, j'ai trouvé que, alors, si tous les hommes sont représentés comme ils sont représentés par le réalisateur dans ce film, les gens, on arrête tout de suite, tous les hommes, on peut aller se jeter d'une falaise et mourir, et laisser les femmes entre elles. Je veux dire, à un moment donné, ce féminisme à outrance, dans lequel on vous dit que tous les hommes sont un danger permanent pour les femmes, quel qu'il soit, que ce soit un prêtre, un barman, un flic, n'importe qui est un danger pour les femmes, tout le monde est un danger, tout le monde est un prédateur pour la femme, je veux dire, à un moment donné, c'est trop. Moi, je suis pas du tout un machiste, je suis plutôt même féministe. J'ai une petite fille, j'ai envie qu'elle grandisse dans l'acceptation du fait que les femmes sont aussi fortes que les hommes et qu'elle affronte le monde en toute confiance. Mais les hommes ne sont pas tous des enfoirés machistes et pervers. Je veux dire, à un moment donné, il faut se calmer. Donc, ce film, moi, m'a blessé en tant qu'homme, déjà. Je me suis trouvé agressé en tant qu'homme à la fin du film. Et puis, le symbole, alors, déjà, les références, à vous crever les yeux à Argento et à Cronenberg, juste sur les 15-20 minutes de la fin, là, c'était, enfin,
Voilà, le mec, il aurait fait passer un figurant avec une pancarte. J'adore Cronenberg et Argento sur le fond. Ça aurait été pareil, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est vous parlez, je suis assez d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec. C'est vrai que le propos est très poussif. Mm. Il a... Moi, la dernière scène, je peux pas. C'est pas possible. Ah non, 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 c'était trop. C'était trop. On s'est regardé. On a vu le film avec ma femme, qui, elle, pour le coup, est une féministe voilà, très, très. Elle me dit, non, mais c'est pas possible, ce film. C'est n'importe quoi. En plus, le symbolisme, quand c'est amené de manière subtile, je suis d'accord, j'accepte les symboles et leur représentation. Mais là, non, je suis pas d'accord du tout. C'était absolument immonde. Et donc, ça parle de la solitude de la femme dans un monde d'hommes. Et effectivement, le film a certainement plusieurs niveaux de lecture. Il faudrait peut-être le revoir pour capter peut-être certains messages que le réalisateur a dû faire passer et qui, moi, me sont passés à côté parce que, à un moment donné, j'étais tellement pris par le propos du film et j'étais tellement énervé par le propos du film que peut-être je suis passé à côté de quelque chose. Mais franchement, ce film m'a insulté dans ma condition d'homme et m'a fait vraiment détester Alex Garland pour ça. Je me suis dit, en tant que mec, tu peux pas faire un film comme ça dans lequel tu dis que tous les hommes sont à ce point toxiques et dangereux pour les femmes. Il faut nuancer son propos. Il faut nuancer son propos. C'est pas possible de faire ça. Delphine voilà. Dit quelque chose d'intéressant. C'est vrai que c'est peut-être aussi le personnage qui est traumatisé et devient parano. Mais c'est intéressant. Oui, j'entends très bien. Mais la fin ne donne absolument pas le contre-coup de ça. Il n'y a pas de contre-coup. On n'est pas persuadé. On n'est pas persuadé parce qu'on se rend compte. On n'est pas vraiment dans la nuance, quoi. Voilà. C'est ça. Exactement. À la fin, le réalisateur ne nous dit pas. Non, non, non. Tout ça était une perception de son inconscient et c'est elle qui s'imaginait tous les droits. Hein, oui, on s'en doute un peu, mais je veux dire, à un moment donné, non. Non. Et il faut un petit peu nuancer le propos. Ouais. Moi, qui ne suis pas quelqu'un de très nuancé, j'avais besoin de nuances là pour le coup. Le propos est enfoncé à coups de marteau, je suis d'accord. C'est vrai que là, c'est trop, beaucoup trop. Bon parleur. Moi, c'est une question, en fait. Mais du coup, justement, comment est-ce que vous expliquez que ce soit un homme qui a fait ce film? Est-ce que c'est vraiment opportuniste pour suivre une mode et puis c'est tout et puis, voilà, alors, moi, pour moi, c'est opportuniste. Ou est-ce qu'il trouve vraiment que tous les mecs sont des connards, lui y compris? Ou alors, est-ce qu'il y a de la subtilité là-dedans? Il doit y avoir une subtilité qui m'a échappé. Je pense qu'il y a une subtilité qui m'a échappé. Mais je sors pas souvent d'un film qui est aussi bien construit, parce que le film est très bien construit et le film est très bien mis en scène. Je sors rarement aussi énervé d'un film qui m'a tellement apporté de choses dans sa première partie. Parce que là, franchement, dans la deuxième partie, à un moment donné, c'est toujours, en fait, je sais pas si on peut dire ça, mais Rory Kinnear qui joue donc le personnage, l'antagoniste, on va dire, il joue mais incroyablement bien. C'est un super acteur et il porte le film sur ses épaules. Il est extraordinaire. Mais le fait de lui faire jouer toutes ses facettes d'une même pièce, finalement, parce que c'est toujours le même homme qu'elle a en face d'elle. J'ai trouvé ça pas subtil pour un sou et vraiment, moi, pour moi, c'était de l'opportunisme. Je pense que le mec a voulu surfer sur cette vague de films féministes et il en a fait des caisses. Je trouve qu'il en a fait beaucoup trop. Il en a trop mis et surtout dans le final, c'est à vomir. Moi, pour moi, ça a été à vomir, hein, vraiment. J'ai détesté. Je vous dis la vérité. Je dis rarement ça d'un film, mais j'ai vraiment, vraiment détesté. Alexis. Alors, moi, ce film, esthétique. Alors, moi, j'ai pas aimé. Hein. Voilà, je vais être clair. Mais esthétiquement, il y a vraiment une patte. Ah oui, bien sûr. Non, je dis pas que tu l'as pas dit, mais voilà. Les deux acteurs, que ce soit Jesse Buckley ou Rory Kinnear, parce qu'en fait, il y a un truc que tu n'as pas dit, c'est que Rory Kinnear joue il joue 95% des hommes du film. Voilà, je ne vais pas spoiler, mais oui, c'est lui qui joue aussi. Voilà. Et c'est lui qui joue. Et là, il y a une performance d'acteur qui est assez hallucinante. Mais effectivement, oui, moi, le propos, déjà, je l'ai trouvé non seulement très appuyé, mais totalement abscon. Enfin, c'est-à-dire, il y a des trucs où vraiment, tu te dis, mais il veut nous dire quoi, en fait Ah ouais, d'accord, c'est à ce point-là. Alors, après, pour répondre à la question de Beauparleur, je sais pas, je pense pas, il est pas forcément opportuniste. Je pense qu'il y a aussi aujourd'hui plein de gens qui sont un peu dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et c'est-à-dire que peut-être que lui,
il est persuadé d'être un mal oppresseur, je sais pas, tu sais, on en est quand même possible, aussi dans un monde où il y a des gens qui font des thérapies pour dire qu'ils regrettent d'être blancs. Donc, enfin, ouais, bien sûr. Non, mais je suis désolé, mais ça existe, hein. Donc, je sais pas. Il y a tout ce côté, moi, par contre, qui m'a plu dans le film, je le renie pas, c'est le côté rédemption. Le personnage principal féminin, donc Harper, se sent coupable de ce qui s'est passé au sein de son couple et tout, même si elle a subi beaucoup, elle se sent coupable. Il y a ce besoin de rédemption dans le film que j'ai trouvé quand même assez bien amené. Ses angoisses et ses ressentiments par rapport à ce qui lui est arrivé, on sent vraiment qu'elle a envie d'évacuer tout ça, qu'elle a besoin de guérir de ses blessures internes. Mais moi, c'est vraiment, oui, c'est le propos féministe, j'ai même pas envie de dire que c'est féministe parce que j'ai pas eu l'impression que c'était si féministe que ça. En fait, je pense que ça dénonce simplement la masculinité toxique. Voilà. Et dans cette façon de la dénoncer, c'est de dire que tous les hommes sont des mâles toxiques. Voilà, qui m'a beaucoup, beaucoup déplu, en fait. Mais je suis assez d'accord. Enfin, moi, il y a un film que j'avais adoré, donc pas cette année, mais l'année dernière, qui était Promising Young Woman, où tout le monde... Et moi, j'ai trouvé... Alors, effectivement, en gros, t'as à peu près tout... La majorité des hommes qui apparaissent dans le film sont des gros enculés, en gros. Je schématise, mais oui. En tout cas, des mâles toxiques, patriarcal, oppresseur, enfin bon, tous les clichés. Mais c'était beaucoup plus nuancé. Il y a plein de gens qui étaient, c'est le film ultra féministe, mais dans Promising Young Woman, il y a un avocat qui est quand même en pleine rédemption, enfin qui s'en veut de ce qu'il a fait. Il y a le petit ami de l'héroïne qui est un peu entre deux, qui est coupable et qui n'est pas vraiment. Enfin, il y avait déjà plus de nuances. Mais là, c'est vrai que c'est totalement. Même le personnage qui, à un moment donné du film, tu te dis, alors lui, c'est le visage de l'homme réconfortant, de l'homme soutien, de l'homme un peu plus. Voilà. Eh ben non, au final, c'est aussi l'ordure, le mec. Et tu te dis, non, mais attends, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas être entouré que d'enfoirés. Je veux dire, c'est pas possible, cette vision humaniste du monde. Quand vous regardez le sous-titre de Men, c'est le mal engendre le mal. Ouais. Voilà, mais c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Là-dedans, mais c'est ça. Alors peut-être, est-ce que c'est une vision d'artiste? Est-ce que c'est une allégorie? Je ne sais pas. Et moi, pour avoir au sein. Oui, mais bien sûr. Mais moi, pour avoir au sein de ma famille l'exemple d'un homme, donc mon oncle, qui a été lui un homme battu par sa femme, qui a été donc en semi-invalidité, qui avait une mobilité réduite et qui se faisait frapper par sa femme, donc ils ont divorcé, il y a eu une enquête de fait, elle a été reconnue coupable, tout ça, machin. Pour avoir vu ça, je me dis, voilà, on peut pas, il faut un petit peu nuancer son propos, tu peux pas faire un film dans lequel tu dis que tous les hommes sont des salauds, qui battent leurs femmes, parce qu'on n'est pas tous comme ça et je veux pas me dire que tous les hommes sont comme ça. C'est pas possible d'avoir cette vision nihiliste du monde. Je n'accepte pas ça. Je le suis, mais je l'affiche pas. Voilà. Non, mais toi, on le sait. Merci, Alex. En tout cas, c'était bien. Voilà, tu as bien détaillé, vraiment. Et je te rejoins sur beaucoup de points, vraiment. Ouais, merci. Quelqu'un, François, Romain, vous voulez rajouter quelque chose? Romain, tu l'as vu ou pas? Non, je ne l'ai pas vu parce que c'est comme je disais, j'avais vu la bande-annonce au cinéma et je voyais le truc, mais tellement gros, je me suis dit. Et puis non, du coup, je ne suis pas allé le voir. Tu as bien fait. Tu as eu du nez. Comme souvent. Hein. Mais je ne l'ai pas vu non plus. Après, le synopsis me tentait, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion. Mais enfin, après, voilà, il n'était pas forcément dans mes priorités, mais bon, c'est si un jour. Très bien. Ok. Bon, en tout cas, merci Alex. Merci. Merci à vous. Est-ce que tu veux, alors Alex, est-ce que tu veux, étant donné que toi, tu as parlé de tes deux films, est-ce que tu veux rester encore un peu avec nous sur le live? Moi, ça me va. Tu restes encore un peu avec nous? À moins que tu aies envie de faire rentrer quelqu'un d'autre dans la danse, je m'en vais si vous voulez. Non, il n'y a plus personne. Allez, je reste encore un peu alors. Tu restes avec plaisir. C'est gentil, merci. Ok, merci à toi Alex. Alexis, tu veux nous parler d'un...
Oh non, il va nous parler d'Avatar encore. Si, 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 il faut que je complète mon propos. Bon, tout à l'heure, c'était une réaction. Voilà. Non. Si, si. Non, non, mais en fait, je vais être bref. Je vais vraiment être bref. Alors, en fait, bref. Oh, ta gueule. En fait, non, mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est... En fait, moi, j'ai entendu beaucoup plus de mauvais sur Avatar que de bons. Alors, peut-être que c'est les YouTubeurs qui veulent faire du clic. Je ne parle pas de toi, beau parleur. Je n'ai pas entendu encore ta... Je n'ai pas encore eu le temps de regarder ta vidéo. Voilà. Mais, moi, je l'ai vu, il en a dit du bien. C'est ton programme. Ouais, c'est vrai. Tu vois, j'ai regardé hier celle de, du film qui m'a fait perdre mes amis, tu vois. Donc, tu vois, pour te dire, je te suis. Voilà. Non, justement, moi, beau parleur, je l'ai trouvé très nuancé sur sa vidéo. Bah, il faudrait que je regarde. Mais, voilà. Ce qui m'énerve, c'est que dans ce film, en fait, tu as énormément de grands thèmes qui sont juste universels. Alors, bien sûr que oui, c'est contre le capitalisme, pour la nature, pour la famille, contre les gens, les envahisseurs qui viennent massacrer des peuplades, leur piller leur richesse. Le lien avec la nature, bon, y a des trucs qui m'ont dérangé dans le film. Mais en quoi, je trouve qu'il y a une espèce d'élitisme qui fait qu'on est obligé de se prendre la tête sur des trucs. Oh, mais arrête avec l'élitisme. C'est un mot fourre-tout, Alexandre, c'est un mot fourre-tout. Mais je plaisante. Voilà. En quoi ces valeurs qu'on oublie complètement dans le monde dans lequel... En plus, on ne parle que d'écologie aujourd'hui, on ne parle que de probabilité, on ne parle que de république irréprochable. Enfin, tu vois, on n'arrête pas de t'évoquer à tout bout de champ dans la société des grands principes. Et quand c'est montré au cinéma, les gens gueulent, ils disent « Ah ouais, mais c'est de la merde, enfin c'est simpliste, le scénario, il est pourri. » Moi, ça me fait sortir de mes gonds. Alors que tous les jours, les gens n'ont que ça à la bouche. Voilà, bon, ça, c'était le premier truc. Après, je ne suis peut-être absolument pas partial, parce que de toute façon, j'ai adoré ce film. Alors, j'ai quelques petites réserves. J'ai trouvé que la musique était très en dessous. Voilà, c'est malheureusement. Ils ont gardé le thème de Daniel Mann ou pas ? Comment ? Ils ont gardé le thème de Daniel Mann, je crois, non ? Ouais, non, pas Daniel Mann, James Horner. En fait, c'est un mec qui a bossé, c'était l'assistant de James Horner, mais je trouve que c'est quand même très en dessous. Il y a quelques notes qui, mais il n'y a pas le caractère épique et je trouve pas le mot, mais enfin, il n'y a pas cette flamboyance qui était, même si il a été critiqué pour reprendre toujours les mêmes thèmes, mais en fait, les mecs, ils les plaçaient toujours. C'était parfait, quoi. Enfin, c'est BO. Moi, à chaque fois que je revois le Avatar 1, les trois petites notes, c'est juste, j'ai limite la chair de poule. Bon, voilà. Et donc, moi, après, j'ai une deuxième réserve, c'est qu'à un moment dans le film, un des personnages se met à parler à un animal qui est assez important dans l'intrigue du film. C'est un peu parachuté au milieu, ça s'explique un peu par la suite, mais en même temps, cet événement est un peu l'explication. Enfin, pas l'explication, mais découle un peu de ce qu'on t'a expliqué dans le premier opus, où il y a un vrai lien entre les navis et la nature. Donc, bon, je dis pas que c'est forcément bienvenu, mais ça passe. Il y a les gens qui sont axés là-dessus. Genre, c'est pas possible, machin. Moi, je me suis encore retrouvé en face d'un grand cinéma épique, un grand spectacle avec des valeurs universelles. Super bien foutu, super bien écrit. Enfin voilà, moi j'en demande pas plus. Voilà. Bon bah donc tu vois, j'arrive à être bref. Bravo. Voilà, c'était mon complément. Voilà. Bravo. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Non, parce que je l'ai pas vu, donc je vais rien dire. Je suis d'accord avec toi, Alexis. Très bien. Bon, en tout cas, merci Alexis. On va passer à Romain. Et je répète, hein, c'est le film de la décennie. Hein, parce que. Ah, mais calme-toi. Faut pas oublier comment. Faut pas oublier comment le 1 s'est fait bâcher quand il est sorti. Et je trouve que là, on est un peu dans le même credo. Quoi. Voilà. Le film de la décennie, c'est Avengers Endgame.
Ouais. Bah, tu vois, mais en fait, mais tu retires les, les effets spéciaux de Avengers et de tous les Marvel, il reste rien des films. Là, je suis désolé, tu retires les effets spéciaux. Non, il y a une super histoire de voyage dans le temps, monsieur. Ouais. Bah, voilà. Et ça reste, enfin, les thèmes évoqués, pour moi, ça reste. Ça tient pas. Alors oui, il y a une vraie performance technique et vraiment t'en prends plein, mais quand je te dis que t'en prends plein la gueule, juste je vous donne une anecdote. Dans le dernier tiers du film, à un moment, je l'ai vu en Dolby Cinema, donc j'étais dans un fauteuil en cuir inclinable avec les lunettes 3D, enfin un truc de dingue, et à un moment je vois un mec qui rentre, mais casse-toi, je vois rien, et en fait c'est un personnage qui rentre dans le cadre, c'est pour vous, enfin tu ne fais plus la différence, tu es complètement immergé. C'est génial. Voilà. Il y avait des mecs derrière, ils gueulaient. Je me suis retourné pour leur dire de fermer leur gueule. Mais en fait, c'est tellement bien parce qu'en fait, ils étaient dans le film, les gars. Le Dolby Atmos. Le Dolby Atmos. Il y a un mec qui m'a balancé ses popcorns sur la gueule. Putain, c'est fort. Alexandre, Romain, on en reparlera quand vous l'aurez vu. Et c'est pour ça que Denis, je t'ai demandé si tu avais trouvé le scénario de Top Gun bien, puisque tu as eu des réserves sur le scénario d'Avatar. Voilà. Et pour moi, le scénario d'Avatar n'est pas plus mauvais que celui de Top Gun, ou celui de Star Wars, ou de. Enfin, j'entends juste l'histoire. J'entends pas la mise en place faite par le réal. Hein. Voilà. Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé Avatar 2, mais je trouve qu'il a les mêmes petits défauts et les mêmes qualités que le premier. Voilà. C'est tout. Mais des défauts. Mais quels défauts? Mais je ne peux pas en parler parce que certains ne l'ont pas vu. Les qualités de ces défauts. Vas-y, beau parleur. Je suis curieux. 2, Avatar 2 fait la même chose qu'avait fait Terminator 2 par rapport à Terminator 1. Bien sûr. Avatar 2 fait la même chose. Par rapport à Avatar 1. Après, mais vous aimez pas, mais c'est le même principe. Mais complètement. Il a sniffé de l'éther. Il y a Romain, ton deuxième coup de cœur. Ouais, alors, moi, je vais vous parler maintenant de... Je pense que oui, Laurent. Attendez, excusez-moi, juste, je réponds à Lorenzo. Je n'ai jamais vu un film en IMAX. Donc, je suis incapable de te dire. Voilà, peut-être que Beauparleur pourra te répondre. Moi, je n'en sais rien. C'est quoi la question? C'est si c'est les mêmes lunettes? Il demande si les lunettes 3D sont les mêmes pour pour l'IMAX qu'une salle normale. À une époque, ce n'était pas pareil, mais je crois que maintenant, les technologies ont fait que. Mais, voilà. Donc, OK. Donc, Romain, je disais, moi, je vais parler de Où est Anne Frank? De monsieur Foreman. Et comme vous le voyez, c'est Où est Anne Frank avec un point d'exclamation. Donc, c'est pas une question, et ça, je mentionne parce que ça joue un rôle dans l'histoire dont je parlerai un petit peu plus loin. Donc, le dernier film de Harry Foreman, qui est connu principalement ici pour Valse avec Bachir. Sorti en 2008, ce que j'avais vu, mais ça fait longtemps, j'avais vu quand j'étais au lycée encore. Et du coup, j'ai plus vraiment de souvenirs. Et surtout de lui, j'avais adoré son film qu'il a fait, qui est sorti en 2013, qui s'appelle Le Congrès, avec Robin Wright, qui était un film de SF qui mélangeait à la fois prise de vue réelle et animation. Et c'est un film vraiment incroyable. C'était hyper touchant, c'était hyper, hyper bouleversant. Et le film avait fait un flop, mais incroyable. Le film avait totalement bidé. C'est certainement parce qu'il était sorti, je pense bien, 10 ans trop tôt, parce que ça parle un peu de tout ce qui est le métaverse, enfin de ce qui est aujourd'hui le métaverse, genre de réalité virtuelle. C'est un peu le problème avec Foreman, c'est qu'il a toujours un peu trop en avance sur son temps. Et puis là, cette année, il a sorti Où est Anne Frank, qui a aussi fait un bide, mais incroyable. Il n'y a pratiquement personne qui m'a parlé. Moi, j'avais eu de la chance, du coup, de le voir pendant le festival du film de Sydney également. Et j'ai vraiment pas regretté d'être allé le voir parce que c'est vraiment un super film. Et le pitch, en fait, c'est Kitty,
qui est donc l'ami imaginaire à laquelle écrivait Anne Frank dans son journal, qui provit et qui va en fait ce qui se passe c'est qu'elle provit, donc elle sort du journal qui est exposé dans la maison de Anne Frank à Amsterdam. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle est à l'intérieur de la maison, elle est complètement invisible aux yeux des gens. Et dès qu'elle sort de la maison, elle devient visible. Par contre, elle doit toujours avoir le journal sur elle, parce que si elle s'éloigne trop du journal, ben, elle commence à disparaître. Et le film, en fait, il se construit de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y aura des séquences en fait où il y a Kitty qui, en fait, elle est à la recherche de Anne Frank, c'est-à-dire qu'elle sort du journal et elle croit qu'elle est toujours qu'elle est toujours en 1943-44. Et puis, alors que le film se passe dans l'époque de maintenant, donc de l'époque contemporaine, et du coup, elle est là un peu, vagabonder dans la ville à la recherche de Anne Frank. Et en parallèle de ça, il y a aussi des séquences qui sont faites des flashbacks et qui retracent certains des passages de la vie de Anne Frank. Donc au début, quand elle est jeune, enfin, quand elle est encore plus jeune, parce qu'elle est pas jeune, mais quand elle est plus jeune et qu'elle est encore libre, et puis du coup qu'elle est heureuse, après du coup plus elle est partie, où elle est obligée de se cacher dans sa chambre et tout. Et du coup, le film, il va jouer un peu entre les deux, donc les flashbacks et la période actuelle où il y a Kitty qui part et qui va à la recherche de Anne Frank. Et puis, du coup... Alors, attendez, parce que j'avais pris quelques notes, du coup. Et puis du coup, en fait, ce qui est vraiment intéressant dans le film, c'est que, parce que l'histoire de Anne Frank, elle est vraiment connue de tous. Je crois que c'est plus vraiment une histoire qui a vraiment de secret pour les gens. Mais justement, le fait de raconter cette histoire d'un point de vue qui est à la fois externe, parce que du coup, ça vient pas de Anne Frank elle-même, mais ça vient de ce qu'elle écrivait dans son journal qui provit. En quelque sorte. Et en fait, vu qu'elle n'arrive pas à croire, donc que Kitty n'arrive pas à croire qu'elle est dans le monde de d'aujourd'hui, et même quand on lui dit, elle est plus là, Anne Frank, elle dit oui, mais elle est où? Et du coup, il y a tout ce décalage, en fait, le fait qu'elle n'arrive pas à comprendre, en fait, que Anne, elle est plus là, du coup, elle la cherche, et puis elle la cherche, et elle est triste, et au bout d'un moment, elle va se lier d'amitié, alors je sais plus combien ils sont, mais c'est un groupe de gamins qui du coup vont essayer de l'aider à retrouver Anne Frank, en fait. Et en fait, après, je vais parler plus que ça dans les détails en ce qui concerne l'histoire, parce que comme je dis, c'est quand même un truc qui est assez connu. Mais moi, en fait, ce qui m'a vraiment marqué dans le film, déjà, c'est que l'animation en soi, c'est vraiment typique de ce qu'il fait Folman. C'est vraiment un style qui est très particulier. On voit un peu sur l'affiche, parce que du coup, c'est le même style de dessin qu'on voit effectivement dans le film. Mais en fait, ce qui est assez fou dans le film, moi, un des trucs qui m'a le plus marqué dans le film, c'est qu'il passe quand même pas mal de temps à représenter le totalitarisme, et il a une manière de faire ça qui est quand même assez incroyable, parce que il représente les nazis comme des êtres immenses et monstrueux. Il y a vraiment une manière de représenter ce qui est vraiment le mal absolu d'une manière que j'avais personnellement vraiment jamais vu auparavant. C'est quelque chose, je pense, que ça pourrait limite terroriser les gosses s'ils voient ça. Mais d'un bon côté, genre, c'est vraiment avoir vraiment un gros impact sur eux, parce que j'avais encore jamais vu quelqu'un représenter le mal absolu qu'était le nazisme à ce moment-là, de cette manière-là. Et
Ce qui est bien dans le film aussi, c'est que du coup, pour revenir au titre, c'est pas une question qui pose Follman. La signification du titre, en fait, ça veut dire que Anne Frank, en fait, c'est pas savoir où elle est, mais c'est qu'on sait qu'elle est un peu partout, en fait. Elle est un peu partout à l'intérieur de nous. Elle est partout dans la ville de Amsterdam, parce que c'est aussi un truc que dans le film, elle va au bout d'un moment, elle se rend à la librairie Anne Frank, elle traverse le pont Anne Frank, elle va au cinéma Anne Frank, et du coup, elle la voit pas partout. En fait, elle voit la mémoire de Anne Frank et la mémoire que les gens ont de Anne Frank sans voir Anne Frank elle-même. Et le film, il parle aussi beaucoup de ça, donc de ce devoir de mémoire, surtout parce que mine de rien, la Seconde Guerre mondiale, ça commence à être de plus en plus ancien. Il pourrait y avoir un risque au fur et à mesure que les nouvelles générations, elles se sentent de plus en plus redistancées par rapport à ça. Et il y a une réflexion dans le film à ce niveau-là. Comment faire ce travail de mémoire? Et c'est quelque chose qui est vraiment qui est vraiment bien fait et bien abordé dans le film. Et il y a aussi, ça c'est plutôt dans la deuxième partie du film où Follman il fait une sorte de parallèle entre la situation de Anne Frank et la situation des immigrés dans le pays à ce moment-là qui eux aussi doivent se cacher. Et c'est pas ultra comment dire, c'est pas ultra subtil, mais je trouve que la manière de le faire et surtout la manière dont il met ça en scène, ça vraiment apporte quelque chose qui quand même à la fin du film j'étais là, ah ouais, c'est vraiment pas con en fait de montrer ça de cette manière là. Et du coup, ouais, c'est encore une fois, c'est comme je dis, le film, il a fait un bide face hallucinant. J'ai même pas vu les films qu'il a, les chiffres qu'il a fait au box-office, mais ça doit pas être très 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 haut. Et pourtant, c'est vraiment de dommage parce que il y a toute une séquence dans le film ou de moment où il y a Anne Frank, enfin où il y a Kitty qui invoque en fait tout plein de héros de l'enfance de Anne Frank pour aller affronter les nazis dans une scène qui ressemble un peu, en fait, dans l'esprit, c'est un petit peu comme ce qu'il faisait Spielberg dans Ready Player One, mais en beaucoup moins d'un balai. Il y a tout, et puis du coup, il y a plein des héros de l'enfance de Anne Frank, de qui elle avait des posters sur les murs, qui attaquent, et puis tout ça, du coup, toujours en animation, qui attaque les nazis, et ça donne une scène vraiment incroyable à voir visuellement. Et il se permet plein comme ça de petites folies qu'en fait seule l'animation peut faire. En fait, il y a vraiment que avec l'animation qu'on peut se permettre ce genre de folie sans que ça paraisse vraiment trop kitsch. C'est un peu ce que je reprochais au film de Spielberg, du coup Ready Player One, que du coup ça faisait vraiment kitsch, ça faisait vraiment too much. Là, je trouve que ça rend vraiment bien, encore plus avec le style d'animation de Follman. Du coup, ouais, si vous avez l'occasion de le voir, enfin, si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez le voir, c'est vraiment un très très beau film qui prend un petit peu une manière différente, en fait, qui aborde d'une manière différente l'histoire de Anne Frank. On l'a dans un contexte qui est vraiment actuel avec justement tout le problème de l'immigration. Et ouais, c'est vraiment un film que je conseille à tout le monde. Merci Romain, parce que moi, ce film-là n'est pas sorti dans mon cinéma. Ouais, ça m'étonne pas. C'est comme j'ai dit, le film, il est sorti de manière presque confidentielle. C'est triste. Justement, c'est bien. C'est bien que tu le mettes en lumière parce que j'ignorais totalement ce film. Ouais, je ne savais pas du tout qu'il existait. C'était super intéressant et vraiment, tu m'as donné envie de le voir. Et je dès que j'ai l'occasion de me le procurer, je le verrai parce que c'est un sujet qui me, qui me,
qui me parle beaucoup. Ouais. Ouais. Merci en tout cas. Donc, quelqu'un l'a vu ? Non. Non, malheureusement non. Non, j'avais vu. J'avais vu Valls avec Bachir, mais. J'avais vu Valls avec Bachir, ouais. Ouais, pareil, moi aussi. Je ne savais pas qu'il existait. Mais en fait, ce qu'en dit Romain, ça me fait beaucoup penser à la BD Maus. Je ne sais pas si vous la connaissez. Où les Juifs sont représentés par des souris et les Juifs par des Allemands, par des chats. Pardon, et les nazis par des chats. Et. Cette façon, cette représentation assez horrifique ou assez disproportionnée des nazis comme mal absolu, ça m'a fait penser à ça, surtout avec le côté graphique. Mais non, en fait, j'ai cru que, moi, je vais te dire, j'ai passé totalement inaperçu, j'ai cru que c'était un énième. Enfin, moi, mon grand-père a porté l'étoile jaune, si vous voulez, donc j'ai bouffé tout ce qui était sur la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, je trouve qu'il y a des trucs qui sont. Et enfin, c'est assez répétitif. Et un film comme vient d'en parler Romain, ça me donne carrément envie de le voir, quoi. Voilà. Ouais, pareil. Et pareil, moi aussi. Ouais, carrément, Laurent. Peut-être que Annette Garland aurait dû représenter la masculinité toxique avec des nazis. Ça serait peut-être plus facile. C'est ça, ouais. Bien joué, Alex. Merci à toi, Romain. Ça passe quoi? Alors, tout comme Alex ou Alexis, si tu veux rester encore un peu avec nous, libre à toi. Non, moi, là, je reste. De toute façon, j'ai rien à faire. Moi, je suis en congé aussi, donc allez, on y va jusqu'à 2h du mat. C'est bon. Allez, je vais les prendre une bière, du coup. Et puis là, le beau parleur, de toute façon, il va prendre 1h30 de son temps pour nous parler de tous ces films qu'il a vus en 2022. C'est pour ça. Ah, c'est vrai, oui. C'est pour ça que je le garde pour la fin, beau parleur. Moi, j'ai un coup de gueule très intéressant, mais dont tout le monde s'en fout. Mais je vais le faire beaucoup. Bon, eh ben, écoute, on verra ça dans 5-10 minutes alors. François, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule? Ben moi, c'est de nouveau un coup de cœur, en fait. C'est ça. Bon, alors on t'écoute. Ah, il est beaucoup trop gentil, ce François. Bon, quoi que je peux faire un coup de gueule si je veux. Alors, ben, comme, j'en ai aussi que comme vous préférez. Le sens attire plus les gens, mais après, c'est en toi libre. Hein. Allez, ton coup de cœur. Oui, mais ça va, ça va être rapide parce que tout le monde le connaît, enfin à peu près. Donc c'est coup de cœur, c'est Triangle of Sadness. Donc Palme d'Or cette année à Cannes pour la petite histoire. Donc voilà l'histoire en quelques mots. C'est un couple d'influenceurs qui, après avoir célébré la Fashion Week, va partir en croisière. Et alors la croisière en question va totalement partir en sucette. Alors, Lorenzo. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la petite histoire, donc c'est le premier film de Ruben Östlund que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Vous avez vu avant The Square et Snow Therapy que j'avais pas aimé. Bon, il y avait déjà. Oui. Il y a Romain qui est en train de se prendre une bière. Ouais. Non, en fait, c'est un morceau de pain parce que j'ai la dalle. Et voilà, moi, en fait, ces deux films précédents à Ruben Östlund, donc Snow Therapy et The Square, moi, je n'avais pas vraiment accroché, je n'avais pas tellement aimé. J'avais déjà bien compris l'idée qu'on trouve ici dans Triangle of Sadness, donc de dénoncer la superficialité et la vulgarité de la société. Donc, voilà, et aussi du monde de l'art de manière générale, mais je trouve qu'ici dans Triangle of Sadness, c'est mieux amené parce qu'il y a un humour qui, moi, m'a beaucoup touché, notamment la séquence centrale du milieu du film, voilà, une séquence à base de vomi, comme ça, qui m'a un petit peu rappelé justement les films de Marco Ferreri, notamment La Grande Bouffe. Pour prendre un peu le plus connu, où là vraiment, y a vraiment tout le monde qui s'en prend plein la gueule, comme je veux dire, aussi bien les riches que les pauvres, etc. Et là vraiment, ce qui m'a surtout emballé dans Triangle of Sadness, c'est à la fois c'est cette absence de limite,
Donc, le fait que cette fois-ci, il ne se cache plus derrière ce côté froid qui moi, m'avait laissé de marque dans The Square et dans Snow Therapy. Et il y a également aussi la structure du film, donc structurée en trois actes, où je veux dire notamment la première partie qui, pour moi, regorge de scènes d'anthologie, notamment la séquence dans le resto où il y a... Ce jeune couple qui va se chamailler au départ pour une histoire d'addition, alors ça va démarrer lentement, puis progressivement ça va partir complètement en cacahuète. Ben, c'est ce que j'aime bien aussi chez Östlund, c'est que voilà, il a l'art de partir de situations complètement banales qui vont prendre des proportions complètement farfelues. Et la deuxième partie, ben voilà, dans le bateau où l'équipage va tomber complètement malade, etc., avec en plus Woody Harrelson, mais de base j'adore Woody Harrelson, mais ici qui est complètement déjanté, qui fait bien marrer. Et moi, son accrochage avec le vendeur de merde, comme il s'appelle lui-même, ben moi, ça m'a beaucoup emballé. Il y a juste la dernière partie que j'ai trouvée un poil longuette sur l'île, où voilà, je me suis dit, bon, c'est peut-être un petit peu plus poussif, mais voilà, dans l'ensemble, moi, j'ai beaucoup apprécié. Bon, après, moi, j'ai trouvé que le film était, pour le coup, beaucoup plus abordable et accessible que The Square et Snow Therapy. Alors, je n'ai pas vu le reste de ces autres films, mais moi, je voulais en parler parce que c'est vraiment le film qui m'a réconcilié avec Östlund. Que moi, je suis allé le voir ben, plus par curiosité qu'autre chose, mais je m'étais dit, voilà, je n'avais pas aimé ces films précédents, est-ce que je vais aimer celui-ci? Ben, c'est bien la preuve que oui. Et je trouve aussi que c'est l'une des palmes d'or qui, pour moi, parvient vraiment à concilier à la fois grand public, je vais dire, et en même temps critique spécialisée, je vais dire un petit peu à l'instar de Pulp Fiction ou de plus récemment Parasite, donc des films qui peuvent attirer à la fois l'attention du grand public et même emballer, voilà, c'est le mot que je cherchais, emballer à la fois le grand public et les critiques les plus, je vais dire, les plus pointilleuses. Enfin, je pense que c'est un film, ben, forcément, vu... La Palme d'Or, dont on a déjà beaucoup parlé, mais moi, il me tenait à cœur d'en parler ben, parce que d'une part, ça m'a fait me réconcilier avec le réalisateur et d'autre part, ben, parce que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, il sera dans mes films préférés, je pense, de cette année. Bon, peut-être pas aux côtés d'Asbestas ou d'Avatar 2 ou de La Nuit du 12, mais en tout cas, moi, ça a été un bon coup de cœur, quoi. Une bonne surprise. Voilà. Ouais. Voilà. Parfait. Voilà. Okay. Alexis, tu l'avais vu, toi, non? Oui, moi, je suis très fan de Ruben Östlund. Moi, j'adore Snow Therapy. J'adore The Square. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé, mais en fait, c'est toujours les mêmes thèmes. En fait, il prend ses personnages, il les confronte à des situations... dans Snow Therapy, c'est un père de famille qui est dans un restaurant d'altitude dans les Alpes françaises et il y a une avalanche qui arrive. Et en fait, lui, il croit que l'avalanche va emporter le restaurant. Donc, il se barre en courant, il plante sa femme et ses deux mômes. Et tout le reste du film, c'est comment arriver à faire exister sa famille, à reprendre sa place d'homme, après avoir eu cette attitude-là. Dans le deuxième, The Square, c'est un conservateur de musée, si je me souviens bien, qui, en fait, on lui pique son portable et il accuse quelqu'un dans l'immeuble. Il met un mot dans la boîte aux lettres de l'immeuble en disant « je sais que c'est vous ». Et pareil, en fait, il prend ses personnages et il les met dans des situations qui les ramènent un peu au stade d'animaux, en quelque sorte. Et après, c'est comment ils se replacent dans la société. Enfin, je schématise beaucoup, mais en gros, c'est ça. Et là, Triangle of Sadness, je trouve que c'est beaucoup plus grand public, mais ça, c'est pas une tare, hein. Mais moi, j'ai adoré. Puis c'est surtout, moi, le duel entre Woody... Enfin, pas le duel, mais la joute verbale entre Woody Harrelson, qui est un marxiste, et un russe capitaliste, mais c'est à se pisser dessus. Les deux acteurs sont énormes. Et voilà. Et c'est effectivement... On ramène des gens à leur animalité qui nous habite tous. Et... on voit et on confronte ça à la société actuelle. Voilà. Et moi, à chaque fois, c'est du plaisir, quoi. C'est vraiment ça.
Voilà. Beau parleur cautionne à 100% ouais. Apparemment. En grande partie. Parce que c'est Alexis ouais. Quand même, je peux pas être d'accord sur tout. Encore heureux. Bien. Merci, merci d'ailleurs, François. Si je peux me permettre. Oui. En fait, Triangle of Sadness, quand on lit sur les réseaux sociaux de quoi parle le film, les gens disent toujours « Ouais, c'est une critique des riches, c'est une critique des riches, blablabla. » Je trouve que c'est pas le propos du film. Je dis pas qu'il n'y a pas une partie de ça, mais c'est ce qu'a très bien dit Alexis. Pour moi, c'est en fait, c'est une critique du pouvoir et de la corruption du pouvoir. C'est-à-dire que le film, alors je ne l'ai plus tout à fait en tête, mais il commence par une scène où c'est un mec qui passe un casting de mannequin et en gros, si vous regardez, c'est tout le stéréotype de ce qu'on critiquerait chez une femme, mais fait par un mec. C'est lui le mannequin. Donc on lui fait « souris comme un con, faut que tu te fasses faire du, je sais plus quoi, du botox ou je sais pas quoi ». Donc il y a tout ce stéréotype-là. Donc déjà, dans l'entrée de jeu, bam, le mec, il inverse. Ensuite, on a le rapport de force homme-femme dans un couple lors d'un repas qui paye. Donc, en fait, il parle de ses rapports de force. Ensuite, en effet, il y a le côté critique du pouvoir, donc de la richesse et tout ça, dans le bateau et tout. Et la dernière partie, c'est ce qu'a très bien expliqué Alexis, c'est en fait, on supprime la civilisation et on revoit comment on crée une nouvelle civilisation à partir de là, à partir de celui qui a l'élément qui lui permet d'avoir le pouvoir. En fait. Et en fait, c'est un truc qui critique le pouvoir, je dirais, pour que d'ailleurs, mais moi, c'est un truc que je connais, pouvoir absolu, corruption absolue. Et pour moi, c'est ça que fait le film. C'est une critique de comment l'homme se laisse des jeux de pouvoir et comment il se laisse corrompre par la puissance du pouvoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, il faut juste savoir, pour expliquer le titre, en fait, au début, il passe un casting et alors, Triangle of Sadness, il y a un mec qui le regarde et qui lui dit « Non, non, en fait, c'est faut du front, là, il faut qu'on voit ici cette partie que tu donnes un air un peu mystique, enfin, je ne sais plus les termes qu'il exprime, enfin, qu'il donne. Et ça, ici, la partie du front, là, qui est juste au-dessus de l'arête du nez, c'est le triangle de la tristesse. Alors, je sais pas, peut-être que chez les top modèles, ça existe, j'en sais rien. Et je pense que oui, en plus, il en parle, je pense que ça existe. Mais ça pousse les potards à fond sur le ridicule de ce monde. C'est-à-dire que c'est ce film qui est, ces milieux qui sont hyper nombrilistes et qui n'existent que parce que eux créent, mais qui ne servent à rien dans la société, en quelque sorte, même si la société en est très friande. Voilà. Enfin, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais, C'est pas gentil avec les mecs sur YouTube, là, ce que tu fais. Hein? C'est pas gentil pour les mecs sur YouTube, là. Hein. Romain, tu l'as vu? Je l'ai vu, oui. J'ai beaucoup aimé. Moi, par contre, c'était le premier film que je voyais de Östlund, mais du coup, ça m'a vraiment beaucoup donné envie de regarder le reste. Ouais, c'est vraiment un truc. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai beaucoup adoré, aussi dû au fait que ça, c'est aussi un des films que j'ai regardé que j'ai vu pendant le festival à Sydney. Donc, c'était au mois de juin. Donc, ça remonte tout ça un peu. Mais la salle dans laquelle j'ai vu le film, elle était remplie. Il y a tout le monde qui se fendait la gueule. C'était une expérience assez incroyable qui m'a encore aidé à encore plus apprécier le film parce que c'était vraiment une sorte d'ambiance où tout le monde est hilar. Et le film va tellement loin. En fait, je suis même presque surpris d'avoir rêvé parce que c'est vraiment du too much. C'est surtout la partie centrale sur le bateau. Ça part vraiment dans tous les sens. Ouais. Mais c'est juste hilarant. Et ouais, les acteurs sont super beaux. D'ailleurs, c'est triste, il y a l'actrice principale qui est morte. Qui est morte assez récemment, là. Et qui est vraiment, parce qu'elle joue vraiment bien son rôle du mannequin / influenceuse qui est vraiment, qui est vraiment, en fait, c'est que de la chair, quoi. Il y a rien d'autre, quoi. Elle vit que pour l'image qu'elle renvoie ou pour personne qui la suit, en fait. Emily Ratajkowski, je sais jamais dire son nom, là. Emily Ratajkowski. Voilà. Ouais, mais c'est vrai. En plus, il y a un air au niveau physique. C'est excellent film. Un aparté, donc il y a Slow Therapy, il est visible sur Amazon, et vous avez un remake qui a été fait aux États-Unis par Fox Searchlight, qui est la division film indépendant de la Fox, et qui est visible sur Disney+, et qui est avec Will Ferrell et Julia Louis-Dreyfus, et qui est franchement
qui est vraiment pas mal. Mais mm-hmm. vraiment, par rapport... Enfin, il vaut mieux voir le premier, mais la version américaine, pour une fois qu'ils font un mec et qu'ils en font pas de la merde, c'est à souligner. Voilà. Sur Netflix, tu dis ? Non, c'est sur Amazon. Sur Amazon. L'original. Et ouais. Le remake sur Disney+. Voilà. Et c'est exactement la même histoire. Alors, pour le coup, et alors ce qui est très drôle, c'est que dans Snow Therapy et dans Downhill, tu as un des personnages qui est ami du couple, qui est l'espèce de viking rouquin qui joue dans Game of Thrones, là, qui est un des... je sais plus parce que je suis pas... Enfin, j'aime beaucoup Game of Thrones, mais je suis pas à fond, donc j'oublie les personnages et tout ça. Sauvageons. Et cette espèce de rouquin barbu là qui se bat à l'âge, qui défonce tout, et il est assez génial dans le rôle. Voilà. Alors, juste, moi, je l'ai vu aussi. J'ai plus énormément de souvenirs. Je sais que j'ai beaucoup ri. Et ce qui m'avait marqué, moi, qui adore les dialogues dans le cinéma, c'est les dialogues du film. Je les ai trouvés absolument hilarants. Ah, oui, oui, oui. Moi, ce que j'adore, c'est la rythmique des répliques et le timing, en fait, auquel les mecs se renvoient les punchlines. J'ai trouvé ça génial. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'aurais dû être dialoguiste au cinéma, mais ça m'aurait fait. Woody Harrelson, je l'adore en général, mais dans son film, en capitaine, il est juste dément, quoi. Surtout, ça crave, ouais. Puis les accents aussi, le jeu avec les accents du personnage, c'est. Le dialogue sur Marx. Merci, messieurs. On termine avec Beauparleur. Le meilleur pour la fin. Le coup de gueule, enfin, le meilleur. Est-ce que tu as eu un coup de cœur et un coup de gueule ? Là, j'ai un coup de gueule, mais des coups de cœur, j'en ai eu. Globalement, c'est pas de la subtilité, on va rien apporter, mais c'est vrai que je vais juste dire, ça va être très court. Un film comme Avatar 2, ça fait du bien parce que ça fait du bien de revoir du grand cinéma de divertissement. Voilà, je dis ça. Après, on peut aimer et pas aimer, mais de voir du cinéma de divertissement avec des ambitions, putain, parce que ça fait du bien. Voilà. Parce que Top Gun Maverick est excellent, c'est en partie un soft remake du précédent, donc voilà. Salopard de conformiste. Bref. Moi, j'ai un méga coup de gueule, mais en fait, il va peut-être pas parler à beaucoup de monde. Mais je commence. Et c'est Avatar 2. Exactement, c'est Avatar 2. Putain, une suite qui arrive 10 ans après, encore une suite. Putain, il faut jamais rien de nouveau. Ouais, c'est le même schéma. En plus, ils ont la même couleur de peau, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, n'importe quoi. Puis même les musiques, c'est les mêmes. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ouais. Le mec, il aurait pas pu faire d'autres trucs depuis en 15 ans, là. Bref, je disais. Terminator 12. Ouais, Dark Fate. Ça, c'est Avatar Dark Fate. Bref. Non, mais en fait, mon coup de gueule, c'est contre les distributeurs. Ça dépend de là où on habite, mais moi, j'en ai clairement... cette année, ça me fait chier. Ça me fait chier. Parce qu'il y a plein de films qu'on m'a dit être excellents qui ne sont pas sortis près de chez moi. Je suis d'accord. Il y a c'est les mêmes chefs. Dans la ville d'à côté, où il faut faire je ne sais pas combien, là, ils les avaient. Chez moi, ils ne les avaient pas. Alors certes, j'habite dans un bled où ils sont un peu les gens, donc ça n'aide pas. Mais quand même, je veux dire, j'en ai ras le cul de voir des films qui sortent. Qui sortent. Je ne suis pas à Paris, donc j'en ai parlé juste avant. Il y en a qui me disent, ailleurs. Ils m'ont dit, à Paris, ça sort. Ouais, merci. Non, mais je veux dire, de voir qu'il y a plein de films, plus ou moins connus, qui ne sortent pas dans ce cinéma de près de chez moi. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est pas parce que évidemment je suis une victime, c'est près de chez moi, là. Mais je veux dire, je suis pas dans le bled le plus paumé au monde et je trouve que c'est n'importe quoi. Est-ce que c'est de la faute des distributeurs ou est-ce que c'est de la faute de la demande du spectateur? Parce que moi je sais que j'habite en Corse et à Ajaccio, il y a un cinéma qui est très bien mais qui n'a que 6 salles. Il y a des films qui sortent avec 2-3 mois de décalage parce qu'il faut laisser la priorité aux blockbusters parce qu'ils savent que c'est ce qui va remplir les salles. Ouais, t'as encore la chance d'avoir les mecs qui sortent en décalage aussi, tu vois. Oui, ils sortent en décalage. Ouais. Alors, pour te répondre, moi, je pense que c'est les deux, de toute manière. C'est l'un engendre l'autre. De toute manière, si les films ne sortent pas, c'est pour une question économique. Hein. On ne va pas se mentir. Si le film y sort et il est vu, il va sortir. Surtout, comme j'ai dit, c'est le même patron dans le bled d'à côté, il sort. Donc, voilà. Après, si le film passe, c'est forcément qu'il y a des frais pour le faire passer. Parce que je ne sais pas comment. Je pense que quand tu passes un film, tu payes des frais ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il faut que tu aies une place. En tout cas, c'est une salle que tu loues pas à un autre film, etc. Ça, c'est sûr et c'est certain. Mais moi, je le dis clairement, j'en ai ras le cul. Par exemple, des films comme Le Dernier Quentin Dupieux. Alors, je suis pas ultra fan de Quentin Dupieux. Hein. Ah, super, de quoi tu te plains? Je me plains que c'est un gars qui est quand même assez connu et puis ils l'ont pas sorti chez nous. Tu te fous de ma gueule ou quoi? J'en ai ras le cul. Cette année, il y a Pacification.
il n'est pas sorti. Asbestas, il n'est pas sorti près de chez moi. Et oh, là, il commence à en avoir ras le cul. Il n'est pas sorti chez moi, Ajaccio. Lequel, tu dis? X. Ouais, moi non plus, il n'est pas sorti. Et j'en ai un peu ras le cul. Alors, comme j'ai dit, je sais que les gars de mon bled. Il est sorti à Paris, mais il passait à 22h. Enfin, tu vois, il y avait deux séances le soir et encore dans 2-3 cinémas dans Paris. C'est passé complètement inaperçu. Donc, moi, mon coup de gueule, il est un peu dans le vide. Mais putain, je sais que les gars là où j'habite, ils sont un peu gogol. Je sais, je passe mon temps à essayer de dire qu'ils soient moins gogol et qu'ils aillent voir certains films. Et puis je le sais aussi, j'y habite, donc je sais ce que c'est que les caractéristiques. Hein, je les connais, je les ai. Mais putain, au bout d'un moment, arrêtez de. Je veux dire, si vous nourrissez pas les gens, forcément ils vont être encore plus gogol. Si vous leur mettez du Marvel, ils vont forcément voir que Marvel. Bougez votre putain de cul, sortez des choses, respectez votre public, surtout que vous le faites dans la putain de blende d'à côté. Voilà. Je suis complètement d'accord. Moi, je suis désolé, j'en ai vaincu. J'en ai discuté. J'ai un lien avec lequel je discute avec le directeur adjoint du cinéma d'Ajaccio. On est devenu pas potes, mais on a lié connaissance parce qu'il organisait les soirées Nanarland qui s'appelle l'Astronaute à Ajaccio. Donc, où il diffusait des nanars, des extraits de nanars et tout. Moi, j'adore. Je passe des super soirées. Et donc, on a sympathisé. On n'est pas potes, mais on papote. Je lui posais la question, je disais, mais pourquoi ce film-là n'est pas sorti? Mel, d'ailleurs, je crois que Mel n'est pas sorti au cinéma, ici à Ajaccio. Je disais, pourquoi il y a tel ou tel, il me dit, parce que ici à Ajaccio, c'est une petite ville, il n'y a pas énormément de d'affluence, et il faut qu'on privilégie les films dont on est sûr qu'ils vont faire de l'entrée, quoi. Et X et Men et tous ces films-là, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Du coup, il disait, je suis désolé, peut-être qu'on va les sortir, mais avec un petit peu de décalage sur des séances le samedi après-midi ou le dimanche matin, ou tu vois. Mais ça fait chier parce que du coup, t'es en retard, tu peux pas voir les films comme tu veux et forcément, tu te fais spoiler par des connards sur Internet qui te disent, ah, c'était super, t'as vu la fin, il se passe ça. Du coup, t'as plus envie d'aller voir le film et c'est dommage. C'est dommage, mais malheureusement, c'est... Alexandre, mais Ajaccio, c'est la plus grande ville de ou c'est Bastia ou c'est... Non, Ajaccio, c'est la plus grande ville de Corse, mais il n'y a que 87 000 habitants, je crois, un truc comme ça. Ah ouais. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. En après, il y a des gens autour. Bah oui, on est un pays très rural, hein. Tu sais, ici, c'est une petite... Je vais te dire, un pays, tu vois déjà la mentalité. Après, il s'étonne, ça ne sort pas en même temps. Vous n'avez pas vu les images de Nice à Bastia après la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde? Ils ont fait la fête à Bastia, ils étaient super contents que la France ait perdu. Donc non, c'est un peu particulier ici, l'état de l'Union. Ah bah c'était chez moi à Nier, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Ouais, non mais après, je comprends le propos de Beauparleur. Moi, j'ai la même colère, mais un peu moindre, parce que j'ai compris en fait que l'exploitant qui a failli fermer, surtout à cause du Covid, qui a failli mettre la clé sous la porte, soit obligé de rentabiliser au maximum. Et malheureusement, par exemple, The Northman, dès qu'ils ont vu que ça marchait pas trop, ils l'ont retiré de l'affiche la semaine d'après. Quoi. Il a fait deux semaines à l'affiche, puis il est sorti du réseau, le film. Donc, si tu n'as pas eu le temps d'aller voir à ce moment-là, tant pis pour toi. Non, mais Alex, que les choses soient claires, hein, ce que tu dis est logique et je le comprends, hein, ça, y a pas de souci. Mais bon, quand tu as un cinéma qui a je ne sais pas combien de salles, qui passe que des gros blockbusters, en fait, il faudrait que je raconte la déchéance des cinémas dans le bled où j'habite. Où, au début, il y avait des cinémas qui passaient plus de films internationaux et ils les ont fermés. Maintenant, la VO, ça devient compliqué à voir. Tu es là, bon, au bout d'un moment, voilà, il faudra peut-être vous bouger. Mais ici, pour les films asiatiques. Pour les films asiatiques, c'est une horreur. Non, mais c'est partout, ça. Enfin, film asiatique, il y a la bouche ici. Moi, j'arrive à voir des films asiatiques dans un festival qui les passe six mois après tout le monde, hein, après qu'ils soient sortis au cinéma. C'est partout, ça, Alexandre. Enfin, c'est très... Il faut qu'il y ait un truc qui ait un peu de presse et un peu de... Sinon, ça sort... Il faut aller... même les films indiens, t'as un festival chaque année, je crois que c'est au mois de novembre, à l'UJCL, au Publicis, sur Champs-Élysées, mais c'est des films que tu vois pas. Moi, j'ai la chance à Asnières d'avoir un exploitant avec qui je suis pas pote, mais je papote, tu vois, aussi. Mais voilà. Et le mec, en fait, c'est un vrai amoureux du cinéma. Tu vois, il a financé, je te dis, on a le seul écran LED LG de France. T'as quand même une dalle de 55 mètres carrés, c'est quand même, enfin, c'est le trou de, enfin, Asnières, c'est pas Paris, tu vois. Et moi, j'ai pu revoir Barry Lyndon, Le Mépris, M le Maudit, dans des conditions exceptionnelles. Et le mec, c'est un vrai amoureux du cinéma. Et lui, il me dit Avatar, je peux pas passer à côté et ça va me rentabiliser. Mais c'est limite,
il est obligé de sortir les blockbusters, alors, mais il est quand même cinéma d'arrêt d'essai. Tu vois, il y a quand là même où je me suis énervé, là où je me suis énervé, j'ai envoyé un message un petit peu hargneux contre justement le directeur adjoint du ciné en lui disant mec, là tu ressors le Spider-Man No Way Home avec 10 minutes en plus, là tu te fous de ma gueule. Il y a des films que tu vas faire passer à la trappe pour faire ressortir Spider-Man No Way Home. Mais oui, mais il est obligé, mais là non. Enfin, 10 minutes en plus de film, on s'en bat les couilles de 10 minutes en plus sur un Spider-Man No Way Home qui est déjà nul à la base. Eh oui, je sais que le pognon. C'est qu'il y a plein de mecs aujourd'hui, le Spider-Man No Way Home avec 10 minutes en plus, c'est le Barry Lyndon d'il y a 30 ans. Enfin, tu vois, c'est ça. Mais il y a plein de gens, mais non, mais je suis désolé, il y a plein de gens aujourd'hui, c'est leur standard. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais les mecs, quand tu vois qu'ils se paluchent sur du Marvel, bon, bah voilà. Ils se paluchent sur du Marvel, mais à un moment donné, tu peux. Moi, je sais que le cinéma chez moi fait des ressorts. Là, il y avait un cycle mafieux. Donc, ils ont ressorti Les Affranchis, ils ont ressorti. Ils ont sorti l'autre, là, de L'Impasse, ils ont ressorti Les Incorruptibles. Ben, voilà, il y a des cycles comme ça qui repassent des films sympas. Mais malheureusement, 80% du temps, c'est du blockbuster à la con. Ouais. Ça fait chier. Thor 4, il est resté un mois à la fin. Voilà, oui. Ça me broute les couilles. Mais bon, c'est malheureusement. Pourtant, Thor 4. Je voulais juste aussi. Je voulais juste rebondir sur ça. Moi, j'ai la chance d'habiter à Lausanne. À Lausanne, c'est cool parce qu'on a deux cinémas. Pâté, il y en a un des deux qui est plus orienté gros film américain, gros blockbuster, l'autre qui est plus orienté film d'auteur Ari Esser. Et en plus de ça, on a aussi la Cinémathèque Suisse à Lausanne. Donc, ce que j'entends, c'est que quand il y a un film qui sort en Suisse, je serai sûr de pouvoir le voir. Le problème, c'est que pour des raisons, ça doit être des questions de droit ou je sais pas pourquoi, mais il y a des films qui ne sortent pas. Typiquement, Asbestas n'est pas sorti ici. Pourquoi donc il n'est pas du tout sorti en Suisse. Pas pareil pour le dernier Grey Armageddon Time. Il n'est pas sorti ici, alors que c'est sûrement des films que j'attendais le plus de l'année. Mais je comprends pas ça. C'est même pas une question de distribution. C'est que j'aurais pu aller genre à Genève, j'aurais pu aller à Zurich, j'aurais pu aller, je m'en fous. Mais non, mais même pas, il est sorti nulle part, donc je comprends. Ça, c'est aussi un truc qui me frustre énormément. Et particulièrement quand c'est vraiment des films que j'avais vraiment envie de voir, du coup. J'ai toujours pas vu Asbestas, j'ai toujours pas vu Armageddon Time, et ça m'emmerde. Ça m'emmerde vraiment. Après, dans l'autre sens, il y a des films qui sortent en Suisse en salle qui peuvent pas sortir en France parce qu'ici, on n'a pas la chronologie des médias, et puis ça, c'est assez cool, du coup. Mais après aussi on a des films qui ne se sortent pas, alors que j'ai vraiment aucune idée pourquoi, et des fois ça me saoule un peu, ouais. Okay. Après, petite question pour la Suisse, parce que la Suisse, comme c'est quatre langues, mais on va dire trois régions, mais surtout deux, il y a ça aussi, ouais, il y a aussi ça, il y a des fois des films. Après, si généralement ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent des films qui sortent en premier dans une des régions linguistiques et après dans l'autre. Mais généralement, si le film sort dans une des régions linguistiques, il va aussi sortir dans les autres régions. À moins que ce soit un film qui est vraiment très ciblé, genre le public allemand, du coup, qui va sortir que en Suisse allemande, ici, on ne l'aura pas. Ou inversement, avec certains films français. Mais généralement, ouais, quand un film sort dans une des régions linguistiques, généralement, il aurait sorti ailleurs, mais c'est pas toujours en même temps, mais au moins il y a une sortie. Alors que là, Asbestas, j'en ai pas vu la couleur. Et pareil pour le Grey, donc ouais, je sais pas, c'est un peu un mystère pour moi. Très bien, écoutez, on arrive à... Non ? Non ? Et toi, Denis, ton coup de cœur et ton coup de gueule, alors ? Il est déjà un peu tard, mais... Non, mais fais vite. Puisque moi, je suis très long, toi, fais court. Non, mais moi, c'est mon coup de... mon coup de gueule, ce serait plus Blonde. Ah oui, ouais.
Je pense que tu vois ça. Ça, malheureusement, je pense que c'est un film qui aurait mérité d'être de sortir en salle. Je sais pas si j'aurais plus apprécié, mais je pense qu'en salle, ça aurait peut-être valu le coup. Voilà. C'est dommage. Mais moi, c'est parce que j'attendais. Ah, on a perdu. Alors, on a perdu François et Alexandre. Mais moi, on va apprendre que ceux qui partent, ils meurent, en fait. Et puis, voilà. Non, mais moi, Blonde, ça a été une grosse déception. Parce que j'attendais ce film depuis longtemps, on en parlait depuis longtemps. Pareil. Et puis parce que Ana de Armas, évidemment. Et d'ailleurs, J'ai pas réussi à aller au bout. Moi, je trouve que c'était une perte de temps. Enfin, je me suis dit, j'ai d'autres trucs à voir, moi. Très franchement. Non, mais moi, si tu veux, j'ai voulu aller quand même jusqu'au bout. Parce que voilà, je l'ai vu en deux fois. Ouais. Mais par contre, c'est très très noir. J'ai eu beaucoup de mal avec ça, même si le style fait penser à Lynch. Et pourtant, Lynch, j'adore. Mais avec Blonde, j'ai eu vraiment un sentiment de malaise. Vraiment. Donc, tout au long, sur ce dédoublement de personnalité. Le film, ce n'est que trauma, névrose, hystérie. C'est un long cauchemar, en fait. Et pour moi, ça a été vraiment un calvaire qui suis resté devant Netflix en voyeur. Donc, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, Blonde, ou pas. Ouais. Alors, oui, je l'ai vu. Beau Parleur, toi, tu avais fait une vidéo, je crois. Ouais. Oui, il a fait une vidéo dessus. Ouais, ouais, c'est ça. Mais Alex, toi qui l'as vu aussi. Même sentiment que toi, je m'attendais à mieux. J'ai été déçu forcément. Moi, c'est vraiment le côté pervers du réalisateur. Je ne trouvais pas de... Alors, ouais. J'ai trouvé qu'il avait ce côté un peu trop... je ne sais pas quel mot employer pour dire ça, un peu trop voyeurisme. Intrusif. Voyeurisme ou intrusif, limite dans ce qu'a pu être peut-être les côtés un peu plus pervers de Marilyn. Moi, je n'ai pas forcément adhéré. Le film ne m'a pas fait de bien, il ne m'a pas plu, en fait. Il ne m'a pas fait de bien, en fait. Je me sens pas apaisé ou... Par rapport à ce qui est arrivé à Marilyn, je me sens pas voilà. Non, certainement pas. Mais est-ce que ça valait le coup de raconter cette histoire de cette façon-là? C'est ça. Moi, je me suis vraiment senti dans la peau d'un voyeur. J'avais. C'est ça, Non, mais ça rejoint même. Enfin, ça rejoint ce que tu disais, Alexandre. Là, alors, il n'y a aucun homme qui. Enfin, tous les hommes sont des ordures dans... J'ai eu le même sentiment d'ailleurs pour Men, justement. Voilà. Et, aucune nuance, aucune subtilité. Beaucoup de voyeurisme, ouais, beaucoup de perversité, beaucoup de. Après, oui, c'était certainement voulu, mais. Il y a une petite nuance, je trouve, c'est que le personnage est autodestructeur. C'est-à-dire que c'est pas juste les mecs qui sont des connards. Parce qu'à chaque fois qu'elle se marie avec un mec, elle l'appelle papa et autre délire, tu vois, je veux dire. Donc, c'est pas juste les mecs qui sont des salauds. Elle a un trauma, mais après, c'est elle-même qui devient, au bout d'un moment, alors évidemment, les gens ne veulent pas être mal. Donc, il y a un truc qui ne va pas, mais après, elle provoque elle-même un effet boule de neige, elle provoque elle-même son propre malaise. Ouais. Mais... moi, j'ai trouvé que autant sa période hollywoodienne cachait les réalités sous les paillettes et le glamour, autant je trouve qu'avec ce film-là, le portrait est aussi trompeur. Il inverse tout. En fait, parce que Marilyn, c'est ni blanc ni noir. Les hommes ont profité d'elle, certes, mais elle-même a profité des hommes. Bien sûr. Et en fait, personne ne sort. Non, mais en fait, sur Marilyn Monroe. Ce Hollywood-là, on l'avait déjà dans LA Confidential, où c'était déjà exposé. Enfin, tu vois. Et puis, c'était pas la même chose. Mais bon, il y avait la drogue, les starlettes, le cul. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé que voilà, détruire le mythe à ce point-là, ça, j'ai trouvé l'exercice éprouvant. Vraiment. Ouais.
Ouais, c'est, bon, je trouve que c'est le miroir inversé du film Bohemian Rhapsody, qui lui dressait un portrait beaucoup trop joli de ce qu'avait pu être le groupe Queen, et ce qui m'a un peu gêné dans le film. Là, je trouve que ça dresse un portrait beaucoup trop sombre de ce qu'était la vie de Marilyn. Voilà. Ouais, bon, après, ouais. Le film, il s'assume comme une fiction, il faut le savoir. Oui, oui, et qui est tiré d'un roman qui est biopique et qui est une fiction aussi. Ouais. Ouais. Là, je ne savais pas du tout. Tu vois. Ah, ben, peut-être puis, que alors, la lecture a été un peu faussée par ça. Alors. Et puis, j'ai trouvé que le message, je vous passe le message dangereux que véhicule le film sur les hommes, évidemment, et en particulier la scène avec Kennedy que j'ai trouvé abjecte. À quoi sert cette scène? Enfin, je l'ai pas compris. Je l'ai pas vu la scène, mais j'en ai entendu parler en long, en large et en travers. Ouais. Voilà. C'est un homme aussi grand soit-il, voilà. Ouais. Mais bon, ça on le savait déjà. Après, hein, la plupart des grands hommes sont des souris. Hein. Et ton coup de cœur? Et puis mon coup de cœur, alors. Bâtard 2. Comment? Non, non. Moi, c'est. Top Gun Maverick. Mon coup de cœur, c'est un film Avatar que j'ai Maverick. Vu début janvier 2022, au tout début janvier. The Green Knight. Voilà. Le Chevalier Vert. Ah oui. C'est magnifique. Alors, magnifique. Qui n'est pas sorti non plus. Vraiment, ouais. Non. J'ai adoré ce film. C'est un film sensoriel, ouais. qui reprend les codes du mythe arthurien pour en faire une méditation sur la mort. J'ai trouvé ça vraiment c'est ça. Extraordinaire. Et que je regrette de ne pas avoir vu au cinéma. Mais c'est mon plus grand regret, en fait. C'est pour ça que voilà. Je ne le mets pas dans mes coups de cœur, parce que j'aurais dû le voir au cinéma. Ce film méritait une salle de cinéma. C'est une horreur de sortir ça sur une plateforme de streaming. C'est dégueulasse. Alors par contre, il n'y a pas de bataille, hein, il n'y a pas de dragon, mais c'est plutôt un récit initiatique. Original, parce que. Ouais, alors. Oui, dis-moi. Ce qui est génial, c'est la déconstruction du héros mythologique. Ouais. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est qu'on part d'un jeune homme qui se veut être déjà un peu une loque. Hein. Le mec est alcoolique, il ne fait que s'enjailler avec des filles de mauvaise foi, il boit beaucoup, il n'a pas du tout l'âme d'un héros, et puis finalement il se lance dans cette quête et il va arriver au bout de sa quête, mais en mode c'est pas du tout l'image qu'on se fait du héros mythologique ou mythique. Ben, en fait, il pose une réflexion très intéressante. C'est est-ce qu'il faut-il mourir brave dans l'honneur, jeune, ou vivre dans la lâcheté jusqu'à sa mort. C'est ça. La question avant. Ouais. Et le film au début pose cette question pose les bases en disant que on va vous raconter cette histoire telle qu'elle a été contée la première fois, pas comme elle a été ensuite enjolivée, brodée, tout ça. C'est l'histoire telle qu'elle a été vécue, je pense, au moment de la rapporter. Mais c'est moi, j'ai adoré, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Le mythe arthurien, tu peux pas vraiment dire qu'il y a une version d'origine, parce que je m'étais pas mal renseigné dessus, t'arrives pas à trouver la version d'origine. Il y a plusieurs théories, dont une qui avait donné le film là avec Clive Owen, toi, qui se base un peu sur certaines. The Green Knight. Delphine, The Green Knight. Green Knight, le chevalier vert. Et qui se base donc sur des trucs historiques, même si j'avoue qu'il y avait pas mal de Mikkelsen avec un sabre de samouraï en Bretagne à l'époque, qui prenait certains mythes, et le mythe arthurien, le truc, c'est que c'était un mythe, comme tous les mythes, c'est un mythe oral qui a été transformé, ensuite il a été mis à écrit, et même à l'écrit, il y a plusieurs versions, tu vois. On n'est même pas sûr que le roi Arthur ait vraiment existé à l'époque à laquelle on le pense. Il y a deux Artorius, déjà, pour commencer, qui font un peu l'origine du mythe, on ne sait pas trop, on pense que c'est peut-être un rassemblement de plusieurs personnages, on sait pas, on dit même qu'à la base, c'est une légende galloise qui a été reprise par les Anglais, tu vois, les Gallois gueulent là-dessus, tu vois. Ils avaient qu'à jouer un peu mieux à la Coupe du Monde. Peut-être que ce serait le meilleur film sur la légende arthurienne, c'est Sacré Graal de toute façon. Ah, c'est clair. Excalibur.
Excalibur, non, je voulais en faire une vidéo, j'ai commencé à bosser, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai bossé un peu le mythe arthurien, tu vois. Et puis finalement, je l'ai pas encore fait. Non, mais le Green Knight, je comprends Denis, que ça soit ton coup de cœur, parce que moi, j'aurais pu le mettre aussi dans mon gros coup de cœur de 2022. Mais le fait de pas l'avoir vu au cinéma, je pense que ça enlève un peu du côté grandiose du film, en fait. Bien sûr. Et après, voilà, c'est un film qui n'évite pas les longueurs. Hein. Alors, évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'il y a très peu d'action, ou pas du tout même. Hein. Quasiment pas du tout. Donc, voilà, hormis une tête coupée à un moment. Hormis une tête coupée, voilà. Mais est-ce qu'il y a des blagues toutes les deux minutes? Ah oui, ça fait des blagues tout le temps. Yannick Dahan parle très bien, lui, dans la minute de Yannick Dahan sur ce film. Il est très loquace. Voilà, donc c'est pour moi, c'est un beau film. C'est une parabole sur l'échec, l'imposture, les malentendus, la vanité de toute une vie, en fait. Voilà, c'est un film. Et moi, j'en ai beaucoup parlé aussi sur le groupe Cinéphile. Hein. J'avais fait une publication. J'ai fait toi-même aussi hein, très récemment d'ailleurs hein, je crois c'était je crois sur la chaîne qu'on avait commencé début décembre qui a été rompu par Romain d'ailleurs tu sais sur Oui, je crois que c'est Romain qui n'a pas rebondi sur le qui avait été nommé et qui n'a pas. J'ai jamais vu le tag alors. C'est pas grave, de toute façon, maintenant c'est mort. J'avais regardé en plus sur le film, mais j'ai pas vu la. Est-ce que tu sais qu'Antoine Partouche a acheté une poupée vaudou et à cause de toi il plante des aiguilles dedans. C'est pour ça le pied la dernière fois en fait. Ouais, j'avais réagi à ta publication, Denis. Après, juste un petit truc vite fait aussi sur Green Knight. Il ne faut pas oublier que ça fait partie donc de la culture anglo-saxonne et que les anglo-saxons, pour rester vague, parce que lesquels, je pense plutôt les anglais évidemment, mais ça fait partie de leur culture et ce sont des textes qu'ils connaissent. Alors, je ne sais pas s'ils ont lu forcément les textes d'origine, mais c'est des choses qu'ils étudient, je pense, à l'école, que c'est beaucoup plus connu chez eux. Et donc, c'est un rapport à l'histoire d'origine, on va dire, ou en tout cas à l'histoire classique, puisqu'on a parlé d'histoire d'origine, à l'histoire classique qui est peut-être différente que ce que nous on peut avoir. C'est ça. Et surtout que nous, Français, le rapport qu'on a au personnage principal qui est Gauvin, c'est Kaamelott quand même. c'est le neveu du roi Arthur dans Kaamelott. Donc, on va faire plus simple. Déjà, à partir du moment où tu appelles un mec qui habite dans une île là-haut et tu l'appelles Gauvin avec une prononciation plus française, tu meurs, il y a un problème. Romain, tu l'as vu, Le Chevalier Vert? Non. Non, et pour être honnête, ça m'intéresse pas des masses. Je suis pas un grand fan du Real. Tu n'avais pas aimé A Ghost Story? Non. Moi, j'avais beaucoup aimé. Tu n'as pas aimé la scène de la tarte? Ah non. 15 minutes quand même. Ouais. Peut-être même plus, je crois. Je crois que c'est vraiment le truc qui a fait que je n'ai pas regardé le film. On peut me dire tout ce qu'on veut sur tu ressens des trucs au bout de 15 minutes et tout. Je l'ai d'ailleurs, ce film. J'ai un Ghost Story. Moi je l'ai revendu. Hein. C'est typiquement le genre de film qu'il faut voir au cinéma, je pense. Ah oui, parce que c'est complètement sensoriel. Certains plans, c'est vraiment des tableaux. Alors attends, au cinéma, je serais peut-être sorti. Mais en tout cas, je pense que ça gagne à être vu au cinéma, en tout cas. Non, mais j'aimerais que... On a beau dire ce qu'on veut, au cinéma, tu vois, tu t'es bougé le cul, tu as pris ta place, tu as prévu ta séance, tu as pris le métro, tu as été, et c'est une vraie démarche que d'allumer ou de foutre un DVD devant ta télé, et tu vois, oh non, ça me saoule au bout de 10 minutes. Je pense qu'on l'a tous fait. C'est pas du tout la même démarche de voir un film au cinéma que chez soi. Voilà. Même si tu peux te recréer les conditions, mais c'est pas pareil. Voilà. C'est pas le même investissement. C'est clair. Comme disait Godard, quand tu regardes la télé, tu baisses la tête, et quand tu regardes le cinéma, tu la lèves. Tu vois, c'est quand tu regardes à l'écran de cinéma. Exactement. Voilà.
Moi, je vais aussi faire une citation d'un de mes élèves de karaté à l'époque, c'était un italien, et il parlait pas très bien français, donc des fois il faisait des tournures de phrases. La pasta è buona quando è cotta. Parfait, la pasta. Ma cosa ha detto? Non, mais ce qu'il a dit, c'est il m'a dit, tu vois, moi, au bout d'un moment, à force de regarder la télé, je m'ennuie, j'ai besoin de faire des choses avec mon corps. Il était plus en rencard pendant une demi-heure, il n'a pas compris au début. Bien, voilà, on a fait le tour. Ouais. Donc, après, il y a d'autres films dont on n'a pas pu parler, qu'on aurait pu citer, je pense, dans notre liste des tops. Moi, il y a donc Les Cinq Diables, j'en ai parlé un petit peu dans le... Mais on s'en fout de ta liste, elle est trop longue, on va pas la lire. Il y a Les Cinq Diables que j'ai vraiment adoré. Ah oui, Moonfall, c'était une merde, mais incroyable. Ça, j'ai pas vu non plus. Ah non, mais ça, je veux pas le voir. Ça, je veux pas le voir. Mais Les Innocents, ouais, je l'ai loupé. Alors ça, c'était pourri. Alexis, tu veux pas voir 355, mais il y a pas des 157 là-dedans. Ah si, il y a que ça. Il y a que ça, mais c'est pas un film. Ça fait pas un film, ça j'ai pas vu. Génial. Ouais, c'est un chien. Moi j'ai aimé. Moi j'ai aimé The Northman. Les Crimes du Futur, je l'ai pas vu encore. Ça, il paraît que c'est génial ça. Moi j'en ai vu. Adieu Monsieur Hoffman. Non, j'ai vu Adieu Monsieur Hoffman, c'était sympa. Ça, je l'ai pas vu. Putain, celui-là, j'ai pas pu le voir. Il est pas passé. Quelle horreur. Ah, ça, super. Del Toro. Magnifico, Del Toro. J'adore les deux, mais je peux pas. Ça, il paraît que c'était très bien. J'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Rien à foutre. Wakanda Forever, c'est un prêt avatar. T'as des hommes en bleu qui viennent de l'eau, qui se battent sur des bateaux. J'ai pas pu le voir non plus. J'ai pas pu le voir non plus. Alors, quelle merde. Mais quelle merde. Ouais, ça très bien. Intéressant, Smile. Ouais. Très bien. J'ai pas pu le voir. Non plus. C'est hors de question. Ma femme l'a vu. C'était bien ça. Au revoir Paris, très bien. Ça très bien aussi. Ça génial. On en a parlé. Ça, je l'ai loupé, celui-là. Allez, je l'ai pas vu. Il est sympa, mais manque de rythme, je trouve. Mais déception, celui-là. Excellent, L'Innocent. Ouais. Très bien, moi, j'ai beaucoup aimé. Très bien, sympa. Pas vu. Ah, c'était cool. Franchement cool, ouais. Ça, non. Je peux vous faire une révélation. Moi, je suis allé voir Coupé à la Projo Presse. Très bon, Mascarade, pardon. Vous avez vu l'original. Aucun journaliste présent avait vu l'original, j'étais à bord. Ah, ben ça, c'est de la merde. Là. La revanche des crevettes à paillettes, j'ai beaucoup aimé. Déjà, le premier était horrible. Ça, je l'ai vu tout à l'heure, très bien. Très bien. Ça, je ne l'ai pas vu, je l'ai loupé, je regrette. J'ai loupé aussi. Ça, c'était superbe. Magnifique film. Ça, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore vu, mais j'adore. J'adore les sons. Ah, ça, c'est génial. Regardez Vesper Chronicle. Ah, merde. Il paraît que c'était bien, ça. Ça, bon, ça, on n'en parle pas. Solo Goyen, Yamor. Ouais. De la merde. De la merde. Très sympa. Ah, pas vu. Très sympa, j'ai bien aimé. Ah, oui. Non. Mais. Oui. Oui. Ouais. Super. La nuit du 12, super génial. Ah, magnifique. Magnifique. Non. Ah, j'ai pas vu ça. Ah et Avatar. Un peu bleu tout ça quand même. Ouais, on a fait le tour, je pense. Mais il y a eu quand même pas mal de beaux films ça, de belles merdes. Ça, on aurait dû en parler, hein, Moonfall. Pourquoi faire ? Il y en a des choses à dire. C'est intéressant. Mais il n'y a rien à dire, absolument rien à dire là-dessus. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Emmerich qui fait comme... du Emmerich fois 1000. J'ai un pote qui me dit, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Ouais, il y a un super film sur l'attaque de Pearl Harbor qui est sorti. Ça s'appelle Midway. Va le voir, tu verras, c'est génial et tout. Je me suis frappé ça au cinéma. Putain, je lui en ai voulu. C'était de la merde. Mais on aurait dit Hot Shots, le film, en fait. J'ai eu l'impression de voir Hot Shots. J'ai rigolé comme. Est-ce que tu as vu à la fin l'avion du héros, comment il se pose à la fin sur le porte-avions, on dirait la fin de Hot Shots. Sans déconner, il ne reste plus que la carcasse de l'avion qui atterrit comme ça, qui tombe sur le porte-avions. C'était n'importe quoi, ce film. Bref, c'est un film qui lui a fait perdre des amis. Exactement. Non, Wakanda Forever, je n'ai pas été intéressé par le bousin. Non, je n'ai pas pu le voir non plus, malheureusement. Elvis non plus. Putain,
J'ai vivement que ma fille grandisse et que je puisse l'amener avec moi au cinéma parce que j'ai pas de solution de garde tous les jours. Donc, comme ça, tu verras tous les Marvel. Tu auras de la chance. Hein. Tu auras tous les Marvel. Ouais, bon, sur le nez, c'est ma femme qui l'a vu. Non, c'est un peu long. Elle a 4 ans, ta fille. Non, elle a que 4 ans, Avatar. 3h30. Ouais, non, elle va pas tenir le coup, là. Non, ça va être chaud. Tu l'emmènes en deux fois. Tu l'emmènes une fois, tu l'emmènes au début, tu repars deux fois, tu viens, je sais pas combien de temps plus tard. Oh putain. Alors celui-là, j'ai pas pu le voir non plus, 3000 ans après, il n'est pas sorti chez moi. Ah, ça, par contre, celui-là, excellent. L'innocent, je ne l'ai pas vu non plus, il faudrait que je le voie. Cupé. Tu en dis tellement de bien, Romain, que je vais être obligé de le voir à un moment donné. Super comédie. Armageddon Time non plus, je ne suis pas allé le voir. Je suis d'accord pour dire que Mascarade est franchement pas mal. Malgré beaucoup de critiques négatives, ouais. Je n'ai pas trop compris. Pas vu. Les enfants des autres, Virginie et Fira, je suis amoureux d'elle, donc je vais certainement le voir. Ouais. Non, mais en plus, elle est bourrée de talent, cette femme. Oui, elle est bourrée de talent. Non, mais sérieusement, je veux dire, elle est très bien. Oui, non, mais elle est bourrée de talent, bien sûr. Bah, elle commence enfin à être un peu une actrice. Voilà, elle commence un peu à étoffer son jeu. Asbestas, quel film incroyable. Ouais. Génial. Oh, putain, ça m'a déçu, mais d'une force. Inintéressant. Exactement. Inintéressant. Non, ne dis pas ça, c'est Batman. Très intéressant. Batman. C'est jamais inintéressant. Batman. Hyper intéressant. Ouais, très très bien. Non, celui-là, j'ai adoré. J'ai passé un très bon moment avec vous, mais moi je vais vous laisser. Il est minuit passé là et je bosse aussi. Bien, on va y aller. En tout cas, merci pour tout. Merci Denis, merci les amis. C'était encore un très très bon moment. Super moment avec toi. Moi, je n'ai pas pris le temps de parler d'ambulance, mais bon, écoutez, ce sera pour une autre fois. Hein. Ouais, le premier live. Soit on va faire un live sur ambulance, je me casse, moi, je ne reste pas. Ah ouais, Alors, c'est réalisé par Michael Bay. Ah, je commence déjà à avoir mal. Denis, je voudrais te remercier parce que c'est cette année, moi, que tu m'as fait intégrer le groupe des cinéphiles. Donc, ben, merci beaucoup de m'avoir fait rentrer dans la famille et de me faire participer au live. Décès, là, on l'a accepté ou pas ? Alors, moi, Denis, je voulais ne pas te remercier parce que tu as fait rentrer Alexandre dans le groupe. Et moi. Non, mais toi, Romain, t'étais là depuis un moment, non ? Non, mais toi, t'es là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Moi, je suis un des petits nouveaux. Je suis un des petits nouveaux, donc. Et Alex, oui, bah, tu es là avec nous depuis le mois de mai, je crois. Parce que tu es venu, on a arrêté les lives pour l'été, donc. Je crois que tu as fait un live et après, on est resté bien 3 mois sans refaire de live. On a repris fin septembre, je crois. Et moi, dès ton premier live, tout de suite, je me suis dit, j'ai fait le bon choix parce que tu nous as tous impressionnés. Voilà, ça a été super. Et je suis très, très fier de t'avoir avec nous. Et en plus de ça, très heureux de faire ta connaissance parce que cinéphile, c'est aussi ça, c'est aussi rencontrer des gens comme toi. Et ça fait faire des amis comme lui là à côté, là, comme on dit, lui là. Non, mais le but c'est de dire des qualités du groupe, c'est pour que les gens ils comprennent. j'ai rencontré un groupe de gens extraordinaires et qui deviennent petit à petit des amis. Donc ouais, merci beaucoup de me laisser participer à ça et puis de ta gentillesse et de ta bienveillance, bien sûr. Merci pour tout ça et puis c'est réciproque, Alexandre, beau parleur, Romain. Pareil, ouais. Voilà. Et je profite et je l'ai dit dans le merci groupe, à vous et remercie à moi aussi parce que merci. Je me trouve toujours très 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 intéressant. Donc oui, je pense que le succès du groupe ne est dû en grande partie à moi. Ne change pas, c'est un jour, on a plus ce genre de saillie. On va se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive ? C'est plus le même. Non, mais Romain, il me régale, moi. Dans les commentaires, il me régale, vraiment. Donc, j'aime la personnalité de cet homme-là. Ne change pas.
Moi, je l'ai dit dans le jeu. C'est quelqu'un qui gagne à être connu. Il faut prendre le temps d'apprendre à le connaître. Oui, c'est vrai qu'au départ, il peut sembler un peu abrupt comme ça, mais il est très sympa. On a envie de le taper. Je suis d'accord. Ah, oui. C'est un peu comme Ghost Story. Il faut le voir au cinéma. Pas qu'au début. Non, mais je suis sûr qu'autour d'une bonne bière, un bon gueuleton, il est très, très, très bien. Oh oui. Je suis une belle bière, moi, je deviens doux comme un agneau. Hein. Ça, c'est pas... Mais j'en doute pas. Il dit même du bien de Michael Bay, c'est de le faux. Tu vois. Salut Delphine, à bientôt. Delphine, merci. Bye, bonne nuit. Merci Delphine. Je l'ai dit dans le groupe quand on discutait, mais il ne faut pas oublier aussi, même si ça peut paraître grande gueule, de remercier Denis, parce que c'est lui qui gère tout ça. Denis, je lui dis merci régulièrement. Oui, mais après, vos histoires privées, ça vous regarde. Moi, je disais juste qu'il arrive à gérer différentes personnalités, différentes manières de concevoir le cinéma aussi. Ça, c'est très important, des gens qui pensent et qui ne vont pas le même genre de film. Il arrive à les réunir autour d'une table, comme ça. Il arrive à faire en sorte que les gens se tapent, mais qu'il n'y ait pas de mort, donc ça va. C'est vraiment ce que j'aime et c'est là où je suis fier aussi de vous, c'est que vous êtes tous différents, vous avez tous un cinéma différent et c'est ce qui fait justement la beauté du groupe et des lives. Donc ça c'est vraiment, j'en suis très très fier. Ce que j'aime bien, c'est grâce à toi. On a tous des goûts assez hétéroclites, alors même si on se retrouve sur certains trucs. Mais en fait, chacun défend, je trouve, assez bien le cinéma qu'il aime. Et enfin, tu vois, mais il y a des trucs où il y a des cinémas que j'aime pas, mais quand j'entends les autres en parler, ça me donne envie de l'aimer. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai que quand on reçoit un Laurent Sanchez, Lorenzo Bis. Ouais. Il n'a pas du tout le même cinéma que nous et c'est ce qui me plaît aussi, c'est que lui justement peut m'apporter d'autres choses. Mais oui. Il est très très bon en plus. Hein, dans ce qui moi, Lorenzo, on a un truc en commun, c'est qu'on aime beaucoup les films d'exploitation un peu série B voire série Z des années 70-80. Là, l'autre fois, il a fait une publication dans laquelle il disait qu'il allait regarder Strike Commando. Il n'y a pas énormément de gens qui connaissent Strike Commando. Si vous avez l'occasion de voir ce film, regardez-le. Si vous avez envie de rire, regardez-le. Mais c'est ce genre de film qui nous réunit un peu avec Lorenzo, parce que voilà, on a cet amour un peu du nanar et du cinéma bis, qui est vraiment, c'est un super connaisseur. Le mec, c'est un puits de connaissance à ce niveau-là. Il a pas pris ce pseudo pour rien, le gars. Hein. Il sait de quoi il parle. C'est évident. Ouais, tout à fait. Bien, mais écoutez, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Passez de bonnes fêtes d'année. Et puis, de toute façon, à demain sur le groupe, je pense, et puis à l'année prochaine pour le live. Denis, j'en profite pour te dire que j'ai essayé de publier ma critique de Decision to Live sur le groupe Cinéfilm et qu'elle n'a toujours pas été validée depuis hier soir, je crois, ou ce matin, je ne sais plus. C'est parce que là, c'était pas terrible hein, ce que tu as écrit. Certainement que c'était pas terrible. Je peux me permettre, il y a beaucoup de fautes de frappe, c'est n'importe quoi. Je me redis souvent. Non, mais je pense que depuis qu'Alexis est administrateur, il doit supprimer certaines de tes publicités. C'est pas vrai, j'autorise. Ah, l'enfoiré. Le salaud. Non, c'est pas vrai. Alexis, quand tu lances le truc de modération, il y a la musique de Terminator derrière toi. François a fait un très chouette billet sur Avatar 2 et c'est pas parce que c'était Avatar 2. Il avait fait un très chouette truc et qui a été giclé alors que franchement des publications sur Avatar, moi j'en ai pas vu tant que ça vraiment de passer. C'est dommage qu'elle ait été retirée. Voilà. Oui, parce que je l'ai pas vu. Oui, mais justement. J'ai fait une critique qui n'est pas passée sur le groupe donc je me demandais pourquoi. Écoute, j'ai décidé de dire, ça fait un petit moment. Je regarderai, sinon tu essaies de la republier. J'ai essayé de la republier. Alex, vraiment, par contre, moi, il y a un moment où je voulais publier des trucs. Ce que je fais maintenant, j'écris mon billet. Je ne l'écris pas en direct sur Facebook, je l'écris ailleurs. Et je le copie-colle parce que le nombre de fois où j'ai voulu publier, alors je sais pas, je pense que ça vient plus de Facebook qu'autre chose. Et en fait, ça ne sort pas. Moi qui j'ai parlé avec Denis et Antoine en leur disant mais je comprends pas, je voulais publier, j'avais trouvé un documentaire mortel sur Wong Kar-wai, je l'ai publié trois fois, il est jamais sorti. Tu vois, d'accord.
Voilà. Ouais, ouais, je sais pas. Mais... Donc, ouais, bah, je me suis juste posé la question. C'est tout. Ah bah, ça va, c'est pas si grave. Hein. Mais le... Mais moi, il me semble avoir vu. Enfin, je regarderai. Sinon, si tu as encore le texte, tu me le fais parvenir et puis moi j'essaierai de publier. Oui, il n'y a, pas de souci. Mais on va régler ça. Bon, allez, sinon, ça marche. T'as fait le virement bancaire pour ta publication? Ouais. Petite anecdote pour le beau parleur, parce que je sais que tu es amateur de foot. Aujourd'hui, on m'a confondu avec le sélectionneur de l'équipe du Maroc. Regarde, elle est là, ta publication. Ah ben ça y est, elle est passée. Ouais, voilà. Il me semblait l'entraîneur du Maroc. On m'a confondu avec l'entraîneur du Maroc, Ray Draghi. Il y a 4 heures. Voilà. Mais du coup, on t'a salué, on t'a dit t'es génial, t'es incroyable. Ouais, ils m'ont dit le Maroc a super bien joué. J'ai dit non, mais je suis pas du tout marocain, je suis pas le sélectionneur du Maroc et je suis italien de base, donc pas du tout. Laisse-moi tranquille. Tu lui fais ouais, bah, nous au moins on n'a pas perdu. Hein. Ouais, non, on n'a pas joué carrément. Voilà les amis, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la soirée, c'est super. Bonne soirée à tous, sauf à ceux qui ont des cheveux. Non, bah, du coup, Moi, j'ai pas de cheveux. Salut les gars. À bientôt. Ciao, bonne... Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Bonne fête de fin d'année. Je vous embrasse. Vous aussi. Ciao. Ciao.